Étoile, Ultia, Gomar, peut-être Mister MV s'il ne se désiste pas justement. Au dernier moment, il sera remplacé par quelqu'un d'autre, sinon. On verra, parce que là, il a dit qu'il avait beaucoup streamé ces derniers temps. Surtout en soirée avec la vie de famille, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, tout ça. Merci Galagad pour les 2 mois de sub, Friendly Cat with Abad pour les 100 000, Monkerion pour les 3 mois, Zarston, Mick, Jetpackman pour vos primes, Guild Renaissance pour le sub, Viridisco Live pour les 7 mois, Zuzulf pour les 4 mois, Lawavenger pour le prime, Joy Division 98 pour les 6 mois, Pegasus Joselito pour les 100 000, merci beaucoup. Tu as enregistré le Floodcast? Non, on enregistre ça demain soir. On enregistre le Floodcast demain soir avec justement Mister MV et Florence, angle droit. Ça va être très sympa. Ruboma qui dit juste Lucie t'es moche dans le chat. Je regarde ses messages. Il a dit couille, what the cut, ça commence quand, je t'aime Lucie, Lucie t'es moche. Écoute, tu vas te prendre un time out de 8 heures et on y réfléchira un peu plus tard, ok? On y réfléchira un peu plus tard. Ça mérite pas, voilà. C'est rire de droite. Juste histoire, tu vas dans ta chambre, tu réfléchis à ton comportement, quoi. c'est juste ça, quoi. C'est pas très sympa pour Lucie. Surtout si tu dis que tu l'aimes et en plus après tu dis qu'elle est moche. C'est pas très sympa. Voilà, tu vas au coin en attendant, quoi. Merci Richie 3366 pour les 3 mois de sub. Et tu me donneras ton carnet de liaison, hein. Ah bah plaisir Polo Y, merci beaucoup pour le gentil message qui va avec, merci beaucoup. Merci beaucoup. Faut le comprendre, elle préfère Anthony. Et bah en même temps Anthony, c'est juste le best en fait. Donc on se retrouve à 20 avec les autres, donc... dans 5 minutes, cool. Donc ça va être très sympathique. Ça va être encore un gros journée de live. Demain du coup je pense pas que je live, puisque je fais le floodcast. Et ensuite on verra. Là je crois que j'ai livé tous les jours de la semaine, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois. J'ai livé, ouais. Ouais, tous les jours. De lundi à dimanche. Merci à Apollinem pour le prime, dont un live de 11h l'autre jour, hein. Donc c'était assez terrible pour le coup. C'est qui, quand, quoi, ou le Floodcast? Le Floodcast, c'est un podcast audio qui est réalisé par Flaubert avec la participation d'Adrien Méniel, que tu peux trouver sur toutes les plateformes, sur iTunes, sur Spotify, un peu partout, avec des invités à chaque fois. Et là, les invités, ce sera moi, Mister MV et Angle Droit. Ça va être très sympa. Merci NicoBlue63 pour les 6 mois de sub. Grosse Nouille Glande pour le Prime. JosPMJ pour les 200 bits. Max Ziller pour les 100 bits. Merci beaucoup. A.K.A. le sniper, tout à fait, Adrien Méniel, le vrai hip-hop, tout à fait. C'est pour ça que j'ai rien foutu cette semaine, ah bah oui, bah, je suis désolé Q1. Merci Marius pour les 4 mois de sub, merci beaucoup. Est-ce qu'on connaît déjà le thème du Floodcast? Alors pas du tout, je ne suis pas au courant. Je pense, en vrai, je l'ai déjà fait une fois, et j'étais pas au courant avant d'y aller, et avant de lancer l'enregistrement, il nous dit, bah ça sera un petit peu comme ça. Donc je pense qu'on saura sur le moment, quoi. De toute façon, c'est juste de l'impro et tout, on s'en fout, quoi. Merci Malware60 pour les 6 mois de sub. Ça va être très rigolo et ça va être une bonne ambiance. De toute façon, je vous en reparlerai quand il sortira. Merci Lord Rang pour le sub. Merci beaucoup. Fais la bise à Flaubert, mais je vais faire mieux que ça même. On va faire l'amour. Avec grand plaisir. Les équipes de ce soir, du coup, je les rappelle. Ça sera Florence, donc angle droit, JD et moi, contre Étoile, Monté et Bilou. Et comme je disais, je le répéterai encore devant les autres, histoire de me plaindre. Vu qu'on n'est pas avec Bilou, c'est lose, hein. On rappelle qu'effectivement les règles pour gagner en équipe à GeoGuessr, c'est être dans l'équipe de Bilou. Voilà. Il était bien le premier Floodcast avec Antoine Piombino. C'est quoi ça, Maxime Camembert? Je sais pas la ref. C'est vrai que je suis avec JD qui arrange les règles. Mais après, ceci dit, il arrange les règles pour son équipe, mais lui il finit dernier. Il est grand temps de casser cette règle. Bah écoute, on verra. Après, je sais pas si Florence, elle a beaucoup joué. Je pense pas qu'elle ait beaucoup joué à GeoGuessr. Elle a pas souvent été là ces derniers temps, donc elle a pas pu trop train. Je sais que Bilou, à Bâle et tout, il joue avec Justin, qui est un des meilleurs joueurs du monde, bien sûr. Donc à voir, hein. Bilou, là, en ce moment, il est devenu God tier. Bilou qui est passé de E, c'est quoi, GeoGuessr, à 2 mètres. Et encore 2 mètres, c'est quand il est en petite forme, hein, ça pour le coup, hein. Le Tour de France est passé à Saint-Germain-en-Laye. Bah, j'espère qu'ils se sont arrêtés à l'Alchimiste. Évidemment, on rappelle que si vous allez à l'Alchimiste de Saint-Germain-en-Laye et que vous dites « Je viens de la part de Ponce de Twitch », il vous offre 424 shots. On le rappelle, effectivement. Donc ça, c'est tout de même incroyable. Angle droit s'est entraîné avant-hier. C'est vrai, c'est vrai. Mais pendant pas très longtemps, il me semble.
Ça a diminué, bah ça. Plus de gens leur demandent, moins ils en ont, quoi. Donc c'est assez terrible pour eux, quoi. Mais c'est pas mal. C'est pas mal à partager, ou pas, hein, tout simplement. Comme vous le sentez, hein, bien sûr. À 424 mètres de shot, c'est différent. Ah merde, j'étais pas au courant, excusez-moi. Mais apparemment, Ponce m'a dit qu'il y a vraiment des gens qui vont à l'alchimiste de Saint-Germain-en-Laye qui disent vraiment ça, du coup, suite à nos blagues. Mais en vrai, ça leur va, apparemment. Donc, ça leur fait de la pub, donc c'est cool. Merci OnRevax pour le Prime. Et je tiens à dire que je n'y ai pour l'instant jamais foutu les pieds. Même si j'ai failli il n'y a pas si longtemps. On a failli faire une soirée là-bas, mais je n'ai pas pu y aller. Mais plaisir, bien sûr. Mais les gens. Non, mais en vrai, voilà. En vrai, on se permettrait pas de faire ça si ça cassait pas. Enfin, si ça cassait les couilles du gérant, on ferait pas cette blague, quoi. Quel est le but du jeu? Bon, bah, on va encore expliquer. Tu es dans un bus. Dans les airs. Alors, je sais que ça peut te sembler un peu étrange. Tu sautes du bus, ok? T'arrives sur une île. Tu sautes du bus, t'arrives sur une île. Tu tombes où tu veux. Le but, c'est de looter des armes, des matériaux de construction. Et en fait, en gros, le but du truc, c'est de rester le dernier vivant. Donc, tu dois te protéger, tu dois attaquer. Ça peut être en équipe. Tout ça. T'as évidemment une zone qui se rétrécit de plus en plus, effectivement. Sinon, bah, tout le monde peut rester à camper dans son coin, à rien foutre, forcément. La zone force les gens à se rassembler les uns sur les autres, tu comprends? Et du coup, le but, c'est d'être le dernier, tout simplement. Bonjour, Mister JD. Bonjour. Ah, Salut. salut. Ça va? Bonjour. Bonjour, Ouais, ça va et Monté. toi? Oui, bonjour, Monté. Ouais. Bonjour. Bonjour, Monté. On attend Étoile, Bilou et Florence. Voilà. Ouais, Bonjour. voilà Bilou. Bonjour Bilou. Allô, Bilou. Oula, je vais baisser un peu ton Ça son, va? Bilou. Oui, ça va toi? Oui, j'ai un peu la tête, mais ça va. Ah, Un peu la tête. ça c'est une bonne nouvelle, ça j'ai envie de te dire, puisque tu n'es pas dans la team aujourd'hui. Mais C'est généralement, c'est Black là que je suis le 4GG pour meilleur, c'est quand moi. je vais pas bien, je suis le meilleur. Eh Ah merde. merde. Bonjour Allez. Florence. Hello! Comment ça Bonjour. va? Et Flo. Ça va très bien, et vous? Ça va, ça Ça va, ça va. va, ça va. C'est quoi Bien sûr. ça? Bien sûr. Et on attend bien évidemment Étoiles qui était le premier en live, mais le dernier en vocal, évidemment. Tout à Effectivement. fait, ça s'est revu. Ah Effectivement. le voilà. Ah Désolé, bonjour. désolé, désolé, désolé. Bonjour Un peu Ryan. habituel en fait. Bonjour Antoine, bonjour Florence, bonjour Bilou, bonjour JD, bonjour Monte. Monte. Bonjour Étoile. Oui. Ça va? Oui, Ouais, toi aussi. très bien. Fais Très quoi bien, cet Florence. après? Dieu, que ça! Un petit jeu, gars, ça! Toi. Arrête de te dire, ça va être Ça de va la. mettre des points. Ça va être de la géomerdouille cet après-midi, de la géomerdouille! Ça T'es en fait train de jeu, dire que merde. tu vas serrer les poings si tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mon cher Étoile, bien sûr! Je vais montrer le tableau. Je vais montrer le tableau. Oui. Attendez. Oh oui, montrons le tableau. Mes Attends, transitions jamais... fois. Il est Il est pin, non? Je sais plus. épinglé, tout à Il est fait. pin, et c'est la page Cliquez. 3v3. La page Ah, mais 3v3. on n'a pas nommé les équipes. Au secours? Bah non. Déjà, Ouais. j'ai vidé tout le tableau, mais j'ai pas pensé à mettre des noms d'équipe encore. Je savais pas quoi Alors, mettre. attendez, il y a un merde onglet, parce qu'il y a 3v3 Celui de hold, droite. donc c'est pas celui-là, c'est ça? Non. Ça, c'est Non. l'ancien, du coup. Merci Il y a combien de Satanistos fusées pour les 5 mois de entre sub. Ouais. Mikileni pour les 5 mois. Merci beaucoup. C'est incroyable. Voilà, donc les équipes s'appelleront les forts et les autres. Voilà. Voilà. J'avais mis les nuls à la base, effectivement. Et t'as remplacé par les autres en pensant que ce serait mieux, mais en vrai, je trouve que c'est presque pire. Alors, on est les autres. Eh, les autres, exactement. Ben Écoute, dans Linus, tout une ça. série, les autres, ils sont Tout pas à si mal. fait, exactement. C'est très très bien joué de la part de Exactement. monter un Tout à peu. fait. Bah, les autres, Ben Exactement, Linus, très bien tout joué. ça. Et 10 points pour Gryffondor. Très bien joué. Florence. En plus, les autres, ils ont Bilou, c'est cheaté, c'est déséquilibré. Mais Bilou, c'est le meilleur joueur du monde, non? Oui, Ah oui, c'est c'est vrai. J'ai été élu officiellement. par C'est. Ouais. champion de magazine. Oui. Par Champion Magazine? Est-ce que c'est le magazine des champions ou le magazine des magasins champions? C'est ça la question, surtout, en fait. Hein. On ne sait pas. Je vais dans les magasins champions et je suis un champion, donc. Ah, ça, c'est Tiens, extraordinaire. Dharma, du coup. Moi, Ah, oui, n'oublie bah. pas que j'ai perdu contre Zerator, hein, donc. Ah, Ça c'est va. Dharma, Oui. maintenant. Et, bah, c'est oui, c'est effectivement des références à la Ouais. série Lost les Disparus, tout à fait. C'est pas moi qui l'ai renommé, mais yes. On était
Ah d'accord, je pensais que c'était toi. Non, c'est pas moi qui l'ai fait. J'aurais mis une majuscule. C'est moi. C'est moi. Ah ok. Voilà. Oh, attendez, je me suis foiré. Je me suis foiré de scène, okay. Pardon. Non, okay. Non, on va pas, on va éviter, on va pas s'appeler. Dedans. Voilà. Bref. Du coup, voici les équipes. Moi, angle droit, Mister JD contre Étoile Montée, le comte Bilou, qui est un noble, on le rappelle, hein, bien sûr, tout comme moi, et évidemment. Et du coup, bah voilà, quoi, ça va être comme d'habitude, un round France Europe Monde en solo, puis ensuite Monde Europe France en équipe avec des malus, les amis, évidemment. Connard de malus. Connard de malus. Tout à fait. Okay. Que dire de plus ? Bah franchement, vous connaissez tous, hein, je pense. Je pense qu'on n'a pas grand chose à dire. Je propose qu'on rentre assez rapidement dans le vif du sujet, les amis, si ça vous va. Tout à fait. Sachant que j'ai un malus, je viens de faire 1h30 de Beat Saber. Oh. Ah ! Ah, tu fais du Beat Saber maintenant, mon tête ? La dernière fois, tu as dit qu'il était pas bon, qu'il se sentait pas bien et tout. Il était très fort. Il était très fort. La semaine dernière, j'ai fait dernier. Oh là ! T'allais bien la semaine dernière ? C'est vrai, la semaine dernière. Il a commencé en disant, je suis en pleine forme aujourd'hui. Merci Biob pour le Prime, merci beaucoup. J'ai jamais dit. Putain, mais tu fais du Beat Saber, c'est stylé, mon tête. Nice. Je dois pas être très gracieux hein, quand on boit de l'extérieur. Non, probablement pas, mais personne ne l'est. Ce n'est pas important. Personne tu te sens très stylé quand toi t'es dans le casque. Ah bah oui, bien sûr. Ça oui. Mais bon. Évidemment. Ok, donc la map se termine par 5Y, les amis. C'est une map France. Map France 5 minutes. Oui. Map France, mais je l'ai créée 30 secondes après m'être réveillé, donc j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Si jamais j'en referai une. Putain. 5Y, on est d'accord. J'ai l'impression que tout le monde est très en forme aujourd'hui. Celui-là. Ok. Let's go, les gars. Est-ce que tout le monde est prêt pour la première map 5Y, les amis ? Oui. Tout. Eh bien, bonne chance à tous. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et allez l'équipe, bien sûr. Merci, Kichi, pour les 2 mois de somme. Est-ce que les gars ? Alors, qu'est-ce que nous avons ? Il y a des montagnes. Comme Romain Montagne, le mec avec qui j'étais au lycée. Probablement une référence. Attends. Le Carrefour Drive. Où est-ce que nous sommes ? What the fuck, c'est en face de chez moi. Ben ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bienvenue, centre commercial. Ouais. Mais d'accord, mais on est où ? Ouais. 04. Bassins. Comme le noter, je suis pas sûr qu'on soit dans cette ville, mais soit. Je ne sais pas où nous sommes. Est-ce que là, il y a des panneaux ? Pas du tout. Il y en a zéro ! Tout simplement, il n'y en a pas. Qu'est-ce que ça dit ? 04, ouais... Attends. Bref. Voglans, Aix-les-Bains, Lyon. Ok. Donc Lyon là, Aix-les-Bains là. Bon, on est dans ce coin. On est dans ce coin, mais on est dans quelle ville surtout ? Ah, Chambéry, Barberaz. Donc Chambéry, c'est juste là. Chambéry est à ma... Ouais, à mon... Ouais, c'est dans ce sens-là, donc je devrais être par ici en vrai. Et Barberaz, c'est où ? Barberaz. Je sais pas comment on dit, hein. Je ne sais pas encore. Est-ce que mon entraînement en 2 minutes payera aujourd'hui ? Vraie question. Souvent, parfois sur les magasins... Ah, voilà. Ah, mais attends, mais on est à Chambéry. On est... Ah oui, Saint-Aban-les... Ah, Bassins. Ah oui, bah voilà, on est vraiment dans ce coin. Ok, on est dans ce coin-là. Retour au point de départ. Je suis où ? Au secours. Ouais. Si je vais par là, sur quoi je tombe ? Ah, je suis sur une route. La D8, elle est là. Donc on est bien à Bassins. Ou Bassins, je sais pas comment on dit. Hein. Ah oui, mais là c'est la D8 quoi. Merde, non, s'il te plaît. D8E. Là. Ça c'est la D8E. Ah, voilà. Oui. Mais du coup, je pense que je viens de par là. Tac, retour au point de départ. Y'a un nom de rue là, ici ou pas ? En vrai, ça pourrait grave être... Bah là où je suis là, en fait. Ça. Institut de beauté.
Cactus. Hmm. Horticulteur. En vrai, je pense que je suis là. Hein. Je pense que ce bâtiment-là, c'est ce truc-là. Hein. Vas-y, je fais mon guess. 3 mètres. On est très, 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 très bon, les amis. On est très, très bon. Donc, c'est 5000 points. Premier 5000. Tranquille. Merci Abisso pour les 4 mois de sub. Et Kitschi pour les 2 mois. Merci beaucoup. JD ne reconnaît pas. Putain. Il est savoyard. Enfin, il est haut savoyard, mais... Cinq minutes semblent interminables après le tryhard de 2 minutes. Ah bah oui, allez, effectivement. Sur le camion, j'avais le col postal, mais je connais pas les numéros de département. Le 73, bah je suppose que c'est la Savoie, du coup. Je l'ai pas. Donc, voilà. Merci Uanura pour les 2 mois de sub. Merci beaucoup. Alors, il y a Mockingbird qui a dit Zizi dans le chat. Et le mot qu'il avait dit avant, c'était H. Écoute, tu te prends un time-out de un jour, tu vas dans le coin, tu réfléchis à ton comportement. Hein ? Pas dire zizi comme ça. Voilà. Faudrait peut-être que je pense à mettre la chaîne en plus 18 au bout d'un moment, quand même. Faudrait peut-être que j'y réfléchisse un jour. Il avait dit H avant. S'il avait dit G, je l'aurais laissé, tu vois. Il avait dit H. C'est vraiment une lettre... Je la sens pas, tu vois. Le Z-Word. Sûrement un fan d'Eric Judor, bien sûr. Évidemment. Ça va la team ? Oui. Mais tu n'es pas la team. Bon, la team ne répond pas. C'est assez terrible. Oui, il y a un mode plus 18 sur Twitch. Deux mètres. Allez, la team. 517 mètres. 1 mètre. 91 mètres. Ah, Bilou, le pire joueur du monde, c'est officiel, tout simplement. Voilà. Ouais, pire joueur du monde magazine qui m'a élu. Bon, oh, personne n'a comboté, c'est déjà ça qui est bien. Mais je crois qu'on a... Équipe, effectivement. Florence, mets tes points dans on le tableau. On a gagné les points équipe, normalement. Oui, je veux faire. Avec les points d'angle droit, je pense qu'on a gagné les petits points équipe. Là, c'est vrai, effectivement. Ouais, et ça, c'est bien. Les trois petits points, pardon, ils sont pour nous. Allez, hop là. Y a pas de problème, l'équipe. Y'a rien, Bilou, y'a rien. Bilou, t'es le meilleur joueur du monde, écoute-moi bien. Hein ? Hein ? Hein ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il est quoi ? Qui dit ? Il est quoi, Lia ? C'est bon, Bilou, t'es fort. Allez. Notilterino, pas. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite, messieurs, dames ? Ouais. Oui, moi aussi. Oui. Eh bien, 3, 2, 1, ok, let's go. Alors... Attends, Florence. Non, c'est pas grave, allez-y, c'est pas grave, c'est bon. Trop tard, moi j'ai lancé, hein. J'ai lancé, c'est pas grave. Ah, pardon. Ah, mais attends. La semaine ? Mais c'est là. Oh merde, oh pardon. La sun, pas la sun, pardon, excusez-moi. Pardon, c'est bon, c'est fait. Taisez-vous ! Donc on est entre le département de l'Oise et de la Somme, les amis. On est pile à la frontière, mais sur quelle route ? La question se pose, hein. Est-ce que vous vous posez la question ? Moi, oui, hein. On est sur la... Combien ? D14. D14, où est-elle ? Où est la D14, les amis ? Où est la frontière ? Ok, pas là. Attends. Normalement, tout le monde va la voir si tout le monde est parti dans la bonne direction. En plus ou moins... Ah, voilà. Ben voilà. C'est bien le croisement avec la D109 ? Oui ! Et on vient d'un peu avant la frontière. Qui est là. Attends, retour au point de départ. Ah non, mais on est sur l'eau. Ah mais oui, on est là. Bonjour. 5 mètres. Voilà. Allez, la team.
Pas très dur pour l'instant. Pas très difficile. Entraînement de 2 minutes qui paye, hein. Extraordinaire. Maintenant, on attend. Mais c'est des lives un peu, on attend, effectivement. On est souvent les premiers à guess. Ça veut pas dire qu'on fait des 5000 points en premier. Mais on est assez rapide. On est assez véloce. On est très véloce. Du coup, on attend un peu. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que le système de points est biaisé pour GD, c'est tout ce qu'il faut savoir. Oui. Mais après, moi, ça me va, vu qu'il est dans la team aujourd'hui. Pour l'instant, c'est imperfect. Souvent, en France, je fais que des 5000, et à un moment, au milieu, je fais un 3000. Genre, je fais 5000, 5000, 5000, 3000, 5000. Donc ça, c'est assez terrible. 4 mètres aussi. Allez, la team. Je pourrais jouer à Fall Guys entre les games de GeoGuessr. Tout à fait. Merci Polyte Massona pour les 100 bits. Du coup, j'ai combo... Je poserai la question à JD après, je veux pas déconcentrer les autres. Enfin, surtout Florence, vu qu'elle a pas fini. Les autres, je m'en fous. JD qui fait que les 5000 en FR la semaine passée. Mais moi, je me fais pas de soucis pour JD pour la France, c'est surtout pour le Diverse World. C'est vraiment le Diverse World là où JD... il est vraiment, vraiment beaucoup moins fort qu'en France pour le coup. Un petit corps en attendant, un petit tour de la terreur peut-être. Petit tour de la terre. Ronaldinho Guess. 5 mètres. Pas mal ça, Bilou. Ouais, JD en Inde. L'équipe. Et la team. Florence qui est sous pression. Il y a quelqu'un qui trouve que les teams les moins équilibrées nous disrespectent au JD et angle droit, mais je préfère avoir étoilé Bilou dans ma team. Bah oui, mais bon. J'avais déjà eu... J'ai eu... À la suite, j'ai tout le temps eu Bilou. Là, on s'est dit, il faut changer un petit peu. Il faut varier les plaisirs, les amis. Varier les plaisirs. Mais globalement, ça va le faire. Florence qui doit chercher la somme. Bah après, si elle sait pas vraiment où c'est... Après, c'est peut-être aussi qu'elle est partie vers le sud aussi, hein. Si elle est partie vers le sud, jamais elle a vu le panneau Oise Somme. Et du coup, elle sait pas où c'est, quoi. Ah, 4 mètres. Vadim, thank you for the 21st months of subs. Vadim l'accordéoniste. Allez l'équipe. Thank you, Vadim. Et merci PGXREN pour les 7 mois de subs. Merci beaucoup. Oui, il y aura Among Us ce soir. Allez, la team. Je pense que Monté, il est vraiment parti vers le sud. 5 mètres pour Monté. Ils ont fait les 5000. Ça va, Florence ? Je suis parti de l'autre côté. Attends. Putain, ah. Je suis dégoûté parce que j'ai trouvé hyper vite. J'ai fait 17 km, hein, je suis désolé. Ah. J'ai trouvé hyper vite le panneau, genre Mont Didier, je savais exactement où c'était. Mais la D28, en fait, c'était pas dans le bon département que j'ai cherché. Ah, t'es parti vers le sud, Florence, c'est ça ? Je sais plus où je suis dans le... Parce que si t'étais parti vers le nord, tu voyais direct Bienvenue dans la Somme et l'Oise, tu vois. Vraiment la frontière entre les deux. Moi je suis parti vers le nord direct et j'ai pas croisé le panneau. Ah, tu le vois, vers le sud aussi. Immédiatement, il est quasiment au point de départ. Moi j'ai croisé le panneau et j'ai juste fait avec le ruisseau et le train, c'est tout. Je me suis dit, la frontière du département, ruisseau, train. Et j'ai juste cherché ça. Non, moi je suis monté à l'intersection au-dessus pour voir sur quelle route on était. J'ai vu qu'on était sur la D14 et c'est comme ça que j'ai trouvé. En fait, Mont-Didier, je savais où c'était et c'était indiqué sur un panneau Moreuil au nord de Mont-Didier. Je sais pas si vous le voyez sur la carte. Et en fait, il y a une D28 qui passe vraiment à côté de Moreuil. Et du coup, j'ai remonté toute la D28 sans voir où c'était. En me disant, c'est peut-être, il faut peut-être avoir une valeur de zoom un peu particulière et tout. Et j'ai passé mon temps à faire ça sans me dire, en fait, on était à la frontière et du coup, c'était un autre département, donc t'es pas au bon endroit, quoi. Mais il y avait indiqué Moreuil à la même distance que Breteuil, je crois. Donc je pouvais pas savoir qu'on était plus proche de Breteuil que de Moreuil. Je vois. Moi, j'ai cherché la voie de chemin de fer aussi après sur la carte. Moi, j'ai pas du tout cherché la voie de chemin de fer.
Ok, bon. Ok. Eh ben écoutez. Bravo l'équipe. C'est pas grave, on va se refaire. Merci Tankson pour le prime. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Oui, je suis prêt. Oui. Deux secondes. Oui, attendez. Je cherche juste à comprendre un truc dans le tableur. Ah. Oui. C'est oui. Ah oui, ça met le point bonus direct alors que ça devrait pas. C'est pas grave. Ok. Y a pas de souci. C'est juste que normalement, il y a un point qu'on est en bonus à la fin du challenge. Et là, il y est déjà, donc il pourra éventuellement. Les gens disent la triche commence. Et c'est effectivement le cas. Pour les adversaires, du coup, hein, pas pour nous. Hein. Ah, ouais, tout à fait. Ah, donc tout est bien paramétré finalement. Ok, vous êtes prêts? Ouais. 3, allez, l'équipe. 2, allez, l'équipe. 1, go! Allez, l'équipe! Go! Allez, l'équipe! Bon, allez. Bah, du coup, j'ai lancé. Hein. Ah, moi aussi, oui, bien sûr. Ok. Ouais, c'est cool. Let's go, les gars. Il faut que je sorte du bled, absolument. Il faut absolument que je sorte du bled. Crécho. Attends. S'il te plaît. Mets-toi à jour, putain, mais pourquoi ça... Ok. Renan. Crécho. Alors, je sais pas lequel est le bon. Attends, il écrit quoi en dessous? TG. J'ai cru qu'il avait écrit Angers bouger, j'étais en mode ah c'est Angers, pas du tout. Attends, putain mais par où, quel est le plus intéressant? Là peut-être? Il y a pas un panneau, attends. 0-3. Ouais. S'il vous plaît. Qu'est-ce que ça peut être TG? En 0-3. Bah franchement... TG... Landon, Rochebelle... Putain mais au secours... Landon, Rochebelle... Peut-être elle est par là... Oui... Il y a écrit quoi en dessous? 4 mètres. Dole. Ah putain, je sais plus où c'est. Attends, je vois un truc. Non, je sais plus où c'est, Dole. Et je sais qu'il faut zoomer sur un truc. Parce que je ne sais plus où c'est. Non, je sais pas où c'est, Dole. Putain, Bilou. Patrick Balkany sait qu'il pourra compter sur tous ses soutiens. Merci beaucoup, Gorsin, pour les 6 subs offerts à la communauté. Merci beaucoup. Merci à toi. Allié. Ah oui, mais non, mais ça doit être super loin, là. Hey, allié, c'est pas 0-2, le numéro de... Enfin, non, 0-3. Quoique... Non, c'est 0-5, il me semble, allié. Enfin, je veux dire, l'indicatif téléphonique, parce que allié, c'est 0-3, bien sûr, le numéro de département. Putain, je suis dans quelle ville, au secours? Comment il a fait pour trouver si vite Bilou, en fait? Il a eu quoi comme info? Que je n'ai pas. Ça va faire très mal, là. Ah, je sais pas ce que vous avez vu, là, j'ai aucune info. Je galère tellement. J'ai pas d'info, hein. C'est genre... Je me rattrape un peu. Je ne sais pas dans quelle ville on est, en fait. C'est genre un truc de fou, quoi. J'ai aucune idée de la ville. Je sais pas où est Dole, je sais pas où est tout ça. Ah d'accord, en plus le site me... Aucune idée. Je ne vois pas de panneau d'entrée de ville. Alors là, vraiment... Ah si, putain. Mais c'est où, putain? Je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. Antoine Daniel. Je sais où c'est. Je le croise, mais je lui tape un check. Hein. Ok, retour au point de départ. Et non, mais genre là, ça va être un peu too late.
j'ai des noms de rue. Impasse de la Combe. Impasse de la Combe. Et ça, c'est quoi le nom de la rue ici? Oh putain, non, s'il te plaît. Rue Léon Guignard. Rue Léon Guignard, juste ici. Ils vont dire, ah, voilà, comme d'habitude, Antoine. Voilà, connard. Ils vont dire ça, ils ont raison. La Combe. Là. Par ici, retour au point de départ. Est-ce que ça, c'est cette merde-là? Probablement. Attends. Oui. 2 mètres. Voilà. On n'était pas à l'abri d'un clutch, effectivement. Merci, Autospi. 4 mètres. Pour les 5 mois de sub tier 2, merci beaucoup. Shit. Ah. 29 mètres. Florence, ça fait combien? Ah. J'ai fait 3 km et j'ai bougé mon point au dernier moment. Et en fait, le premier aurait pas fait les 5000, mais ça aurait été plus proche. Ah, ok. Ah ouais. Coup dur. Je suis désolé pour l'absence de combo. Par contre... Pas de problème. Ouais, non, j'ai aucun problème. Qu'on croisait une voie de chemin de fer, mais en fait, on croise une départementale. Désolé l'équipe. Ah c'est ça qu'on croit, d'accord, ouais. Ok, oui. D'accord. Ah moi je suis... Ah putain, si j'étais parti vers le nord, j'aurais pu... je sais pas du tout, enfin je me suis vraiment... J'ai galéré pendant super longtemps. Mais... Moi c'est vers le sud que j'ai eu les infos. Moi, hein. Moi au sud justement j'ai giga galéré. Et en plus tous les panneaux publicitaires, il n'y en avait aucun qui disait venez dans votre supermarché à nom de la ville. C'était vraiment tout le temps. Hey, il y a un supermarché mais on ne dit pas où on est. C'est un enfer. J'ai vu des voies ferrées un moment et du coup j'ai tout fait pour rejoindre la gare. Pas réussi à rejoindre la gare, j'ai essayé pour avoir le nom de la ville mais j'ai pas réussi. Moi j'étais à 2 km d'ici. Non, oh. Oui. Ah oui d'accord, ok, ouais, la Slumdog. Et en plus il y avait une pub du PAL, sauf qu'en vrai on est ultra loin du PAL, donc moi ça m'a un peu induit en erreur au début. Ouais. Mais en fait, quand Bilou a dit... C'est quoi le PAL? Tu sais, le parc... c'est un parc où t'as des attractions, mais t'as aussi des animaux. Attends, c'est dans quel coin? Alors, je sais jamais, c'est dans l'Allier ou à la frontière. Ah oui, ah voilà, oui, c'est le Nigloland Auvergnat, voilà, c'est ça. C'est le Nigloland Auvergnat. Le Nigloland de chez vous, personne connaît à part les gens de là-bas, c'est bien c'est ça. Vrai, personne connaît donc. Ah non, pas du tout, non. On me dit un parc random dans l'Allier. Un parc random, déjà. Ah mais voilà, c'est... Même, c'est peut-être parce qu'il y avait plein de pubs dans le Jura pour, oui. Pour le PAL, quoi. Mais tu sais, moi ici, il y a plein de pubs à Fougères pour le zoo de Beauval. Le zoo de Beauval, il est à 4 heures de route de chez moi. Alors ça, le zoo de Beauval, par contre, c'est vraiment connu, ça, par contre. Oui. Ouais, voilà, mais je veux dire, c'est parce que t'as de la pub du zoo de Beauval dans une région que t'étais prêt, quoi. Ah, j'ai pas dit que c'était pas bien, j'ai dit que personne connaissait, hein. Ça dégoûte. Bien sûr. Merci Eva Svena pour les 2 mois de sub. Renaud pour les 500 bits. Rien, mec. Beaucoup. Et au dernier moment, j'ai trouvé, mais j'ai pas eu le temps de mettre mon point. J'ai fait 29 mètres parce que j'avais l'impasse et il restait une seconde. Mm-hmm, je vois. Du coup, j'ai ruiné mon équipe. Personne connaît. Ah ouais, c'est vraiment le Nigloland de l'Auvergne, quoi. Ah ouais, vraiment. Hein. Ah oui, de ouf. Ah oui, complètement. Hein. C'est vraiment votre Nigloland. C'est mais le PAL, quoi. C'est pour vous dire que le PAL, c'est vers Moulins, donc on est quand même un peu loin de Moulins, quoi. Effectivement. Oh, c'est vraiment un truc random de l'Allier, tu vois. Oh. Un truc random de l'Allier. Bah, c'est la préfecture, quoi, mais oui. Ok, vous êtes prêts? Moulin, quoi. Ils avaient... Je suis prêt. Random. De la farine à côté. Ouais. Oui. Je suis prêt. 3, 2, 1. Let's go, les gars. Alors. Fuyons. Alors, on est dans quelle ville? Montigny-sur-Lin. Alors Lin. Bah voilà le département de Lin, hein, typiquement. Hein, on est d'accord? Ah non, il est en dessous, pardon. Vers Oyonnax. On dit Oyonnax. Ok. Donc c'est par ici, mais je ne sais pas où est Lin, quoi. Peut-être à Bourg. Attends. Voilà. C'est Lin, oui, voilà. Montigny sur Lin, hop. Allez. Attends, c'est quoi? Ah non, mais c'est plus Lin. Si? Ah, le voilà. C'est lui.
C'est... Attends, non, attends. Non, ça doit être dans l'autre sens, hein, en vrai. On va pas se mentir que ça doit être dans l'autre sens. Neuville-sur-Lin, Pondin, Villette-sur-Rhin, Châtillon-le-Palu, Chazé-sur-Lin, Charnoz-sur-Lin. Tu te fous de ma gueule? Tu te jettes dans le Rhône maintenant? Tu te jettes dans le Rhône maintenant? Tu te fous de la gueule du monde? Tu te fous de la gueule du monde? Et merde. Bon bah du coup ça continue par là, mais est-ce que ça continue encore après? C'est encore l'un? Ah mais oui! Ah mais c'est encore l'un! Oui d'accord! Okay. Non, 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 t'inquiète, vous inquiétez pas. Hein. Je sais jouer à ce jeu. Vous inquiétez pas. C'est l'un, hein? Oui, oui. Montigny sur l'un, voilà, bonsoir à tous. D27 juste ici, ok. Retour au point de départ. Je suis où? Je suis juste avant le petit croisement là. C'est cette merde là, hein? Ouais. Complètement. Retour au point de départ. Je suis un peu avant cette maison là. Je suis genre. Là? 3 mètres. Hop. Je suis ling. Hop. Et pour l'instant, c'est imperfect. Mais vu que j'ai dit ça, c'est Jinx. Sacrée variation de la taille de l'un. Effectivement. Effectivement. Merci Max Ziller pour les 100 bits. Merci beaucoup. Oui, l'un qui s'énerve un peu niveau taille. Je pense que MV fait des cauchemars la nuit où il entend Antoine dire 3 mètres. C'est plutôt étoile, je pense, mais oui. Quelle heure à Among Us? C'est 21h. Je l'ai pas écrit dans le titre, hein. Je suis sûr que si, je suis quasi certain que je l'ai écrit dans le titre. Ah non. Si, je l'ai mis dans le titre. J'en étais sûr, évidemment. Évidemment. Sinon, ça demanderait pas dans le chat, évidemment. Je suis sûr que Florence, elle cherche dans le département de l'Ain. Enfin, je sais pas. En vrai, ce point, il est vraiment pas dur. Il suffit juste de remonter le fleuve. Et tu tombes forcément dessus, en fait. Si tu sais où est le fleuve... Et je sais que Florence sait que l'Ain est ici. Elle révise souvent les départements, j'ai vu sur son live. Rire de droite. Non, c'est Steve Caldwell pour le sub. Merci beaucoup. Pour te dire, il y a quelqu'un d'autre de ta team qui fait cette erreur. Putain, c'est chité quoi. Secours. Au secours. Là, c'est un fleuve, oui. Quasiment tous les départements de France, pas tous, hein, mais quasiment tous, c'est des noms de fleuves. C'est des noms de fleuves qui passent à l'intérieur de ces départements. Sauf le Var. Le Var s'appelle le Var, alors que le fleuve, le Var, ne passe pas dans le Var. Tout simplement. Oui, rivière. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, là, là, les experts. Merci, Gunetter, pour les 6 mois de sub. Non, mais oui, d'accord, oui, d'accord. Le Nord, effectivement, c'est pas le nom d'un département. J'ai dit quasiment. Niveau primaire, la différence rivière-fleuve? 283 km. Nick Taras. 54 km, je savais où était. Pas de chance. Je comprends pas ce qui s'est passé en fait. Je trouvais pas du tout où c'était. Je te fais une insulte au niveau primaire, du coup, mon ami. Du coup. Oh là, c'est ouais. Le coup dur là. Moi, c'est un c'est où, du coup aussi, mais. Ah, c'est. Ah ouais, mais ça se voyait tellement de loin. Ah ouais, j'ai pas vu. Vous voyez, en dessous du pont, il y a un petit lac là. Le lac. Ah ouais. Et toi, les 700 points qui font mal là. Bah ouais, je savais pas où c'était. Du coup, bah, j'ai cherché. J'ai remonté la mauvaise rivière plein de fois, en fait, d'accord, je viens de comprendre. J'ai cherché toute ma vie. La mauvaise rivière, JD? Bah, à l'intersection où il y a le... Comment ça s'appelle, ce truc, du coup? À un moment, il y a le...
la cimente qui se jette dans l'un et j'ai suivi la... Non, c'est même pas celui-là. C'est même pas celui-là, c'est un autre, je sais plus lequel. Il y a un moment où la rivière se split en deux. La première fois, j'avais suivi la bonne avant d'avoir les infos, et après, j'ai suivi la mauvaise. Non, c'est pas la cimente, c'est la Bienne. J'ai suivi la Bienne donc, qui va dans le Jura, au lieu de suivre l'un, qui reste dans l'un. Je suis vraiment con. Là. Moi, je savais pas où c'était. Du coup, j'ai cherché dans le sud. Mets ton nombre, JD, s'il te plaît. Mets ton score. Ouais. Florence en est bien sorti. C'est mon équipe. Ah là là, c'est terrible. Florence qui nous permet de récupérer le point bonus pour tout l'instant. Tout à fait. Int mon équipe. On a pas fait combo. Non, en fait, on a un point bonus si on gagne à un round en fait. Non. Ah, c'est vrai, oui. Oui, non, surtout on a un point bonus de challenge aussi. Le total de nos points GeoGuessr est supérieur au challenge. Et là pour l'instant on a 57 000 et eux ils ont 55 000. À voir comment ça va se passer. Oui, mais c'est pas fini, c'est pas fini, c'est oui, ça. Oui, il reste un round, tout à fait. Pour me rattraper de l'absence. Merci Barium pour les 3 mois de sub. C'est my bad, j'ai été. En fait, c'est trop my bad, j'ai été tilté par mon chat et du coup j'aurais pas dû. En fait, c'est quand tu vois des gens qui sont en mode qu'ils connaissent pas l'or et t'es en mode bah ouais, je connais pas. Mais t'inquiète, personne connaît Étoile, t'inquiète. Il veut quoi l'autre là? J'étais trop tilt. Personne connaît l'un, t'inquiète. Mais tu sais qu'en plus j'ai zoomé en Aveyron et je t'en ouais, ça doit être là. C'était pas vraiment là. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Tout à fait. Montez? Oui. Ok, 3, 2, oui. 1, let's go. Lyon. Est-ce que ça veut dire qu'on est dans la région de Lyon? Probablement pas. 0-2, pas du tout. Alors attends. D1 et D18. D1X, D18. Je vois quoi? Peruel, Vasqueuil, les Hogues, le Tronquet, Lyon, la Forêt. Au secours. Hein. Au secours. Le Café des Sports, Charleval. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces bleds? Je ne connais aucun de ces bleds. Je ne connais aucun de ces bleds. Oui, je m'entendais plus. Si, on t'entend. Oui. Ah merde, pardon. Fleury-sur-Andel. C'est quoi cet endroit? On est où là? C'est quoi cette angoisse? Je connais aucun nom de bled ici. Aucun nom de bled ici. Maison à colombage, mais j'en ai vu qu'une. Ouais, mais 0-2, donc c'est mort. Attends. Charleval. Oh, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Cette mer. Quoi? Mais what the fuck? Juste what the fuck quoi. Mais non, mais il a dû se baigner là-bas quand il était petit encore. Ok. Ah non, mais c'est clair. Non, mais en fait, surtout, il doit forcément connaître les petites villes du départ là. Parce que je n'ai aucune idée d'où c'est quoi. J'ai aucune putain d'idée. Il y a les maisons à colombage, mais du coup, je me dirais dans l'Est, mais sauf que j'ai. Attends, on était dans quelle ville? Mais sauf que bah, du coup, on était. Perrières-sur-Andel. Landel, mais je sais pas où c'est. On est à Perrier. C'est la ville de... Non, pas du tout. Perrier sur Andel. Je sais pas où c'est. Perrier sur Andel. Jamais entendu parler de ma life, à part peut-être... Si la boisson vient de là-bas, bien sûr, je connais, hein, évidemment. Mais... voilà, quoi. Attends, il y a un truc, là. T'as dit quoi? 4 mètres. Et c'était les 25 000 pour moi. Je sais pas ce que c'est, les revendications, là. T'as un bilou à un point. Charleval. Ouais, j'ai aucune idée. Aucune idée. Putain, je sais pas du tout. Vendrimar. C'est des noms, je connais pas. Hein. Je sais pas. Peut-être Normandie, tu vois. C'est possible que... Ah, attends, vite, donne-moi toi, là. Toi.
aucune idée. Putain, s'il te plaît, donne-moi un putain de truc connu, là. Putain. Je connais pas. Non. Attends, il y a écrit quoi en haut ? Landel, encore une fois. Communauté de communes de Landel. Je ne connais pas. Fleury-sur-Andelle et Charleval. Bon, bah, c'est loose, hein. Là, vraiment, je ne sais pas. Hein. Je n'ai aucune idée. Qu'est-ce que ça dit ? Château de Vascueil, Charleval. Non, aucune idée. Là, ça va être le coup dur. Aucune idée. Lyons, mais c'est pas Lyon, hein, ouais, c'est... Non. Attends, tu dis quoi, toi ? Autre direction, c'est quoi, autre direction ? Ouais, 4 mètres. Bravo. Moi, j'attends qu'Antoine dise 5 mètres, après avoir dit coup du... Ta gueule. 5 mètres, en tout cas, pour moi. Ouais, tu vas kiffer monter. Hein. Non, y'a pas de clutch là. Aucune idée. 18 km! Bah, ça va. Parce que j'ai vu à 10 secondes de la fin un panneau Rouen. Sinon, j'avais aucune idée d'où on était. Ouais. Mais non, mais comment vous avez trouvé en fait? Bah, j'ai un panneau Rouen. Moi, j'ai vrai que grâce au panneau Rouen, mais je l'ai eu plutôt tardivement par rapport aux autres, j'ai l'impression. Ah non, mais moi, je l'ai eu 10 secondes à la fin sur un rond-point, mais ultra. J'étais parti de la ville, moi, j'étais plus dans la ville. Hein. J'ai eu un panneau aussi, bienvenue dans l'heure. Ah putain. À 2 minutes d'ici, moi, pour avoir le panneau Rouen. Ah non, mais moi. Enfin, vers la N31, là. Ah non, moi, je suis. Super loin, en fait. Ça fait 5 minutes. Moi, je voyais. Oui. Nickel. Ah, bien joué, Florence. Bah, du coup, vous allez quand même nous la mettre. Antoine, tu peux mettre tes petits points ? Je vous ai hint, mon équipe. Putain, la seule fois où j'ai fait les 5000 séances. Coup dur, mais pas assez gros pour que ça. Mais je vous avais dit, hein. Je vous avais dit que je ferais full 5000, sauf un où je vais me foirer. Je l'avais dit, hein. Donc, sur le challenge, c'est Monté qui a fait un perfect 25000. Il remporte donc des points bonus supplémentaires. Ensuite, c'est Bilou avec 24982, suivi de Antoine. Oui, Antoine, ensuite Florence, ensuite moi, enfin bref. De quoi ? J'ai rien compris, En termes de score global sur le challenge, il y a des petits points bonus qui sont distribués. Je comprends rien. Je n'ai pas compris non plus. J'ai un meilleur score que Florence, oui. Je comprends pas. Mais je veux dire, je ne comprends pas ce qu'il dit, en fait. Ah, les points bonus, je veux dire, en gros. Monté à 3 points bonus, Bilou à 2 points bonus et Antoine à 1 point bonus pour avoir fait 1er, 2e, 3e sur le challenge. Très bien, ah oui, ok. Au niveau des équipes. Oui. Et au niveau des équipes, l'équipe des autres a 7 points en équipe et l'équipe Projet Dharma a 5 points. Très bien. Les autres ont 7 parce qu'ils ont gagné 3 manches et. Bref, voilà. Flemme de continuer. Très bien, oui. Ok, on va passer en Europe, les amis. Pourquoi il y a plus de couleurs dans la case d'Antoine ? Ah ouais, c'est vrai ça ? Ah, ok. Trop bizarre. Ok, Europe. Faut que je change. En tout cas, sur la partie d'avant, Lyon-la-Forêt était, pour une raison que j'ignore, une ville très très bien indiquée à très faible valeur de zoom. Ah bon ? Ah bon, je ne l'ai jamais vue. Jamais. T'es jamais allé en soirée à Lyon-la-Forêt, toi ? Lyon-la-Forêt, on avait le panneau au point de départ. Bah ouais, David Guetta a mixé plusieurs fois à Lyon-la-Forêt. Oui, on a un plus gros score, mais moins de points, parce qu'ils ont plus de points bonus, parce que Monté a fait... Lyon-la-Forêt, oh c'est bon ! Bah c'est Pikachu José Ito pour S&B. Ils ont gagné 3 manches et 1 point bonus pour la synchro, et nous on a gagné 2 manches et 1 point bonus pour le challenge. Voilà. 7 à 5. C'est les règles de JD, hein. C'est... Voilà.
Bien sûr. Ouais. On essaie de lui faire plaisir. Allez la team pour l'Europe là, allez la team. Allez la team pour l'Europe. Ça se termine par 4T, on est tous d'accord ? Je suis prêt. Oui. Florence ? Non, je suis en cours. 4T, c'est bon, je l'ai. Ok, eh bien, bah écoute Florence, tu fais le décompte, vas-y. Vous êtes tous prêts ? Bah oui, oui. 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 Ok, eh bien, 3, 2, 1, go ! Alors, c'est Italie ? Espagne ? Attends. Ok, Italie. Italie dans une ville un peu importante. Merci le malchanceux pour le prime. Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Pas une carte d'air ? Non, c'est un truc de cigarette. Non, c'est juste de la fumée de cigarette électronique. C'est juste de la vape, mon pote. On est où, là ? On est dans quelle ville ? Aussi, la caméra, elle vous rend où ? Non, ça va. Carlentini ? Je sais pas si c'est le nom de la ville. En tout cas, si c'est le cas, j'en ai jamais entendu parler. Oula ! Oula ! On va pas regarder, hein. On est encore vers Rouen, ouais, du coup, peut-être, vu ce que je viens de voir, effectivement. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, ça vape un max, en effet. Carlentini, ouais, on est bien à Carlentini. Alors, c'est où, Carlentini ? J'ai jamais entendu parler de cette ville. Ça peut être une petite ville, pourtant. Carlentini ? C'était ça, mais non. Non, 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 je sais pas où c'est. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a là ? Raguse. Ah non, mais moi c'est... Attends, Raguse, c'est connu ça, Raguse, non ? Je sais pas où c'est. Secours ? Syracuse. Ah mais si, mais on est en Sicile. Siracusa. Hein ? Du coup, Carlentini. Bah alors là... Non, je veux pas aller par là, par contre, s'il te plaît. Ouais. D'accord. Oui. Mais encore. Catania. Et là, t'as Raguse, Syracuse. Et oui, Carlentini. Mètres. 19 mètres. Combien, t'as dit ? 19. J'arrive pas à la trouver. Catania. Raguse, Catania. Carlentini devrait être dans ce coin. Pourquoi j'arrive pas à les trouver ? Voilà, Catania, ok. Ah putain, vu. Ok, juste là. Carlentini, juste ici. Ok. Il reste 40 secondes, au secours. Il y a des noms de rue ? Il n'y a pas de nom de rue ? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de nom de rue. D'accord, bah c'est la merde, c'est foutu. Je suis foutu.
Je sais pas. Genre par là. J'en sais rien. Ça tourne. Ma roue tourne. La roue tourne, va tourner. Hop. Attends. Tac. Six secondes, c'est mort. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est mort. Je vais mettre dans le centre, hein. Par là, je sais pas. Aucune idée. 2 km. 23 mètres. Ça se passe pas bien pour moi. Il y a un peu de retard chez moi. Combien, Florence? 468 mètres. Alors moi... la team. TKT. Ça s'est mal passé pour moi, j'ai mis 1000 ans à la trouver, j'avais compris qu'on était en Sicile, mais j'ai mis 1000 ans à trouver la ville en question. J'ai jamais eu le temps de trouver. Antoine, t'as fait 2 km aussi, t'as dit non? Oui. Pourquoi on n'a pas le même nombre de points? Je pense que c'est pas exactement le même nombre de mètres qu'on a fait, quoi. Ok, super, la tricherie. C'est un nombre de différence, ouais, c'est ça. Oui, d'accord. J'ai pas mais je me suis pas placé. Ah non. Ville, par contre, parce qu'il y avait mais on était pas. Ah, mais c'est Carlentini Nord en fait. Oui. Mais il y avait aussi Nord et donc en fait on était à Lentini, nous. Non, on était à Carlentini. Non, il y avait sur les panneaux de rue, il y avait Carlentini. Hein. Ah oui, d'accord, parce que moi sur le prospectus que j'ai lu sur le mur, tout était écrit Lentini. Ouais, tous les prospectus ils étaient indiqués Lentini tout court en tout cas. Quand tu cliques sur le lien, c'est indiqué que c'est bien Lentini, mais en fait ce que je comprenais pas, c'est que pour moi on était à Carlentini, mais surtout il y a Carlentini Nord qui est vachement loin de Carlentini en fait. Ouais. Et la gare de Lentini est au nord justement. Et... Oui, elle est là. On gagne ce round, bravo l'équipe. Merci au Samajor 99 pour le mois de sable, merci beaucoup. Ok. Ok, vous êtes prêts? Ça va tenir avec ton orage, gilet ou pas? Je suis prêt. Bah ouais, bah si vous m'entendez plus, c'est que ça a disjoncté chez moi, quoi. Yes. Ok, ok. Voilà, pour l'instant, ça va. Je suis prêt. De même. Ouais, pareil. Ok, et ben, 3, 2, 1, go. Ok. Vas-y, vers le sud. Ça va être compliqué, hein. Svet. Naora. Point quoi? Point SK, j'ai l'impression. Donc peut-être Slovaquie? Peut-être Slovaquie? J'ai l'impression que c'était SK qui avait écrit en bas. J'arrive dans une ville, là. Attends. Brezno. Attends. Bystrica. Brezno. Bebristica. Ah, là. Ah non, c'est pas celui-là. C'est assez Povastka de Bistrica. Bon, je pense que... Brezno est là. Brezno est à 41 bornes. Brezno est à 41 bornes. Muran est là. Muran sur la 531 là. On est sur la 66. Ok, on est à ce croisement là. On est à ce croisement là et on vient d'un peu... Ouais, retour au point de départ. Je suis où? Ça fait comme ça. Bah c'est là, hein. Je suis un peu au-dessus de ce chemin. Là, cette merdouille là, c'est le petit chemin à côté de moi là. Je crois. Donc je suis là. 3 mètres. C'est vrai? Oui. Merci Pikachu José et toi pour le sabot faire la communauté. Merci beaucoup. Ouais, ça se passe mieux. Meilleur en Slovaquie qu'en Italie. Hein. On a parce qu'on est pour les 5000, je sais pas. Peut-être 150, un truc comme ça, 140, je sais pas. Antoine d'origine slovaque. Alors, normalement, selon le lore des Challenge of Gessor, je suis plutôt d'origine finlandaise. Mais je peux être finlando-slovaque. Merci Le Caracol pour les 2 mois de sub, les Rutus pour les 2 mois, merci beaucoup. Merci à vous deux pour les resubs. Rire de droite.
pas Finlando, Finno-Slovaque. Oui, effectivement. Tes choix en Finlande, selon les résultats, un petit peu. Mais je sais pas trop pourquoi, en vrai. Parce que j'y connais vraiment rien en Finlande. Mais généralement, ça se passe plutôt bien quand je tombe dessus, donc je sais pas. Ça paye ses 150 tentatives, dis-moi. Alors, c'est pas 150, hein, c'est plus, je crois que c'est 170. Hein. Tu as des origines ou tu es full français? Non, ma mère est italienne. Hein. Ma mère est italienne, père français. Je crois pas qu'il... Bah, il y a forcément des origines étrangères, mais je les connais pas, sinon... Et du côté de ma mère, c'est italien, et arrière-arrière-grand-mère, japonaise. Alors, je sais que ça peut vous sembler étonnant, mais c'est... ça date, hein, donc ça se voit pas du tout. Par contre, pourquoi je vous raconte ça, on s'en fout. Domo. Domo, bien sûr. Domo à tous. Non, j'allais dire que, pour le coup, chez mon cousin, ça se voit vraiment beaucoup, qu'il y a des origines asiatiques. Mais elles sont très lointaines. Arigato gozaimasu. Merci Elixine pour les 14 mois de sub. Fenouille pour le Prime. Merci beaucoup. Arrière-grand-mère japonaise, très rare pour l'époque d'avoir un couple mixte japonais plus autre nation. Oui, je pense pas que ça s'est très... Je pense pas que c'est très bien passé en vrai. C'était un... Je crois que c'était un missionnaire italien qui est allé là-bas et il a ramené une go en fait. Et je crois qu'elle était pas très heureuse, hein, on va pas se mentir. Donc assez terrible quoi. Ouf! Je savais pas que ça faisait les 5000 de faire autant de mètres. J'ai fait 60 mètres. Nice. 14 mètres. Oh nice! Oh. Allez la team! Allez la team! Chier, 112 km, j'ai jamais trouvé. Bah, 2 km. Ouais, bah, quand Antoine a trouvé, j'ai fait demi-tour et là j'ai compris. Ah ouais, voilà, j'aurais dû faire demi-tour. J'ai pas du tout trouvé. C'est quand monter que tu fais moins de 5000 points en fait, juste pour savoir. Pour te monter, ouais, c'est grave. Là. Ouais, la montée là, c'est le niveau là qu'il a là, c'est abusé là. Montée qui gratte 2 points de combo depuis le début du jeu à chaque jour. C'est insupportable. Est-ce que vous vous souvenez? De quoi? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il a dit au début? Il a dit qu'il était fatigué, ah, oui. Il a dit qu'il était très mal réveillé, oui. Voilà. Ok. En plus, j'ai passé une sale nuit. Hein. Ouais, et voilà, et voilà, et voilà. Il aime trop faire ça. Ouais, il flex un max. Oh, c'est vraiment un comportement ordurier, si vous voulez mon opinion. C'est vraiment terrible. Attends, tu fais pire, toi. Tu fais bien pire. Je suis actuellement une poubelle. Je pense que si on m'ouvre la bouche, on peut jeter des canettes dedans. Ouais, non, étoile, arrête. Arrête. Là, clairement. Arrête. C'est un problème. Bon, est-ce que vous êtes tous prêts, les amis? Je suis prêt. Oui, aussi, oui. C'est à Florence de faire le décompte. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, problème. 3, 2, 1, go. Ou ça, c'est du... Alors, on entend... Florence, je crois pas que tu sois mute, fais gaffe. Pardon. Je crois que c'est la Roumanie, ça, non? Non, peut-être. Je crois que c'était du... Ah, attends, nom de la ville. Oh putain. Preluca. Et là je suis juste... Ouais voilà. Attends quoi? Ah non, ok. .com. Il y avait écrit Nord quelque chose. On va peut-être se mettre probablement une mauvaise idée. Le nom de la ville c'est Preluca. Hein. Est-ce que c'est vraiment un tout petit village à la con? Probablement. Oui, c'est malade, c'est un petit village. Oui, on a quitté Preluca, d'accord, oui. NordVPN. Non, c'était pas une pub NordVPN. Si, c'était une pub NordVPN, vraiment? Ouais, c'est la Roumanie. Alexandru Selbun. Attends.
Il va falloir plus d'infos là, niveau Roumanie, s'il vous plaît. Ah non, on est à Vaduri. Putain, c'est vraiment des petits lieux dits. Hein. C'est genre trois maisons et puis c'est terminé, quoi. Mais par contre, j'ai l'impression d'être sur une route un peu importante. Si je peux choper le numéro de la route, c'est pas mal. Non, il me semble pas que c'est NordVPN, de toute façon. C'est beau la Roumanie, mais tous les pays sont beaux en vrai, hein, les amis. Et la Hongrie, bien sûr, évidemment. Et je plaisante, les gens vont prendre ça au premier degré, encore une fois. La Hongrie, c'est très joli aussi. Tous les pays sont très beaux. Il y a plein de trucs très jolis un peu partout. Hop. T'as des paysages très jolis un peu partout, quoi. En vrai, vous tapez le nom d'un pays sur Google Images, globalement, il y a peu de chances qu'il vous sorte un truc vraiment dégueulasse. Hein. Bon, après, t'as Monaco, genre, c'est pas non plus... voilà. Mais bon. Bon. Est-ce que je pourrais avoir une petite info, peut-être? Corée du Nord, bah Corée du Nord, tu rigoles, mais c'est trop beau. Il y a des paysages super jolis. Ah bah, la 15, il y a la 16, la 13, la 14. T'as fait 7 mètres montée. Voici la 15. Et je viens de Preluka Vaduri, ok. Preluka. Ma gueule. Ma gueule là, attends. Quoi? Ça, je pense pas que ce soit ça. Attends. Attends, ça doit être un autre Preluka. Mais là, c'est à 15B maintenant. Au secours, 15C. Mais non, mais arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Ah non. Ah oui, voilà. Preluka. Dans la merde. Mais merde. Comment on fait la route? Comme ça? Ben en vrai, ce serait plutôt cette partie-là. Preluka. Vaduri, oui, c'est bon. C'est le bon, c'est celui-là. Retour au point de départ. Je suis où? Comment ça fait? Fait comme ça. Là, t'as cette petite bitouille-là qui est exactement, je pense, ça. Je pense. Et attends, on passe sur le fleuve. Ah non, c'est peut-être plutôt ça. Oui. Oui, c'est ça. On est avant le fleuve. Donc, on est à peu près là. 170 mètres, j'avais bon avant et je me suis trompé sur la fin. 4999. Coup dur. Putain, ça fait... En fait, ça fait ce qui fait surtout chier, c'est surtout que monter fait 5000 encore. Fait passer troisième, hein. Terrible. Merci Floppy pour l'année de sub, merci beaucoup. J'avais le temps de vérifier en plus, ouais. Mais en fait, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait le pont juste après. Attends, je vais regarder. Kilomètres. Combien? 2 kilomètres. Ah, 2 kilomètres. Pas dans le bon pays, ah, ok. Pas... 523 kilomètres. Oh, j'étais... J'ai fait pire, moi. Comme toi, Bilou. Oh non. Pareil. 1163. Tac. Moi, j'ai cru qu'on était en Pologne, vous savez, parce que les petits panneaux de sortie d'agglo et d'entrée d'agglo... Oui, mais t'as ces panneaux-là dans plein de pays, mec. Ouais. Moi, je crois que c'était pas un pays. J'ai pareil que JD. Ouais, moi, c'est la route rouge. La route rouge, c'est Roumanie. Ouais, rouge comme ça. 15 rouges, ouais. J'ai vu aucune de rouge, ouais. Juste, moi j'associe juste en général ces panneaux-là à la Pologne, même si je sais qu'il y en a un peu autre part. Et mais je crois qu'en Pologne, il n'y a pas les noms de villes, il y a juste ces panneaux-là, souvent. Ah, mais t'as raison, mais oui, c'est ça, t'as raison. Effectivement, là ça correspondait. Et comment vous avez trouvé au niveau des villes? Parce que moi je suis sur Bigger. J'ai su qu'on était en Roumanie dès le départ parce que j'ai vu la langue. Et ensuite j'ai vu que plus tard qu'on était sur la route 15 rouge, que je sais que c'est les routes roumaines, que j'ai trouvé, je l'ai remonté jusqu'à trouver les villes qu'on avait traversées, c'est-à-dire Preluka et Vaduri. Au point de départ,
Au point de départ, il y avait le nom du bleu. Rouge 15. Ah oui, non, elle est longue, pardon. Elle est très spécifique. Ah. Il faut savoir que j'avais pendant 3 minutes 30 ma souris sur Pietra Neam et que je ne l'ai pas vue. Ah, merde. Et qu'en fait, mon chat, je voyais les émotes de mon chat qui se faisait full bannir. Parce que tu sais, les émotes Not Like This sont bannis sur mon chat. Ah putain, c'est smart. Et du coup, j'étais en mode, oh les problèmes. Il y a autant de gens bannis. Et en fait, j'avais ma souris dessus depuis 3 minutes 30, donc c'était bien joué en vrai. C'est le caniveau du streaming français. Je pense que c'est des jalouses, on va pas se mentir. Je pense que c'est le problème de jalousie. Ouais. Non, je pense que c'est déjà lose, j'ai dit. Déjà lose. Déjà... Ouais, je pense que c'est déjà lose. C'est déjà lose, oui. Ok. Peut-être si tu veux te choc, hésite pas, hein, vraiment. Hein, ouais, hésite pas à monter vraiment à essayer d'échouer. Ouais, en vrai, hésite pas. Hein. Mais non, mais Étoile, t'es dans sa team, lui dis pas d'échouer. Bah, oui, c'est à vous. Ah oui, merci. Bah, en vrai, avant qu'on s'en péril au triomphe sanglant. Trébuche, Ouais, alors ça. Moi je préfère les guerres rapides. Oh là là, regardez, il utilise déjà un vocabulaire militaire hein, pour parler du truc. Hein. Il est vraiment dans un mindset non, très particulier dit, quoi. Il me dit en triomphe sans gloire là, il me cite du Napoléon. Bah... Allez Antoine, allez Florence, allez JD. Ah, il était imposteur depuis le départ. Nul. Putain. Hey Bilou, il est trop nul. En plus, il s'appelle le comte. Alors. Ah, bah, c'est terrible. Pas. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ben, Étoile, le troisième imposteur, quoi. Étoile, je suis là. Le clasher. Je suis prêt. Prêt. Moi aussi. Ready. Eh bien, si vous êtes tous prêts, 3, 2, 1, go. Allez, Dharma. Oh. C'est la fin. It's only the beginning. Attends, t'as dit quoi? Ah non, s'il te plaît. Des vélos? Let's go les gars. Let's go les gars. S'il te plaît, non, s'il te plaît. Estravière le... La Belgique? Attends. Je vais noter quand même. Availlère le là je sais pas quoi Payerne aucune idée bon ensuite ah voilà là on arrive dans les vrais bails les vrais beaux qui dit ah non ça c'est plus la Suisse Don Didier ah non je pense que c'est plus la Suisse. Ouais, pour moi, on est en Suisse. Pano comme ça, c'est plutôt Suisse. Et vu la gueule du truc... Putain, j'ai du mal à voir... Don Didier. Alors du coup, la Suisse qui parle FR, hein, bien sûr. Plutôt dans ce coin. Est-ce que je vois Don Didier quelque part? Juste. Je check très vite fait. Le loto à 20h, effectivement. Bon, je vois pas Don Didier, hein. Attends. Check vite fait. Allez. Faut que j'arrête de faire ça. Oui. Ok, allez. La Suisse. Très joli pays. Banque cantonale, hein, effectivement, les cantons suisses. Mais c'est écrit en français, donc on est vraiment dans la Suisse... romande, il me semble que c'est comme ça qu'on dit, si je dis pas de bêtises. Berne, Fribourg, la Une. Donc. Ah oui, la Une. Là. Là, t'as la Une. Don Didier, hein, c'était le nom. Ah, Don Didier, trouvez. Trouvez Don Didier. Alors, attends. J'étais incroyable. C'est pas genre. Ça. Mon point de départ. Retour au point de départ. J'étais parti par où? Au secours. Je me souviens plus. Par là, non? Je crois. En vrai, je pense que c'est ça. En plus, t'as un petit fleuve, là. Petit ruisseau. J'ai envie de le tenter. Je suis un connard si je le tente, hein. 2 mètres. 2 mètres. Nickel. Là, c'est moi qui vais être chaud.
C'est la faute de l'orage, si j'ai... Pour le beau jeu. La Suisse, il y a eu la Suisse. Paf, Dompierre. Vers le lac de Neuchâtel. Est-ce que vous aussi vous faites canonner comme des merdes? Moi j'ai terminé, je vais pas te mentir. J'ai pas eu de canonnade pendant toute la... Et j'en ai pas eu, j'en ai pas eu, j'en ai pas eu. J'ai eu du gros, de la grosse canonnade, bien ça. Oui, si vous entendez des brrrr, parfois c'est qu'il y a de l'orage chez Mister JD. J'espère bien que Monté va être canonné dans tous les sens et qu'il comprendra jamais qu'il était en Suisse. Je pense qu'il l'a déjà compris. Le problème, c'est que si tu te plantes en Suisse, tu fais pas non plus des gros écarts de points vu que le pays est pas très grand. Rire de droite. Merci Katiminix pour les 2 mois de sub. Angle droit vient de dire que le gruyère était de l'emmental râpé, je me suis cassé. Oh, c'est terrible. C'est terrible de dire des choses comme ça. Mais elle est là, Tim. J'espère qu'elle va trouver. Même si c'est quand même une route de campagne un peu... Si elle est partie par là, ça peut être compliqué. Hein. En fait, faut juste tomber sur ça, quoi. Si tu tombes là-dessus, ça peut le faire. Le bandit. Monté à pas 5000, je pense. Bah j'espère. Ce serait bien qu'il fasse pas 5000. Il a fait que des 5000 depuis le début, hein, Monté. Hein. Il fait que des 5000. Il en a... Ouais, c'est vraiment full perfect pour l'instant, Monté. 2 kilos. Ah, le premier non perfect de montée. Il y en a 12 mètres. Alors, il... tout le monde a fini là ? Oui. Oui. Il y a 2 dompierres à 18 km l'un de l'autre. Ah, j'ai pas vu l'autre. Heureusement que je l'ai pas vu, putain. C'est la Suisse. Il est où l'autre ? Je suis pas parti du tout du bon sens. Vers Romont, Meudon. Ah oui, je le vois. Ah oui, je le vois. C'est un peu bâtard, on va pas se mentir. Oh, il y a une petite rivière qui passe aussi là. Je cherchais, j'essayais de me placer vers la rivière. Est-ce que du coup on accroche quand même ? Parce qu'il y a peut-être moins qu'on gagne ce round. Non, je pense pas avec le score de Bilou. Ah, on va voir. Ah, il y a 2 corcelles aussi, c'est pas vrai. Moi aussi, je me suis fait prendre par les corcelles. Oh, si. Oh non ! Oh, si. De quelques points. 2 corcelles en fait. Moi, je me suis fait prendre par les corcelles, pas par les dompierres. J'ai cherché un dompierre près de corcelles. Non mais les Suisses, le nombre de bleds qui ont le même nom en Suisse, c'est incroyable. Bah, c'est fou. Oui, et puis d'un côté de la route, c'est écrit en français et en allemand, et de l'autre côté, non. Oui. Moi, j'ai vu que du français. Hein. J'ai vu que du français pour le coup. Non, j'ai vu. Moi, c'est peut-être parti du bon sens direct, mais quand tu vas de l'autre sens, t'arrives dans un lieu dit où c'est écrit en allemand aussi. Allez la team. Bon bah. Bon, est-ce que tu peux te focus, s'il te plaît? Comment ça En fait, je joue pas très bien hein, pour le coup. Ouais Montea, c'était un peu à chier là, mais bon. C'était pas ouf. C'était pas terrible. Putain, mais monté quoi, 5000. Ah non, c'est terrible. Je suis prêt. Bon. Bah ouais. Je suis prêt. Aïe. C'est pareil. 3, 2, 1, go. Oula, non. Dis pas que j'ai lu ce que j'ai lu. J'ai pas lu ce que j'ai lu là. J'ai bien lu ce que j'ai lu. Allez! Et bah bravo, Monté! Mopouac. Mopouac. Est-ce que je vois Mopouac? Bon, c'est à 121 bornes, hein, donc. Attends. Putain. Je sais pas écrire ces trucs, je sais pas les prononcer. Mopouac! Mopouac. Attends. Nessa. Ça, c'est grosse ville, ça. Parce que je check l'Ukraine quand même un peu avant vite fait. Nessa. Là. Oui. Penza. Vu. Ok, Penza, il y a 272 bandes dans ce sens-là. Mokwa, ici. Mokwa est ici.
Attends. Et là, t'as... Knob. Au secours. Oui, mais sauf que cette ville-là, Mokshan. Non, mais c'est pas ça. Ah non, c'est pas Mopwak. C'est pas Mopwak du tout. C'est pas Mopwak. Ah, attends. Là, et il y a Ipapobo, Ipanovo, je sais pas, Ivanovo. Ivanovo, peut-être, comme ça. Qui devrait. Je devrais tomber dessus normalement. D'accord. Je la merde, hein. Oh, au secours. Ah, mais c'est là, Mopwak. Morshank. Mais attends, je perds ce croisement. En vrai, pas trop au point de départ. Ah non, mais la route va vers le nord, direction Morshank. Rire de droite. Morshank est là. Ah, mais je suis peut-être par là. Oh non, c'est horrible. Je sais pas du tout. Donc, Morshank. Attends. Morshank est à 121 bornes à mon nord. Morshank est là. Hein. 8 mètres. 8 mètres, bravo, Monté. T'as cette ville là, Pichayevo, qui est indiquée là. Pichayevo. Ah, c'est peut-être ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a ce truc là pas très loin? Oui, oui, je pense que c'est ça. Du coup, je devrais être là. Sur la logique des choses. Là. 4 mètres. Bravo. Du coup, je te nique d'un point. Putain. Merci Raven Wizard pour les 4 mois de sub. Telco Fulgor pour les 9 mois de sub. Merci beaucoup. Ouais, mais là, le reste de la team... Tire de droite. Florence et JD en Russie. Je sais que c'est pas leur point fort du tout. Merci Julie Le Chat pour les 3 mois. Elle Angel pour les 5 mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pa 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 pa. Faudrait un point en Amérique latine, monter moins fort. Et moi je suis pas très fort non plus en Amérique latine. Hein. Les P se prononcent R. Oui, on me le dit tout le temps, mais j'oublie à chaque fois. J'oublie à chaque fois. J'oublie à chaque fois. Putain, c'est vraiment une petite route à la con. Hein. 23 km. C'est pas si mal en vrai. Je m'attendais à pire. 65 km. Ça va aussi. C'est sur le bon point. 675, impossible de voir où c'était. Comment vous avez trouvé? Genre j'ai trouvé en triangulant. J'ai trouvé des grosses villes qui étaient indiquées. Je sais plus. J'ai vu Penza qui était bien indiqué. Morshank aussi. Morshansk, pardon. Okay. Et bah ouais. Il y avait Volgograd aussi. Ouais. Ah je l'ai pas vu. J'ai pas vu Volgograd. J'ai pas vu Moscou ni Volgograd. Juste à côté du point de départ en fait, j'ai pas vu Volgograd. Tu franchissais l'intersection, tu te retournais, t'avais Moscou, Volgograd, Tambov. Je suis pas allé dans l'autre sens. Parce que Bondari, t'avais tout. Ouais. Non mais dans tous les cas, j'ai quand même trouvé, mais ouais. J'ai pas vu ce panneau. Terrible. Bilou, es-tu là? Oui, j'étais sur le bon point, je faisais 5000 puis j'ai bougé au dernier moment. Ok, cool dur. Okay. Bah vous gagnez quand même, hein. 10 à 14. L'équipe montez toujours premier, je suis deuxième. Voilà. Ok. Voilà, tout à fait.
On a eu un petit point... Ouais, ok. Bon, tout est encore jouable pour tout le monde. On va passer en diverse world, les amis. Tout à fait. Mais franchement, Florence JD, je m'attendais à ce que vous... La Russie, c'est compliqué. Du coup, je suis content que vous ayez fait ce score-là. C'est cool. Franchement, j'aurais eu 30 secondes de plus. Je faisais les 5000, je pense. Franchement, bien joué, Florence JD. C'est surtout, en fait. Ah oui, bah... C'est cool. Ouais, c'est cool que tu l'aies vu, parce que moi, je l'ai pas vu le Moscou indiqué, pour le coup. En fait, le panneau où il y avait 5 villes indiquées, mais après, il faut les retrouver. Et quand il y a beaucoup d'informations sur la carte de Russie, je trouve, il y a beaucoup de bleds. Et comme c'est pas ta langue, c'est compliqué, quoi. Mais ce qui était bien, c'est qu'il y avait le... qui était dans la même direction, et du coup, c'était un peu prankesque, quand même. Ouais. Ce qui était bien avec le point qu'on a eu là, c'est que le nombre de kilomètres était indiqué, pour le coup. Donc ça, c'était cool. Oui, Monté, tu voulais dire ? Oui, tout à fait. Oui, aussi, ouais. Aussi. Monté, tu voulais dire un truc ? Monté ? Non, mais du coup, comme il y a... Moscou et Volgograd étaient à la même distance l'une de l'autre, du coup, tu te dis, ben, t'es entre les deux, quoi. Bien sûr. Globalement, quoi. Enfin, si c'est équidistant, c'est plus facile. Ouais. Est-ce que vous êtes toutes et tous prêts oui. pour le... Oui, 4G. 4G, ouais. 4G, ouais. Ouais. Je suis prêt. Ok, yes. Alors. Bilou, c'est bon ? Ouais. Oui, oui. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Allez, la team. Allez, l'équipe. Australie, Afrique du Sud ? Australie ou Afrique du Sud ? Un des deux. Quelle langue ? Utakara, probablement Australie. Utakara. Peut-être juste Afrique, mais je dirais plutôt... Non, c'est Australie, je pense. Utakara. Ok. Ouais. Ouais, c'est l'Australie. Utakara, bah après, ça doit être un tout petit bled à la con. Faudrait au moins que je sache la province australienne dans laquelle je me trouve. Ça serait vachement bien. Peut-être c'est indiqué quelque part là-dessus. Non. Ah bah Chester & Sons, quoi. Ouais, ça va être compliqué, en vrai. Là, ça va être très dur, je pense. Je sais pas si je vais avoir la moindre info intéressante. Geraldton Turkle. Geraldton. Ouais, je sais pas. Je vais quand même le noter entre parenthèses. Geraldton. Geraldton. Utakara. Hein. Ouais, Utakara, c'est bien ça. Hein. Ouais, mais y a aucune indication nulle part sinon. Je sais pas sur quelle route je suis. Ouais, une voie. Ouais, peut-être plutôt que je reste sur cette partie-là de la route. Parce que c'est là que je verrai les panneaux de face. Attends, ça dit quoi là-bas ? En fait, il me faudrait aussi un panneau avec écrit genre... Attends. WA. Western Australia. Putain, mais le problème, c'est que c'est gigantesque. C'est vraiment énorme. Et Utakara... Australie, tu peux choc de ouf. En fait, si j'arrive à trouver la ville sur la carte... Utakara... Bon, je l'ai pas. Ok. Ah, c'est vraiment gigantesque, l'Australie. Y'a pas un numéro de route, là ? Attends, si. Toi. Donne-moi tout ce que tu sais. Une. Ah, mais là, oh, ok. Putain, elle fait tout le tour du pays, je sais, cette route-là.
partir dans le bon sens, je suis sûr. Et non, là on change. Ok, c'est peut-être probablement dans ce sens-là du coup. Puis tout à Kara. Ah oui, Perth City Center. Putain, je lisais juste la route 1. Je suis trop con. Attends. Perth City Center. Donc Perth City Center est à mon sud. Oh putain. Ouh là là, il y a beaucoup de... Beaucoup d'éléments. La 1, elle est où? Là, toujours. Alors, où est Utakara? Quel merdier! Et là, t'as la 123 qui est juste à côté. Il reste 21 secondes. Allez, salut à tous. 120. Taisez-vous, mais arrêtez de dire. Mais bon, on va passer en émotonnerie, hein. Je vous préviens, on va passer en émotonnerie, les amis. Hein. Ok, j'arrive pas à voir. Il y a trop de mots. Ouais. 1 km. 370 km. 370 km. Ça veut dire quoi? 8 km. You earned your first point. Ça veut dire quoi? Tu as gagné ton premier point. Donc, est-ce que ça veut dire que j'ai fait un point ou j'ai fait zéro? Quoi? Mais tu t'es placé où, JD? Aux États-Unis. Quoi? Ah. Mais mec, ça roulait à gauche! Ah. Putain, mais... Bah ouais, j'ai pas fait gaffe. Mon frère, JD. C'était marqué point AU aussi dans les URL. J'ai rien vu pour le coup. J'ai pas eu d'URL. Mais du coup, JD en diverse world, mais c'est... Quand il y a marqué You earned your first point. Bah, j'en sais rien. C'est un point, j'imagine. C'est un, ouais. T'as fait un point. Okay. J'ai fait un. Le bout de ta vie. Après, moi, j'ai pas fait, c'est pas terrible. Je me... Après, pour sa défense, Mister JD, pour sa défense, Mister JD découvre GeoGuessr, donc c'est effectivement. Et... ouais, non, j'ai jamais fait gaffe. Ah, putain, dans le tableau, ça fait bizarre. Pour le coup, c'est vrai que j'y fais vraiment pas attention. Le pays, j'ai eu du mal à trouver. Moi, c'est vous avez eu du mal à trouver le pays. Point AU, quoi. Moi j'ai trouvé tout de suite le pays, immédiatement. Non mais Monta il disait qu'il avait galéré. Ouais. Bah j'ai mis du temps avant d'avoir une indication de route, déjà. Il s'est mis aux États-Unis. Indication de route en Australie, ça ressemble à l'Afrique du Sud. Non mais c'est... Moi c'est l'enfer, moi Ouais mais c'est écrit en anglais, Monta. En Afrique du Sud c'est écrit en africain. Bah c'est aussi écrit en anglais, ça dépend des zones où t'es en Afrique du Sud. Waouh. Tous les territoires d'Afrique du Sud ne parlent pas l'africain. C'est les anciennes républiques bourg qui le parlent surtout. Très bien, je ne savais pas. En tout cas, ouais. Bah, j'hésitais au début entre les deux, mais j'ai vu que c'était écrit en anglais. Du coup, je me suis dit. Et ensuite, j'ai vu qu'on était en WA, Western Australia. Et en fait, je me suis fait prank par un truc. Je savais qu'on était sur la une, mais je n'ai jamais compris. En fait, il y avait un panneau une et il y avait écrit centre-ville de Perth. Sauf qu'on était à 370 bornes de Perth en fait. Et là, dans la ville où on était. Ah oui. La ville où on était, il y avait un mémorial de Sydney. Ouais. Moi j'ai trouvé au bout de genre 4 minutes un panneau avec marqué Gerald Town et du coup j'y suis allé, c'est tout. J'ai jamais rien eu d'autre quoi. Ah, j'ai mais par contre les gens dans le chat, please, mais putain, vu, machin, tout ça, là, déjà c'est interdit. Et en plus c'était fou quoi. Ouais, j'ai que... Et en plus je me disais c'est bizarre la forme des routes, tu sais, j'avais marqué route 123 en bleu, je disais ça, la forme du logo ça correspond pas trop et tout. Et moi ce qui m'apprend pour l'Australie c'est que... Après, quand j'ai zoomé en Australie pour regarder, j'ai zoomé de l'autre côté, du côté de Sydney, etc. Et c'est pas des routes bleues, c'est des routes vertes. J'avais noté Geraldton. Ah ouais. Ouais. C'est des A et des M. D'accord. Ouais, c'est un peu... D'accord, oui, effectivement. Est-ce que vous êtes ready pour la suite? Oui, oui, oui. Allez, la team. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Ça va, Antoine? C'est nickel. Ok, alors. C'est très beau. Voilà, c'est tout. C'est super beau, effectivement. C'est très loin. Ligne jaune au milieu. C'est une référence à Chirac. C'est beau, mais c'est loin, tout à fait. Tout à fait. Hmm.
au milieu. Canada, États-Unis, Alaska. Je vais pas avoir d'infos pendant 1000 ans, c'est ça. Oh non, en plus si tu me fais faire ça. Non, je veux pas passer en summon league, comme j'ai dit hier. Je veux pas passer en summon league, à part évidemment si on était un chat à 30 000, et 40 000. Je confirme, hein, sur le... j'ai bien un point. Du coup, il y a marqué mon score en haut à droite, j'ai bien un point. Comme je dis hier, tout le monde peut pas se permettre de sub financièrement. On n'a juste pas envie et tout. Et j'ai pas envie de donner spécialement des privilèges. Déjà qu'il y a les émotes et tout. C'est déjà bien. Putain, il n'y a aucun panneau. J'espère en avoir un deuxième à l'issue de ce round. Moi aussi. Je vais pas vous mentir. C'est un peu la galère. Et bah c'est bien. Il n'y a pas de panneau. C'est vachement bien, Lyonski. Oh, attendez. Alors peut-être. Jasper, 66 bornes. C'est pas en Alaska ça? Juste, je check vite fait. Jasper. Ouais, bon. On est Jasper et on est à son nord-ouest. On est au nord-ouest de Jasper. Je sais pas où c'est Jasper. C'est pas une grosse ville qui est indiquée de loin? Non, pas tellement. Ça ressemble à des coins comme ça, hein, en vrai. Putain, c'est ça ma seule indication pendant 1000 km. Attendez, il y a gros fleuve slash gros lac à côté de moi. Après, niveau... rire de droite. Niveau Canada et dans ce coin-là... Putain, c'est horrible. Aucune info. Waouh. Waouh, putain, c'est vraiment somptueux, hein, pour le coup. Mais ouais, mais alors par contre, j'ai aucune idée où c'est, quoi. Je sais pas sur quelle route on est, je sais pas dans quel pays on est même en vrai. Ah si, ah putain, merci. Canada 16. Putain, il écrit quoi juste à côté, ce truc là? Ouais, bon, j'arrive. Trans-Canada, la 16. Là, elle est ici, la 16. Après, c'est Trans-Canada, donc c'est partout. East. Est-ce que je vois Jasper quelque part? Ok, donc non. Jasper National Canada Park. Ah ouais, là, Jasper. Ok. Donc je pense que ça, c'est le lac qu'on voit à côté de nous. Donc je pense que je suis peut-être par là. Ouais, yellow machin truc. Et du coup, en vrai, c'est pas ça mon point de départ? Retour au point de départ. Ah non, c'est pas ça. Il y a une petite route qui part comme ça vers le... C'est, ouais, c'est pas vraiment une... Ouais. En espérant que c'est indiqué, putain. J'espère tellement que c'est indiqué, ce truc-là. Mais attends. Non, ça j'ai pas croisé tout ça. Comment a fait ma route? Ah non, mais je suis plutôt dans ce sens-là. En vrai, je suis plutôt dans ce sens-là. Attends. Il reste qu'à rire de droite. J'ai plus trop le temps. Je dois être un peu plus bas, peut-être. Attends, laissez-moi faire. Ah. Attends. Attends. Au secours. Non, bah non. Putain, je sais pas du tout. Je dois évaluer la distance. Ouais, je dois être beaucoup plus haut en vrai. Oh non, au secours. Ah non, c'est foutu. Ah, peut-être pas dans le bon sens. Oh, 5 km. 75 km. Oh non, j'avais bon au début. Putain. Tout ça parce que le petit chemin n'était pas indiqué. Oui, oh, le petit chemin n'était tout à fait pas indiqué. Ah, en fait, du coup, je suis parti sur l'autre. Merde. Combien 70 km. 70 km, ok. 70 km. Wow, ça m'a fait... Il y a eu un éclair, il a été tellement puissant que ma cam et ma souris
on freeze. J'ai fait 32 km. Non, vous avez trouvé le coin. Ouais, j'ai juste eu mon Robson et j'ai cherché mon Robson sur la carte. Putain, mais le petit chemin à droite, ça veut dire il était pas indiqué. Moi, j'ai vu qu'on était sur la Trans-Canada Highway 16 là. Ah ouais, merci Dimalou pour les 5 mois de sub, Hugosk pour les 3 mois de sub, Zepeli94, Cyprien DLP pour vos primes, Diljack pour les 8 mois. C'est June caché. J'ai démetté pour l'instant. C'est pas trop dit quelque chose, Jasper. Du coup, je suis rentré un truc sur Jasper. Ouais, bah pareil, Jasper. Ah ouais, moi j'ai pas eu un nom de bled quoi. Je suis juste allé au Mont Robson, là j'y suis allé, il y avait une station service dans laquelle je suis rentré. C'est tout. Les amis, en vrai, je pense que je vais faire juste une pause de 1 ou 2 minutes pour voir si mes chats sont bien, parce que on s'est vraiment pris un éclair très très proche et j'espère vas-y, tu nous dis. Est-ce qu'on en profiterait pas pour pisser? Ouais, et vous gagnez ce round, l'équipe d'Arma. Mais comment c'est possible avec le 1 point de JD? Non, vous gagnez cette manche. Ah oui, ce round là, oui. Trois Antoine. Petit Among Us ensuite. Tout à fait. Florence, tu es là? C'est cool. Tellement hâte de pas être imposteur, oui, j'espère. Je suis là. Florence, tu préfères être imposteur ou crewmate sur Among Us? Mais j'ai jamais joué à Among Us. Ça marchait pas la dernière fois qu'elle avait essayé. Ouais, j'ai jamais réussi à join la room en fait. C'était l'enfer, ça mettait un message d'erreur en boucle. Vers quelle heure le Among Us? Sur 10 sites, j'aime bien chercher qui est l'imposteur en vrai. Je vais... Oh, moi aussi, sérieux. Lisez le titre du live, vous s'en supplie les mais amis. Je t'ai vu... À quoi ça sert de mettre un titre au secours? À asseoir ton autorité sur ton auditeur et à essayer de brain tout le monde quand t'avais une idée en tête. Je t'ai vu à l'œuvre, Étoile. Je suis un inspecteur mais un piètre imposteur. C'est mon problème, je ne sais pas mentir. Moi non plus, mais t'as spot des trucs quand même que j'ai. J'aime trop être inspecteur, je trouve ça trop trop bien. Parce que tu sais, genre sur Minecraft, il y a un mode de jeu qui s'appelle Taupe. Et en fait, tu dois trouver quel. Ouais, pour le floodcast, ça va être cool demain soir. Et moi, j'ai fait genre 2000 heures sur ce mode. Ça va être sympa. Genre, j'ai vraiment trop trop joué. Et du coup, j'aime trop spotter qui est là. Ah, peut-être sur Tel, on peut pas lire le titre, excusez-moi. C'est à 21h le Among Us. Ouais, j'ai dû faire 1000 games quoi. Avec Fucano, c'est de là où vient la capacité. Alors excusez-moi, faut que je fasse des titres plus courts, mais je veux donner le plus d'infos possible dans le titre. On a fait tellement de games. Rejidé. Je viens de me reprendre un freeze à cause des ondes, parce qu'il y a encore un... Enfin, c'est un enfer, mais je suis vraiment désolé, je suis navré. T'inquiète. Là, je pense que c'est ultra hardcore, en vrai, les conditions climatiques ici. J'ai un putain de ciel bleu, c'est fou. Moi, quelqu'un dans mon chat qui a dit je suis le seul à être déçu de monter. 4986, oui, c'est très décevant. Ouais. Merci Jean-Charles Henry pour les primes. Merci beaucoup. Désolé, vous me dites si vous êtes tous ready. Ouais. Monter est parti aux toilettes, ouais. Ah bah voilà, non, je suis là. Ok, Bilou, angle droit, ready. Oui. Bilou ? Je suis prêt, moi aussi. Ok, Bilou est prêt. Ok, super. Est-ce que Bilou, t'es prêt du coup? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Espagne? Je crois que... Ah, attends, on t'entend, Étoile. Merde, désolé. Ça me ressemble à l'Espagne. Est-ce que je vais pouvoir lire ne serait-ce que... S'il te plaît. Super hit. Ah non, pas du tout. C'est quoi ça? Ah. Attends. Radovis, Ingevo et Kanse. Peut-être Macédoine, un truc comme ça? Attends, Radovis. Radovich? C'est ça, oui. C'est la bonne route. Radovich, juste ici. Radovich là. Et vers mon sud, t'as Ingevo et Kanse. Kanse. Radovic, juste ici. Mais attends, c'est lequel? C'est celui-là? Ah non, oui, bien sûr, je trouve pas. Radovic, juste là. Je suis bourrax. Ah, mais Ingevo, je l'ai vu. Il est là. Mais attends, je suis juste avant. Tac. Là.
On est un peu avant. Retour au point de départ. Comment ça fait là où je suis? Ouais, bah je suis sur cette parcelle-là, avant que ça tourne. Ouais. Attends, ça tourne là. Ah. Ça tourne pas dans le sens que je veux que ça tourne. Attends. Là? Ah oui, c'est possible que ce soit cette parcelle-là. Et là, ça tourne comme ça. Là, ça tourne comme ça. Et ensuite, ça retourne. Ah non, c'est pas ça. Mais putain, c'est où? Ah non, c'est peut-être ça. Oui. Je vais être sur cette parcelle-là. Mais comment je calcule où je suis, quoi? Attends. 1, 2, 3, 4, 5. 5 avant le virage là-bas. 1, 2, 3, 4. Je suis un peu plus proche de cette partie-là. Donc, plus ou moins là. Ouais. 54 mètres. C'est 5000. Un clic, c'est combien de mètres? Aucune idée. Je sais pas. En fait, j'ai juste fait... j'ai vu qu'il y avait 5 clics d'un côté, 4 clics de l'autre. Du coup, je me suis dit, bah, je suis plus proche de tel côté. Et voilà. La musique de fond là, c'est du Chrono Trigger. Après, c'est des. Il me semble que c'est une OST de. Enfin, c'est des musiques de Super NES que je passe en fond depuis tout à l'heure. Et là, c'est Chrono Trigger. Antoine, t'as un conseil pour différencier rapidement les Alpes des Pyrénées en France? Non. Quand je tombe en France et que je vois que je suis en montagne, je sais jamais dès le départ lequel des deux c'est. Il y a des noms. Les noms en OU. Souvent, c'est un peu plus. 69 mètres. Nice. C'est moi, plus... ça va être gros coup du. Des trucs en. Ouais, je sais pas. Ouais, Aku, B12, Urdos, tu vois, c'est des noms. Ouais, ça va être terrible pour moi aussi. Faut compter une échelle sur la carte pour évaluer les distances? Non, pas spécialement. Et même, je me rendrais pas trop compte. Clairement, j'étais pas parti du bon sens. J'ai fait demi-tour quand vous avez. Quand vous avez donné le score. J'aurais. Merci Arizona pour ça va faire à Castors, putain. Bien sûr. Bien sûr. J'étais même pas dans mon pays. C'était un giga coup dur. Ah oui, vraiment pas. Oh non, putain. D'accord. Tu t'es mis où, JD? 28 km. Je me suis mis en Slovaquie, mais je me suis mis un peu au milieu de tout sans même regarder dans quel pays je me mettais. Je suis parti du mauvais sens, moi. Ouais, de l'autre sens, il y avait. C'était 3 minutes de rien. Ouais, bah j'ai eu 3 minutes de rien et j'ai vu le drapeau de la Macédoine. Du coup, bah... Ouais, mais bah, du coup, quand Antoine a trouvé, j'ai fait demi-tour et là j'ai vu qu'il y avait des panneaux. Oula, Florence, tu t'es mise où? Ouais, je ne savais pas que la Macédoine était straduée, d'une. Et en fait, j'ai hésité avec la Bulgarie, j'ai eu un... Oh putain, je suis mute. Non, on t'entend. J'ai cru que tu me disais, tu m'entendais pas. Et la Bulgarie, j'ai eu un gros doute sur le fait que c'était straduée ou pas. J'ai hésité à mettre mon point en Bulgarie, ce qui m'aurait... C'est straduée, la Bulgarie. Et la Macédoine du Nord aussi. Que la région de Sofia, par exemple. Il y a vraiment la Bulgarie. Ah oui, toute la Bulgarie est straduée. Okay. On est déjà tombé en Bulgarie et en Macédoine en plus. Tout à fait. Macédoine, moi je n'ai pas le souvenir. Ça tombe assez souvent, ouais, la Macédoine Nord. En fait, dans ce coin, tout est street viewé, sauf le sud de la Serbie, Kosovo inclus.
et la Bosnie-Herzégovine. Sinon, tout est Street View. Ah, la Macédoine, j'avais complètement oublié que c'était Street View. Pour moi, c'est la Bulgarie. J'ai eu un gros doute d'un seul coup, alors j'aurais dû mettre mon point en Bulgarie. Tant pis. C'est pas grave, allez la team. Allez la team. Un peu compliqué, mais allez la team. Autres, Bilou. Là, c'est gros coup dur. Hein. Yeah. Gros coup dur, Attends, t'as fait combien de points à monter? Il fait 4223. Oh là là, mais bon, mec, mais, coup, mais mec, tu vas attends, tu je suis pas sûr, que tu vas pouvoir t'en relever de ça. Quatrième, en vrai. Mais quatrième, c'est pas beaucoup de points, vraiment. C'est. Quand vous voulez. C'est comme ça que ça fonctionne. Je suis prêt. Oui. Est-ce que vous êtes prêt? Oui. Je suis prêt. Oui. Oui, c'est bon. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Faudrait que tu fasses un live avec le gars qui s'appelle Aspaz. En plus, il est fan de toi. Ah, tu viens de me donner une raison pour laquelle je. Mais j'ai déjà eu ça! C'était quoi? J'avais fait laisse-moi lécher ton crâne, Jeff. Est-ce que vous aussi vous avez ce mec? Bien sûr. C'était où déjà? C'était quoi? Warren Stadium? C'était quoi? Je connais pas le drapeau, me dites pas. Communication secret général. Maurice? Non. Ah, je me souviens plus où est-ce que c'était. Mora. J'ai oublié. Je sais que c'est pas un pays qu'on a l'habitude de, sur lequel on a l'habitude de tomber. Du coup, les deux autres vont se planter. Point. Non. Putain, il est encore là. Microcred, réparation. C'est écrit en français, mais je pense pas que ce soit le Sénégal. Je sais pas quel est ce drapeau. Ok. Madagascar, j'ai la vie ou pas mosquée? Non, c'est juste le nom de la mosquée. Je pense pas que je sois à Antananarivo. Madagascar. J'ai pas le nom de la ville par contre. Hein. Port? Ah, il y a un port. Port quoi? Putain, il s'est changé le chauve. Port Morondava. Morondava. Mon sud, Morondava. Putain, j'en ai aucune idée. C'est au sud, hein. Ouais. Non, mais plutôt ce sud-là, par là. Port Morondava. Peut-être par là. Attends. Port Morondava. Est-ce que Morondava c'est le nom d'une ville ou pas? Juste. Morombe. Ouais, mais c'est pas ça. Morondava! C'est bon. Je pense que c'est sur cette route-là. Ouais, complètement. Il y a la mosquée qui est là. Ouais, là t'as une mosquée qui est indiquée. Alors, est-ce que c'est celle-ci? Là t'as un croisement juste là. Qui ne correspond pas. Ce n'est pas ça. Ah non, la mosquée n'est pas indiquée. Sinon, c'est pas la bonne. Non, c'est pas celle-ci. Ah non, c'est pas ça. Ah, attends, cette rue, elle est forcément indiquée, on est d'accord. Hein. Ah, quoique. Ah, si. Petit croisement comme ça. À quel endroit ça pourrait être? Là? Bah, en vrai. Oh, je m'en rends pas compte. Bah, ça pourrait être ça. Je pourrais être là, Market. Oh putain. Là, il y a ça ici. Une seule route comme ça. Quel enfer. C'est l'enfer. Hein. Ah non, mais alors ça, c'est ça. Du coup, la petite. Non, je pense que c'est la bonne mosquée en vrai. Je pense que c'est la bonne mosquée.
Et je pense que je suis genre là. 1 mètre. C'est bon. Je pense que je vais faire pareil, mais en point. JD, faut vraiment qu'il s'entraîne sur Diverse World, là, c'est pas possible. J'ai l'impression que quand il joue, en fait, il ne fait que du France, pour le coup. Il est super fort en France, mais par contre, en Diverse World, c'est une cata. Enfin, c'est compliqué, quoi. De droite. Merci Dreddy420 pour être offert à Jean Castor, à DZTV pour les 5 mois de ça, merci beaucoup. Rire de droite. Ah, bravo Bilou pour les 5... 556 km. Je m'attendais à pire. 388 mètres. Ah, oh, désolé l'équipe. Lance. La merde. Oh, ça va. Ça va. Ah putain, mais vous avez tous fait... Ok, ouais, oui, d'accord. D'accord. Ils ont tous fait 5000, sauf Étoile qui fait 4999. Okay. Mais... Ok, ok. Ça va, j'avais vraiment peur de ne pas être au bon endroit du tout dans le monde, en vrai. Il n'y a pas grand-chose dans la rue, là, il n'y a rien d'indiqué, c'est la merde. Ouais, j'ai vraiment pas trouvé, parce que je cherchais la pharmacie de l'amicale. J'ai pas du tout trouvé. Et même le commissariat de police devant lequel on est, littéralement, ouais, voilà. Il n'est pas indiqué. Ouais, tu vois, ouais, c'est pour ça. C'est nouveau que Madagascar soit Street View, oui. En fait, non, parce que... Enfin, oui, mais tu vois bien que c'était pas un Street View conventionnel, on va dire. C'était clairement quelqu'un à pied qui l'a fait. Moi, j'ai adoré voir le petit bidou du guide. Oui, enfin, moi, c'est son crâne, surtout, mais oui. Par contre, heureusement qu'il y avait le drapeau. Hein. Parce qu'en vrai, s'il n'y avait pas le drapeau, si j'avais juste vu écrit Madagascar, je pense que j'aurais jamais cru que c'était Street View. J'aurais cru que c'était un bait. Ah non. Ah, j'ai pas vu. J'ai vu le drapeau, mais je le connaissais parce que pas. Je savais pas du tout que c'était Street View. Puis, est-ce que... Enfin, c'est nouveau, en tout cas, c'est... Parce que dit Mapper... Mapper dit dans mon chat, ça date de 2014, donc pas récent. D'accord. Merci Patators pour les 2 mois de sub. Merci beaucoup. Voilà. Vous êtes tout... Je suis prêt. Pour la suite. Oui, je suis prêt. Oui. Également. Ok. Moi aussi. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Let's go. Let's go. Providence, c'est probablement pas le nom de la ville. Hein. Bon, je suis probablement les États-Unis. Ou Chase, peut-être le nom de la ville. Je sais pas. Attends. OR. Moi qui vais dans le restaurant. OR comme Oregon. Oh, vas-y, pour l'instant, on se place dans l'Oregon. Sans grande conviction. Merci Canoïde pour l'année de sub, merci beaucoup. Merci à toi. OR comme original. Ah bah peut-être. Maybe. Attends, je peux réussir à lire ce qu'il y a écrit là ou pas? Non. Non, nounours. Non, je lirai jamais ce panneau. Hein. Garrison Creek. Je vais le noter quand même, mais... Garrison Creek. Là, t'as des rails. Ouais, t'as des rails qui passent là. T'as dit quoi, ça? Voilà, voilà. J'ai pas vu ça récemment. Oh, je sais plus. Attends. Tu dis quoi, toi? Pendleton. Est-ce que c'est dans l'Oregon, ça, Pendleton? Ouais, ça m'a l'air d'être un peu une couille, là, le fait que ce soit l'Oregon. Milton Freewater Pendleton. Il n'y a pas un autre panneau dans ce coin? Attends, si, là il y a quoi?
Plaza, oui. Dallas Military Road. Non, mais ouais, ok. Pas intéressant. Je sais pas trop à quoi ressemble l'Oregon, donc ça pourrait ressembler à ça, je sais pas. Fairgrounds. Je sais pas du tout quel est le nom de... si c'est un vrai nom de ville ou si c'est autre chose. J'en ai aucune idée. Ça dit quoi, ça? Applebee's. Allô? Rire de droite. Attends. Y avait pas un truc, là? En fait, il me faudrait le nom de la putain de route, quoi. La putain de route, quoi. Ouais. Ah non, on est à Walla Walla. Ok. Walla Walla. Mais Walla Walla... voilà, quoi. V.A. Me dites pas. V.A. V.A. Virginia? V.A. Medical... Non, V.A. c'est peut-être Virginia Walla Walla, non? C'est soit l'un, soit l'autre. Du coup, c'est vraiment la méga merde. Walla Walla. Putain, j'en ai qu'une idée. Ça ressemble pas à ça, la Virginie. Oh là là, ça va être terrible. Il va faire très mal, celui-là. J'ai pas le numéro de la route, il reste peu de temps. J'ai aucune idée d'où on est. Pendleton. Aïe! Oui, c'est-à-dire monter? Bah, moi, ça va être Groucho. Ah, ah oui, pareil, pareil. Oui, pareil, toi, gros, toi, toi, Groucho, c'est 12 km, quoi. Bah, alors, ouais, attends, toi, 2 mètres. 2 mètres. Mais pas du tout. Mais mec, je ne sais pas dans quel état on est, en fait. Voilà. Moi non plus. Je te dis juste ça. Voilà. Moi non plus, je sais pas. Oh ouais, non, j'avais bon au départ, fais chier. Ah, t'as fait combien? 3437 km montés. Donc ouais, les 2 mètres. 3327 km. T'as même fait t'as mieux fait que moi. Comment, toi? Bah, j'ai trouvé la ville. En fait, j'ai vu. Ville, oh, putain. Donc, ville, donc, voilà, ouais. Donc, OR, on était bien vers l'Oregon, quoi. Fais chier. En fait, j'ai trouvé. J'ai vu WA, l'état de Washington. Et je ah savais. Ah, d'accord. Ah, bah oui, ça aide, ouais, forcément. Ah, moi, j'ai vu VA. J'ai vu VA, donc je me suis mis en Virginie. Voilà. Ah, non. Ah, moi, j'ai vu WA. Moi, j'ai vu. North-East, qui okay, écrit quelque chose, peut-être Nord-Ouest. Oh, merci. Eric Zemmour, pour le Prime. Linway, pour le Prime. Dramo, pour les 4 mois. Ah oui, moi, je me suis mis en Virginie. Je me suis mis à. Sur la côte est. Ah pardon, bah oui. Étoile, premier score jeu guesser, étoile. Ah bravo. Ouais, j'ai fait un bon Diverse World là. Ah ouais, le meilleur sur Diverse World. Ouais, bravo. Oh là là, cata okay. Moi. Catastrophique, hein. Catastrophique. Tout va se jouer avec les teams maintenant. Bon, je lance un dé. Ça paraît très compliqué que Antoine passe devant Monté. En revanche, moi je peux. Merci Bolchelik pour le prime. Devant Bilou, il y a que 2 points qui nous séparent. Et merci Landolt pour le prime, merci beaucoup. Donc à voir. Ouais, on va lancer les dés. Faut juste, je vais juste reprendre la le truc des malus là, parce que je m'en souviens pas par cœur. Ouais, ça se voyait de loin le Medical Center, mais j'ai pas du tout vu. Enfin, pour moi, c'était pas au centre de la ville. Ah désolé, j'étais pas mute, je suis une merde. Alors. Alors, attends, on peut rappeler les malus et le chat ouais. Dira rien compris une fois qu'il les aura expliqués, alors qu'en fait okay. C'est très compréhensible. Vas-y. Donc le 1, si Monté tombe sur 1, c'est partir un jour, aucun joueur ne peut cliquer sur le drapeau, en cas de misclic, le joueur doit guess aussitôt. Voilà. S'il tombe sur le 2, c'est speedrun, le challenge dure 1 minute de moins que prévu. S'il oui. tombe sur 3, c'est don't move, un joueur n'a pas le droit de bouger, les autres n'ont pas le droit de déployer la carte, et chaque joueur fait le score du joueur immobile. Voilà. S'il tombe sur 4, c'est la chasse au point, le temps des rounds est libre, mais on a 10 minutes pour finir tout le challenge. S'il tombe sur 5, c'est à la va-vite. Au lieu de 5 rounds de 5 minutes, c'est 5 challenges de 5 minutes, donc 40 secondes par round. Et enfin, s'il tombe sur 6, c'est couverture.
c'est beaucoup plus court, mais seul le meilleur score, enfin le score du meilleur de l'équipe compte pour toute l'équipe. Voilà. Voilà, donc. Ce sera 4. Et donc 4, ce c'est. 4, ce sera la chasse au point. La chasse au point. 10 minutes. C'est-à-dire qu'on a 10 minutes. On a 10 minutes pour faire le plus de points possible sur un challenge. C'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et le but, par contre, les points ne sont pas comptabilisés en. Enfin, comment dire ? Non, arrête-toi là, arrête-toi là. Mais non, mais c'est vraiment pour la strat, il faut essayer d'être le meilleur sur chaque round en fait. Il faut essayer d'anticiper qu'est-ce que les autres ils vont faire. Est-ce qu'ils vont le passer rapidement ou est-ce qu'ils vont essayer de faire un truc fort ? Après, c'est des versus par round. Ok, je crée. Merci BudBud pour les 2 subs offerts à la communauté. Jensens pour les 8 mois de subs. Merci beaucoup. En challenge, no time limit. Je tiens à dire que je n'ai jamais fait ce challenge là, hein, pour info. C'est Malus. On est tombé 2 ou 3 fois dessus. 2 fois, ouais. 2 fois. Ouais. Tout à fait. Oui, j'avais prévu que vous ne. Oui, tout à fait. Son pote. Tout à fait. Contre Bilou et juste Tang. Juste Tang. Ok, donc il se termine par UC, ne lancez pas tout de suite. UC, oui. Dans map, hein, dans l'onglet map du Discord. Dans l'onglet map du Discord, tout à fait. Le 4, le numéro 4. Donc, comment ça va se passer ? On va se rejoindre dans nos chans respectifs. Oui, comme à chaque fois. Nous allons tous cliquer sur Start Game à 19h22 précisément. Et nous allons arrêter, il faut que le dernier point soit validé à 19h32 précisément. Voilà. Oui, enfin d'accord, mais je veux dire, il faut peut-être un timer avec un petit bruit, non ? Bah fais comme tu veux, moi je te dirais quand c'est 19h32. Tu fais comme tu veux, mais nous... Et le chat, sinon ? Oui, et le chat, sinon... Bon, ok, ok, ok. Très bien, très bien. Ça, la semaine dernière, ça s'est bien passé. Ok, ok, très bien. Mais attendez, je ne comprends pas comme c'est en coop. Oui. Oui, il faut aller dans notre channel, ouais. Oui, bien sûr. Bon, on va dans notre channel. On va dans notre, dans notre channel. À tout à l'heure. À toutes. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Florence ? Oui ? Quoi ? J'ai posé une question. Mais c'était quoi la question ? On n'a rien entendu, on n'a pas entendu de question. Comme je suis en coop, je comprends pas comment est-ce qu'on compte les points, en fait. Si c'est, il faut se mettre d'accord, il n'y en a qu'un seul qui pose les points et ça compte. Ah non, c'est tous les points de tout le monde. Il faut juste guess en même temps, mais tout le monde compte. Et on remplit tous les points à la toute fin de la game. Une fois qu'on a terminé les 5 challenges, on remplit les points de tout le tableau. Voilà. Voilà. Allez, on se retrouve on va dans nos équipes et on commence à 22. Yes. À toutes. Très bien. Ok. On va commencer dans 10 secondes, du coup. Est-ce que vous êtes ready ? Oui. Oui. Ok. Donc, ouais, on inscrira tous les points à la fin. Donc, on met pas les points par... Oui, oui. Non, on les prendra à la fin. Go ! Hop là. Go. Ok. Attends, je regarde un peu. Placez-vous peut-être au Lesotho en attendant. Placez-vous au Lesotho. Saint-Louis Preschool. Placez-vous au Lesotho, s'il vous plaît, en attendant. Ouais, je sais pas où c'est, par contre, mais... Okay. C'est enclavé dans l'Afrique du Sud. Ouais, ok. Saint-Louis Preschool. Ouais, je l'ai aussi. Saint-Arsenelo. Alors, il y a plein de Preschool, en tout cas. Hein. Ouais, je pense que c'est le Lesotho, en vrai. Parce qu'il ressemble vraiment beaucoup. Je sais pas si on cherche des trucs précis ou si... Bah, il faudrait au moins qu'on soit sûr qu'on soit dans le bon pays. Ouais. Il faudrait que je sois sûr. Attends. Il y a rien. J'ai l'impression que c'est... j'ai fait un peu toutes les directions. Attends, j'ai pas fait vers le haut encore. Attends. C'est peut-être vers le haut que c'est intéressant. Je vais aller par là. Florence, tu vois rien ? Non, je suis en full cul-de-sac en fait. Ouais. Moi j'ai trouvé c'est vers le haut, faut aller à droite puis vers le haut, enfin tout droit puis vers le haut. Je pense vraiment que c'est le Lesotho. Attends, je regarde un truc. Pier Lane. Peut-être pas perdre trop de temps dedans. Attends, je regarde quand même vite fait un truc. Moi j'ai trouvé l'endroit qui est pas un cul-de-sac en tout cas, mais... Oui, moi aussi je pars dans un cul-de-sac. Mais vous avez bien de la chance. Saint-Luc Clinic, Kakungulu Estate. Attends. Ah, juste un truc. Kakungulu. Faudrait que je sache le pays. Royal Valley House. Alors, le Lesotho, c'est un royaume, hein, donc ça confirme un petit peu. Mais ça pourrait être aussi le Eswatini, mais je pense pas en vrai.
On a déjà cramé plus d'un cinquième de notre temps. Hein. Attendez, je vois un truc. Il y a un lac là-bas, attendez. Oh putain, je sais pas. Moi, je pense qu'il faudrait passer valider. Ah, ok. Allez. Mettez votre point. Moi, je mets mon point vers Maseru. Vers Maseru. Et c'était... Faites-le. Ouais, maintenant, on est obligé. Vous êtes obligé. Ah non, c'était l'Ouganda. Ouais, on n'a jamais eu la confirmation du pays. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Go. Okay. Putain. Oh non, c'est une cata, hein. Ça va mal se passer. Faut mieux perdre un round et pas y passer 1000 ans plutôt que de le perdre en y passant 1000 ans. Suède, Finlande ou... Suède, Finlande ou Norvège. Voilà. Ouais, tout à fait. Je me place en Suède. Je suis allé vers l'Est aussi, pour info. Je suis déjà allé à l'Est aussi. Ah. Ouais, je retourne à la case départ, si vous voulez, je vais dans l'autre sens. Vas-y. Non, les scores sont rentrés à la toute fin. Alors, attends. Panneau comme ça. Je pense qu'on est bien en Suède, en vrai, je pense. Otax Biden, il y a une petite carte. Valsjobin. Avec des trémas sur le haut. Valsjobin avec des trémas sur le haut. Ça a l'air d'être une grosse ville ou pas? Non, station de ski apparemment, mais c'est plat, c'est bizarre. On dirait que c'est une station de ski. Oui, on s'en fout. Tac. Il y a Eidet qui est pas très loin. Et putain, c'est des petites villes, quoi. Mettez-vous en Suède, hein, les amis. Je pense que c'est la Suède. Oui, mais de toute façon, moi, je me trouve en Suède. Hein ? Nord ou Sud ? Oh, aucune idée. Aucune idée. C'est ultra bien. Il y a un énorme lac à côté de nous, hein, et beaucoup de... Ouais, mais t'en as partout dans ce pays, des lacs. Il y a un haut tréma. Ouais. Bah, en tout cas, c'est sûr que c'est pas la Norvège, en tout cas. C'est ça, c'est plus sur la carte, là, du coup. Mais... Attendez. Krokom Östersund. Alors, Östersund, ça a l'air d'être une grosse ville, c'est à 130 bornes. Oui, c'est en Norvège. Vous voyez, Östersund, c'est vraiment au centre du pays, à côté où il y a écrit Suède. Östersund, vous voyez ? C'est en Norvège ou c'est en Suède ? Suède, pardon, excusez-moi, Suède. Oui, Suède. Et c'était vers où ? C'était dans quelle direction ? C'était au sud, 130 km au sud de nous. Je pense qu'on est sur la E45, au nord d'Östersund. Vous la voyez ? Tout le monde voit ou pas ? Ouais. Ok. On était à côté de quoi ? C'était quoi les villes que t'as vues ? Un Volsorski ou un truc comme ça. Après, c'est vraiment... Je peux aller vous la retrouver, le nom de la ville. Mais... Volsgele ? Non, attends, je vais te la retrouver. Storsebeli ? Ça commence par un V, et ensuite... C'est Vol... Valsjobin. Valsjobin. V-A-L-S-J-O-B-Y-N. Valsjobin. Okay. Bon, écoutez, on va s'arrêter là parce qu'on a plus le temps, en vrai. Ok. Hein ? On se place un petit peu au-dessus de... 130 bornes. 130 bornes au-dessus, hein. 130 bornes. Ouais, ok. Allez, on paye 3, 2, 1, go. Go. 79 km. Oh, étoile. Okay. Étoile, il a fait 4997, hein, pour info. Ok, troisième, alors. 3, 2, 1, go. Go. Allez, quoi, Florence ? C'est dans quelle direction ? Je vais à droite ? Moi, je vais à l'ouest. Ok, je vais à l'est, alors. Je vais à l'ouest. Il reste 4 minutes et quelques. Et il semblerait que... Ah non, attends, j'ai rien dit. Il est marqué 80 km par heure. Il précise que c'est marqué km par heure, alors je sais pas si ça... Oui, d'accord. BR 424, on est au Brésil. Brésil, on est sur la nationale 424 au Brésil. Nationale 424 au Brésil. Les 400, c'est plutôt... Attends. Merde. Alors, j'ai la 430. 424, Brésil. J'ai une ville qui s'appelle Capoeiras, mais je pense pas que ce soit connu. Non, il faut surtout trouver la 424. Ouais, je la cherche, là, mais je vois à peu près la zone où il y a les 400 et quelques, hein, mais... Non, c'est chez Florence. C'est pas trop bien rangé. Le problème, c'est si c'est une petite, on la verra pas, en fait. J'arrive pas à la trouver. Pareil. Je vais me placer vers Uberlandia, mais c'est peut-être une erreur.
Il y a Recife, c'est pas une grosse ville de... Recife, ça me dit un truc, Recife. Oui, Recife, c'est tout à droite du Brésil. Tout en haut à droite, oui. Sur la pointe du Brésil, là, t'as Recife. Il est à 424. C'est fait, on dirait... 420, ok, 424, c'est... Quoi, oui. Et ça indique aussi Kate et Karen Huns. Il a 424... Je suis sur la 424 au sud de Recife, hein, pour info. Mais Recife est indiqué au sud. Recife est indiqué au sud ? Oui. Ouais, et je la vois pas à 424 au sud de Recife en plus. Si, si, moi je suis dessus. Écoutez, on va faire notre guess, on a plus le temps. Il reste 3 minutes, on a plus le temps, je suis désolé. Il va falloir qu'on fasse notre guess, les amis. Mettez-vous au nord de Recife, peut-être, je sais pas. Moi je me place sur la 424. Hein. Bah, je la vois toujours pas, donc tant pis, vas-y, j'ai guess. 43 km. 167. 72. Ok, let's okay. go. Suivant. Cool. Attends, je regarde. Attends, c'est quoi ça? Putain. Ça va être compliqué. Sandakan Sabah, ça doit être le nom de la ville. Sabah, S-A-B-A-H? S-A-B-A-H, ouais. Ok, c'est Sandakan. Malaisie. Vous voyez la Malaisie, où est-ce que c'est? Vous voyez que c'est en deux parties. À droite de Brunei, sur la deuxième partie, t'as la ville de Sabah. Attends, à droite de Brunei? Oui, t'as la ville de Sabah en Malaisie. Vous l'avez? À droite de Brunei, je vois pas. Je vois Brunei, hein, mais je vois pas à droite. Brunei, à droite, remonter sur le long de la côte, il y a Sabah. Oui, c'est bon, non. Pourquoi Samba et pas Sandakan? Parce que moi j'ai vu Sandakan, Sandakan, c'est une autre ville dans la région de Sabah. Tout à droite de l'île de Bornéo, en haut à droite de l'île de Bornéo où on est, il y a la ville de Sandakan, on est dedans. Oui, c'est bon, Sabah, je suis Sabah. Et Sandakan, c'est où alors? Tout à droite sur la côte est. Sandakan, une minute. Okay. Placez-vous dedans. Vous êtes tous dedans? Ouais. Faites votre guess. Ok, go. 169 okay. mètres. Oh, les 5000 il points. Reste, vite, il reste 45 secondes. Attends. Verslund, quoi. Mettez-vous en Islande, peut-être. Islande. Stapavegur. Oui, Islande. Mettez-vous à Reykjavik. Mettez-vous à Reykjavik en Islande. Vite. Stapavegur, c'est le nom de la rue. Oui, ok. Proche de l'eau, il y a de l'eau au nord, hein, je crois. Ouais, mettez-vous à Reykjavik, vraiment pas loin. Au nord de Reykjavik, proche de l'eau. Ouais, il n'y a pas d'eau. Non, en fait, je voyais de l'eau, mais non, en fait. Ok. Oh, j'en sais rien. Bon, allez. Si, il y a de l'eau. Bon. Il est quelle heure? Il est allez, 21, stop. Peut... 10 secondes. Faites votre guess, maintenant. D'accord. 29 km. 30 km. Ok, bon, on va recopier les points, mais à mon avis, ça va être un peu le coup dur. 20 425 alors. Pour moi. On les met où les points du coup? Donc. Du coup, on les met où? Aïe. Ah, d'accord, ah oui, d'accord, tu les mets comme ça. Ils nous ont tous battus, ils ont fait que des meilleurs scores que nous, tous. Ils ont tous plus de 24 000, tous. Tous. Oui, mais ça, on s'en fout, c'est pas grave. Enfin, c'est. Quoi c'est... Bah non, mais non, ils nous ont écrasés, non? Oui, mais non, mais ce qui compte, c'est surtout. Attends, j'en ai raté un quelque part là. Attendez, j'ai fait de la merde. Ah oui. Ouais, c'est une cata, hein. 1567 d'abord. Une cata. C'est une catastrophe, les amis. Attendez, je vérifie que c'est bon. Ce qui compte, c'est manche par manche, en fait, surtout. Ah oui, mais ils nous ont battu c'est partout. Round par round. Alors, bon, le premier, ils nous ont eu. Le deuxième, ils nous ont eu. Le troisième, ils nous ont eu. Non, mais mec, ils nous ont éclatés. Ils nous ont juste éclatés. Le quatrième c'est ex aequo. Et le cinquième, on les a battus. On les a battus une fois, ils nous ont battus trois fois, il y a eu un ex-aequo. Bon, on retourne en général? Oui. Let's go. Oh là là, vous nous avez éclaté. Ah non, c'était horrible. Horrible. Pas facile la gestion du temps sur le world. Ah non, mais vraiment, là le point... Non, c'est pas ce temps. T'as toujours... Campana nous a mis trop bien en vrai. Ouais. Allez, moi je pensais qu'on était au Lesotho, j'ai jamais compris qu'on était en Ouganda. Ah, c'est le paysage qui m'a fait penser à ça, moi. Ah, bah, moi on pareil. On a écrit en anglais et Bilou a call Kampala et on s'est dit, ouais, ça doit être là. Et du coup, Bien joué à vous. Moi, ça ressemblait vraiment au Lesotho et en fait, je voulais une confirmation à un moment, mais sauf que, bah, on n'a jamais vu le nom de pays ou quoi que ce soit, donc c'est terrible. Ah, on a fait une égalité sur le round 4, effectivement. Oui, tout à fait. Ouais. Égalité sur le 24, ouais. On vous a battu sur le 5, mais les 3 premiers, vous nous avez éclaté. C'est ça. Pour le coup.
Surtout sur le premier. Hein. Le premier, c'était vraiment compliqué. Là. J'aime vraiment bien ce mode, en tout cas, moi. Moi, je suis pas ultra fan, je vais pas te mentir. Je trouve ça un peu stressant pour pas grand chose, en vrai. Mais moi, je suis pas ultra fan. Après, on en rediscutera en off, bien sûr, évidemment. Bien évidemment. Évidemment. Tu vas, du coup, tu vas gueuler parce que c'est re 1-4. Hein. Ah, d'accord, bah on refait ça. Let's go, les gars, alors. Bon. Attends, c'est encore le même truc là ? Ouais, même en Europe. Oh ouais, ok. En Europe, ouais. Là où Monté, Bilou et Étoile arrivent à lire le cyrillique alors qu'aucun de nous trois n'arrive à le faire en fait. Donc, yes, let's go. Ça va être bien. Et là où Monté et Bilou ont déjà plus. Ils ont deux joueurs qui ont déjà fait ce mode et c'est un peu plus. Est-ce que j'ai. Alors, tac. Donc, normalement, j'ai bien. On n'est jamais tombé sur le 5 encore. Comment ça ? Sur le mode 5, la partie. Ah, oui. La vite, on l'a jamais. C'est vrai, bah le mode 6 non plus. Ah si, le mode 6 une fois. Si. Oui. Effectivement. Ok, donc ça se termine par UT. UT, ouais. Allez, pour être tranquille, on va se dire qu'on commence à 37 pour se laisser un peu de souffle avant de commencer. Ok, on va commencer à 37 et on terminera à 47. Ok. Voilà. Ok. Vous pouvez aller dans vos channels respectifs. Ouais, à toutes. À tout de suite. Papa. Ça, Florence ? Okay. Oui. C'était pas trop stressant le truc avant parce que c'était un peu. Si, en fait, on a pris trop de temps sur un truc où on n'allait pas pouvoir faire 5000 points parce que c'était pas assez précis. Mmh. En vrai, et du coup, il vaut mieux qu'on enchaîne quand on est sur une espèce de route où il n'y a aucune indication parce que peut-être que le point, on peut être plus précis après, tu vois. Ouais, le premier tout à l'heure, en vrai, on s'était loose de base. Les autos, il y a passé trop de temps, tu vois, je trouve. Ouais, 2 minutes et demie sur un truc, c'était loose. Ouais. Je suis d'accord. On va faire un peu mieux. On peut essayer aussi de se dire que de base, Antoine, tu vas dans le sens que propose le jeu. Moi, de base, je vais dans le sens que propose pas le jeu. Et Florence, tu vas dans le sens qui paraît le plus intéressant. Oui. Pour couvrir un maximum de distance. Ouais. T'as compris, Antoine ? Ah oui, complètement. Okay, merci, IvaWack, pour le prime. Merci beaucoup. Et Florence, elle regarde s'il y a l'air d'avoir plus d'indices d'un côté ou de l'autre. Elle va dans le sens qu'elle préfère selon son instinct. Bien sûr. Et voilà, donc on commence dans moins de 30 secondes, la map qui termine par UT. Ouais. Et ouais, si on voit que c'est galère, faut essayer d'anticiper ce qu'eux ils vont faire, c'est ça qui est dur en fait, c'est que sur chaque round, faut essayer d'anticiper ce qu'eux ils vont faire. Moi je pense qu'ils sont sur une répartition à peu près de 2 minutes par point en fait, à peu près. Ok, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go les gars. Ok, bah je vais directement en face. Alors. Moi je pars derrière alors parce que. Royaume-Uni. Je suis assez bon en général, mais il me faudrait juste. Pour trouver les routes, en général je me démerde pas trop mal. Après, Royaume-Uni ou Irlande en vrai, mais plutôt Royaume-Uni je dirais en vrai. Je dirais plutôt Royaume-Uni. N'oubliez pas que le Royaume-Uni du coup c'est 4 régions principales. Si vous avez l'info sur l'une des 4, dites-le. Je sais pas ce que c'est. Ouais, d'accord. C'est Angleterre, Pays de Galles, Écosse et Irlande du Nord. Tac. Ouais. Il n'y a aucun numéro de route, il n'y a rien. Ouais, j'ai rien. Le pays est assez grand, donc c'est un peu chiant. J'hésite à y aller à la loge. Attends, tu dis quoi, Florence ? Florence, oui ? Il y a un numéro qui indique Fulstow, Govenham. Marchapel, Grimsby, ça me dit un truc moi, Grimsby. Oui, d'accord, Grimsby. Et oui. Et Jens, je suis désolé pour l'accent, hein. Grainthorpe. Ouais, Grainthorpe aussi. Avec des A 1031 dans tous les sens. A 1031, tu dis ? Ah oui, mais sauf. Ouais, mais sauf que c'est des petites routes, les A1000 trucs, c'est les petites routes. Elle doit être vers A10 logiquement en fait. Grimsby, ça vous dit rien, moi ça me dit vraiment un truc. Moi ça me dit absolument rien, non, j'en ai jamais entendu parler. Moi je pense. Oui. On doit être sur la droite vers Norwich. Ok. Et tout ça, peut-être je dirais à peu près, mais c'est vraiment juste de l'instinct, j'en ai aucune idée. Ok, bah écoutez, de toute façon on peut pas rester. Qui commence comme ça, là il y a la A1066, la A1065, nous on cherche la A1031. Ouais, t'as raison, effectivement, plaçons-nous par là. Vous êtes prêts ? On va faire notre guess, hein. Ouais, ok, allez.
Ah non, Grims... ah non, j'ai Grimsby. Grimsby, vous voyez Sheffield, Sheffield, vous voyez Sheffield, à tout à droite sur la côte. Sheffield, c'est au centre du pays, c'est au centre du pays. Sheffield, sur la droite, sur la côte, quand tu pars de Sheffield, t'as Grimsby sur la côte, à droite. Oui, d'accord, oui. Je vois toujours pas le truc. T'as Sheffield ? T'as Sheffield ? Oui. Tu pars de Sheffield, tu vas full à droite sur la côte, et là t'as Grimsby. Ah, voilà. Placez-vous par là. Et... 3, 2, 1, go. 9 km. 14. 11 km. 3, très bien, 2, bravo. 1, go. Go. Allez, let's go. Go, 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 go. Alors mon navigateur il plante, vous aurez de l'avance, mais... Je suis pas sûr, non. Okay. Ah bah moi aussi bah, ah ok. Ah oui, non, bah, ok. Ah oui, ah, oui, oui, tu vas au sud, JD, ok, oui. Point L, t'es Lituanie ? Allô ? Attends, ah oui, je réfléchis. Non, Riga, il y a Riga, ok, c'est ok, c'est Lettonie, Lettonie. Lettonie. Lettonie, ok. Lettonie, ah, okay. Attendez. Lettonie, on est sur la A12, qui est aussi la E77, pour info. Mm. E77, elle est au sud de Riga. Sud de Riga, E77. Ouais. Et on est au croisement entre cette route-là et la en jaune, route en jaune, 153. Oh putain, mais alors là... On est au sud de Riga, ouais, et il y a... Ah non, attendez, on n'est pas dans la... On est en Lituanie, pardon. La A12 commence à partir de... Enfin, la E77 continue jusqu'à la Lituanie au, oui, sud. Et en fait, on est dans ce pays-là. Et on est à Joniškis. 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 Oui, j'y suis. Et placez-vous un peu au sud du croisement entre la 153 et la 209. Okay. Un peu au sud. Et faites votre guess. 3, 2, 1, go. 171 mètres. 163 mètres. Ok. Ok, bah j'espère qu'ils n'auront pas 5000 parce que sinon, si, ils vont nous niquer. Ils ont fait 4999, montée, il a fait là. Ok. D'accord. Bah, 3, on verra. 2, 1, go. On aurait pu gratter le 5000 là pour le coup, hein. C'était un peu bête de. Non, mec, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Non. Ok, ok. Je sais pas, non. Et faut-il encore qu'ils fassent tous 4999 en vrai ? Ouais. Parce que là, on a tous fait 4999, je crois. S'il y en a un qui a fait 5000. On est en France. En France ? Ouais, Vernine. Ouais. Vers Vernine, c'est 3 km, mais c'est tout petit. Je connais pas. Moi, je suis parti au sud, je suis vraiment route de campagne à la con, là. Enfin, après, ça parle français, en fait. Peut-être qu'on est en Suisse. Ah, non, 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 c'est un... Non, non, c'est la France. Ça, c'est... Je vois Aurière. Ouais. Alors, ça vend du Saint-Nectaire. Je sais pas si ça aide, le Saint-Nectaire, ou c'est que ça. Bah, 04, plutôt vers Auvergne, du coup. Vers Auvergne. 13. Attends, t'as dit quoi ? Ouais, Clermont-Ferrand ? Clermont-Ferrand, on est 0473, donc on est vraiment pas loin de Clermont, ouais. Clermont-Ferrand, ok. Effectivement, on est, y a un truc de Saint-Nectaire, ça veut pas dire qu'on est à Saint-Nectaire, par contre. Hein. Oui, oui, non, ça va pas l'air. Bah non, on est à Vermachin. On est à Aurière, exactement. Aurière, je cherche Aurière sur la carte vite fait. Ah, Dan, on est vers la forêt de Randan, je pense. La forêt de Randan, elle est un peu au nord de Clermont. Au nord de Clermont, ok. Il y a une forêt au nord de Clermont, ouais, ça veut pas dire que c'est Anvers. Elle est entre Vichy et Clermont, je sais plus exactement où. Entre Vichy. Vous voyez, Randan, il y a un espèce... Quand vous prenez la route qui est la plus directe entre Clermont et Vichy, vous avez une toute petite tache verte. Oui. Et vous avez Randan, et je pense qu'on est peut-être dans le coin, parce que c'est marqué machin Randan. Donc je pense qu'on n'est pas loin. Ok, alors je vois pas... On est sur 561, si jamais. Ouais, ouais. Le truc, c'est que je vois pas Aurière dans ce coin. De quoi ? Je vois pas Aurière dans ce coin, en fait, c'est ça qui me... Non, pareil. Mais c'était vraiment petit, c'était écrit de manière chelou, tu sais. Après, on est peut-être pas exactement là, j'ai peut-être un mauvais instinct. Ouais, mais... Ouais. Mais est-ce que personne a trouvé une ville un peu plus grande quand même ? Non, pas du tout ? Non, 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 bah, moi c'est route de campagne. Vérine, mais c'est à 3 km, donc c'est pas... Est-ce qu'on ferait pas notre guess en vrai, les amis ? Attends, route des fromages AOP d'Auvergne, bon, ça déjà, ça confirme. Oui. Alors, Clermont-Ferrand par la D2089. La D2089 doit être énorme. Elle doit être très très grande. La D2089. J'ai la D2009, mais pas la D2089. Aussi. Putain, pourquoi elle y est pas, la 89? Et donc Clermont-Ferrand serait à gauche de ça. Nebouza. Putain, la 2000. On perd du temps là. Hein. On perd du temps. Droite... Mais je pense qu'on est vraiment à droite de Clermont, moi, pour le coup. Okay. Si je vois la D2089, je la vois. Clermont-Ferrand à droite, t'as Lézou, et à droite de Lézou, t'as la D2989. On est en dessous de la D2089, alors où exactement, ça, je sais pas. Allez, on fait notre guess. On n'a plus trop le temps, ouais, les amis. Hein. Dessus, sur la D... Ouais, ok, allez, ok. À droite, allez, de Clermont, donc. Allez, ouais. 3, 2, 1, go. 43 km. Ah, ils ont fait un super... Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ok, vas-y, suivant. 3, 2, 1, go.
Oui, bon, bah, je pars sur la rue. Oui, bah, non, bah, on part tous au même endroit, en fait, là, pour le coup. Ah non, je peux aller derrière. Attendez, je vais essayer d'y aller. Non, je peux pas. J'ai jumpé, je sais pas où. Ça va être affreux. Ok. J'ai l'impression que c'est l'Espagne, hein, dans tous les cas. Ça ressemble grave à de l'Espagne. Fana in Banchina. Je sais pas, ouais, bah, Italie. C'est de l'espagnol, JD. Ça pourrait être de l'italien aussi, hein. Consorcio Agrario Provinciale. Enfin, je sais pas. Ah, Provinciale italien, italien, alors, Provinciale. Oui, on est en Italie. Italie. Venosa, c'est pas Venise? Non. Venosa? Ah ouais. Venosa, V-E-N-O-S-A. Parce que moi, j'ai Potenza comme indication. Attends, Foggia, Potenza. Cerignola, Melfi, Rapone. Je te donne plein de noms de villes, KO. Ouais, j'ai Foggia, Potenza. Attends. Putain, c'est où Potenza? Putain, je suis dans une ville, moi, mais... Potenza, je l'ai. Potenza, c'est au sud... Potenza, c'est au sud de l'Italie. Sud de l'Italie. Naples, Salerno, Potenza. Si tu regardes. Tu descends de Naples vers Salerno et ensuite tu tombes sur Potenza. Salerno, Potenza. Ok, un peu, ouais, à droite de Salerno. Tu l'as, Florence? Oui, j'ai. Ok. Ouais. Et j'ai aussi Foggia et Cerignola. Foggia, je l'ai aussi. J'ai aucune indication de kilométrage. Ouais, pareil. Venosa, je l'ai. J'ai Venosa. Venosa, c'est au nord de Potenza. C'est une ville qui est pas très grande au nord de Potenza. Vous prenez Potenza, vous montez quasiment en ligne droite depuis Potenza pendant un petit temps et vous tombez sur Venosa. Oui, ok, je l'ai. Tu l'as, Florence? Non, je vois pas. Bien au-dessus, mais... Au-dessus de Potenza. Bien au-dessus de Potenza, pile au-dessus de Potenza, mais une petite ville bien au-dessus. Au-dessus de la partie verte. On a plus le temps, je suis désolé. Il reste 1 minute 30. Et ensuite, c'est bon? Florence, tu l'as? Je vais 45 km, du coup. Ok, bon. Mais t'as cliqué, bah, 31 km. 31. Ok, la dernière. 3, 2, 1, go. Allez-y. Go. Je vais dans l'autre sens. Alors. Val. Quoi? C'est encore Italie, encore Italie. On est sur la SS87. Ouais, les SS87, c'est les routes nationales. SS87 en Italie. Italie. Okay. SS87. Il reste 45 secondes. Campo Basso et Morone. Morone, non, je sais pas où c'est. J'irais plutôt vers le centre, mais j'en sais 20 secondes, il reste 20 secondes. 20 secondes. Ouais, 20 secondes, ouais. Je la trouve pas, la 87, je la trouve pas. 36, 1, 47, 52. Ouais, bah, on fait une couverture. Moi, je me mets au milieu. Vas-y. 222 km, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. T'as cliqué déjà? Ah oui, c'est bon. Okay. Ah oui, c'est bon. Ah oui, c'est l'heure. Oui, c'est l'heure. Ils sont trop forts. Okay. C'est impossible. Ils sont bilous. Ils sont trop forts. C'est abusé. Alors, 4-8-8-8. Je sais pas comment ils font, mais c'est abusé. Hein. J'y arrive pas du tout, ce mode-là. J'aime pas du tout ce mode, JD, je te le dis tout de suite. Je vais pas te mentir. Coup dur. Ouais. Bon, c'est pas grave. Il fallait que j'essaye, au moins. Il fallait que j'essaye, je sais pas. Je trouve que c'est vraiment trop méga bordel. Je sais pas, c'est... On l'avait jamais testé à 3. À 3, je t'avoue que je suis un peu moins... À 2, je le trouve très très bien, mais c'est vrai qu'à 3, je le trouve un peu moins cool, pour le coup. Je suis pas ultra faune. J'ai bien tout copié, attends. Ouais, ça a l'air d'être bon. Merci Funky Monk. Alors, et Smos Nomis pour le Provo Prime, merci beaucoup. C'est des avis biaisés à cause du loser POV. Non, mais même je pense que c'est, même si on gagnait, je pense que je sais pas. Je trouve que ça se marche trop, en fait, dessus et tout. J'aime pas trop, en fait, ce mode. Je suis dégoûté parce que clairement, c'était vraiment, en fait, proche de Saint-Nectaire. Le problème, c'est que le Saint-Nectaire, on en fait aussi à Saint-Nectaire, mais ça peut aussi être des ventes de Saint-Nectaire loin, en fait. Oui, bien sûr. Et machin, j'ai pas compris parce que ça, j'ai vraiment pensé à la forêt de Randon, mais qui est genre vraiment à l'autre... Enfin, de l'autre côté de Clermont, en fait, du coup. Ouais. Bon, on en a gagné 2 sur 5. On repasse sur le général. Ils en ont gagné 2 sur 5 et il y a une égalité. Encore une égalité, putain, c'est ouf. Et heureux, ouais, putain, mais vous êtes vraiment fort. Ouais.
Je t'ai pas... thank you. Je t'ai déplacé, Florence, parce que... Je t'ai déplacé, Florence, parce que tu le faisais pas. Je croyais... Après, vous restez beaucoup de temps sur la fin ou pas? Non. Ouais, parce que nous, il nous restait 3 minutes, on a fait exprès de... On a skip le premier, par exemple, pour le plus vite. Vous avez skip le premier? Ah oui, d'accord. On a vu qu'on a, on s'est mis gros, grossièrement dans un endroit proche et... Ah, c'est pas con ce que vous avez fait. Le fait de skip le début pour avoir plus de temps pour le reste, c'est pas mal. Ouais. En fait, on s'est dit le premier, vu qu'on l'aurait pas, bah... Non, on l'aurait jamais précisé. Bah, tu vas lui dire, Wengel. Oui, bah, du coup... Tu lui dis directement. Ok. C'est pas moi qui vais être, qui vais lui transmettre. Eh ben, le dernier sur la France. Mais ouais, vous avez skip, mais vous avez fait 4008, quoi. Donc, On avait vaguement la zone, parce que les autoroutes sont classées par, par numéro, mais du coup, on n'a pas cherché à la bonne zone. En fait, on a vu la 1035, 1033, etc. On s'est dit, c'est la zone, on a mis le point. Y a-t-il possibilité de faire une pause pipi avant d'enchaîner? Oui, oui. Okay. Ouais. Bien sûr. Deux minutes. À tout de suite. Bon, après, moi, je propose un truc pour les prochains jeux merding. Je suis l'adepte du 2v2, quoi. Je trouve que 2v2v2v2 serait du jamais vu. Mais je suis assez d'accord. Après là, pour le coup, je trouve que les teams sont pas ultra bien balancés. Je vais pas vous mentir, là, pour le coup, aujourd'hui. Ouais. C'est un peu... Là, clairement... Mais faut être 8, mais ouais, moi je suis chaud, hein. Je l'ai créé en plus le tableau du 2v2v2v2. Mais le 2v2v2v2, en fait, il existe déjà le 2v2v2v2, enfin à 8 joueurs, faut être 8. Par contre, le tableau du 2v2v2 à 6, ça... Ouais, moi j'aurais pas le temps de le faire les prochaines semaines, le tableau du 2v2v2, ça qui est con. Parce qu'en vrai, ça pourrait être sympa, mais... Bah faut qu'on soit 8. Sinon, faut trouver des gens. Merci OSS pour le Prime, merci beaucoup. Ça se trouve en vrai. Oui, ça se trouve. Ça se trouve. Il faut aussi comprendre, en prenant les gens, un balance. Merci Dreamful pour les 3 mois, merci beaucoup. Parce que balance un 2v2, c'est dur, quand même. Bah, faut quelqu'un qui est un peu plus faible avec un fort, quoi, de manière générale. Ouais, voilà. Après, il y a des gens qui pourraient être chauds. Tu ramènes Link, tu ramènes MV... Mais Link, il m'avait dit qu'il voulait plus participer. Il trouvait que son niveau était pas assez haut, en fait. C'était ça, le truc, aussi. Il m'avait dit ça. Il m'avait. Bah, moi, je suis très chaud pour. Je suis très chaud pour qu'il revienne, mais c'est juste, c'est à lui de me dire quand il a envie, tu vois. C'est tout. Tu vois, genre, tu rajoutes Domingo, tu rajoutes Link, tu mets MV. Typiquement, tu mets un monté, peut-être un monté Link. Ponce aussi, ouais. Ponce, ça pourrait être cool. Ultia aussi. Non, je vais pas harceler Link, non. Moi, tu me mets avec quelqu'un de mon level à peu près. On fait mid, ou peut-être qu'on met un. Mais Pagnac, en fait, on a un Discord et on propose toutes les semaines, et toutes les semaines, Pagnac fait le pouce en bas en mode il participe pas, quoi. Donc Pagnac participe en fait, plus de son Pagnac, propre fait, hein, pour le coup. Pour des raisons personnelles, Pagnac, souvent le dimanche après, mais il l'utilise pour sa vie privée, quoi. Oui, gros, tout à fait. Écoute, c'est un peu compliqué pour lui d'être là, mais il reviendra, vous inquiétez pas. Il y a aucun souci, hein, en tout cas. Ah oui, bien sûr. C'est juste Pagnac, quand même. Chaque semaine, on lui propose, hein, on l'a pas mis de côté. Voilà. Ah oui, tout à fait. On lui propose toutes les semaines, effectivement. De toute façon, ils sont au courant qu'il y a ça et ils viennent quand ils veulent. Hein. Voilà, il y a un Discord avec des gens dessus et toutes les semaines, on fait une annonce en mode qui vient avec des votes et bah voilà. Ok, Monté, est-ce que tu peux nous tirer un chiffre et que ce soit pas un 4 s'il te plaît? C'est le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est quoi ça le chiffre 1? C'est partir un jour. Oh non. Tout à fait. C'était quoi le truc du drapeau? Je sais plus. Pas le droit d'appuyer sur le drapeau sinon vous. Oui, c'est vrai, c'était ça. Les problèmes. Ouais, les problèmes commencent avec le game. Du coup, c'est en combien de temps? 3 minutes, du coup? C'est oui, du 3 France minutes, 3 ouais. Minutes. France 3 minutes okay. Par round. Hop là. C'est bon. Qui okay. Se termine par 92 O. 9-2. Oui. 9-2. Hop là. Je remigre vers mon équipe. France, c'est combien la distance du 5000? C'est 16 mètres. 16 mètres. Ouais. Allez, on part dans nos équipes pour la dernière. À toutes. Oups. Voilà. Bon, je sais même pas si c'est possible. Non, c'est mort. Il y a eu trop de gros coups durs en vrai. Il y a 20 points, il y a 22. Ils étaient vraiment meilleurs. Ils étaient juste meilleurs. Allez, faut pas lâcher sur le nom, là, pour l'honneur. Ouais, faut au moins essayer de... Ah oui, non, mais on lâche pas. Ah non, mais on fait tout ce qu'on peut, bien sûr. Bien sûr, les amis, évidemment. On give up mentalement, là. Non, on ne give up jamais mentalement. D'accord. T'inquiète.
Vous êtes prêts? Si on fait un perfect, je peux repasser devant Bilou au score et ça m'intéresserait. Ah bah, faut qu'on fasse 20 points. Faut qu'on fasse 22 points. On peut faire jusqu'à 22 points, donc en fait on pourrait perdre à 1 point quoi, si on gagne tout. Donc on a forcément perdu. Voilà, c'est ça. Voilà, ok. On a forcément perdu. Très bien, ok. Et bah, okay. 3, tout à 2... La même technique. Oui, oui, oui. 3, ouais, 2, 3, 1, 2, 1, go. Alors je mémorise bien l'endroit d'abord. Bah moi je pars à l'ouest, Ne cliquez... Alors placez-vous direct quelque part, a priori en Île-de-France, oui. Je pense. Non. Je sais pas. Ne cliquez jamais sur le drapeau. Hein. Ne cliquez jamais sur le drapeau. Ça fait plus banlieue de grosses villes en vrai que Île-de-France, okay, moi je trouve. Où t'as dit Antoine ? À l'ouest. On est à Grigny, donc je pense qu'on est en Île-de-France parce qu'en Île-de-France on indique le nom des panneaux. Grigny la Grande Borne. Rue de l'Ellipse en face de. C'est où Grigny ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Putain, je sais plus où c'est Grigny. Moi non plus. Grigny la Grande Borne, bite sur l'épaule, trois cadavres sol. mais je sais plus où c'est quoi. Grigny. Je le cherche sur la map, hein. Ici, ouais, une autre ville. C'est je l'ai. Allez. Vous descendez vraiment au-dessous de Paris à la verticale jusqu'à Viry-Châtillon. En dessous de l'aéroport d'Orly, il y a Juvisy-sur-Orge, ensuite il y a Viry-Châtillon. Ah oui, Grigny est en dessous, ouais. Ouais, c'est bon, voilà. Je suis là. Alors après, il va falloir... Attends, JD, est-ce que Florence, là ? Oui, je l'ai. Ok, il faut que tu le dises absolument, sinon on peut pas savoir. Ouais, je l'ai dit, mais je pense que ça s'est fait bouffer par le micro. Ah oui, c'est possible. Ouais, ok. Alors, rue de l'Ellipse, tu dis ? En face, ouais, et ça indique le centre de formation, donc je pense qu'on en est vraiment pas loin, en vrai. Centre de formation, ouais. On est vraiment à une intersection assez particulière. Ouais, mais il n'y a pas de nom de route. Enfin, en fait, je trouve pas le nom de la rue. Et ça indique aussi la piscine municipale. Il doit pas y en avoir 36 000, la piscine municipale à Grigny. No offense pour les gens qui vivent là-bas, mais... Je bouge, mais je me souviendrai de où c'est. Rue de l'Ellipse, je la trouve pas. Hein. Rue de l'Ellipse... Mais vous avez trouvé la piscine ou le centre de formation ? Non. Alors, je sais pas où c'est, hein. Putain, mais elle est grande, cette ville, ou quoi ? Pourquoi on voit... pas un prank, et qu'il y a peut-être plusieurs Grigny en France, hein, ça commence à me faire peur. Hein. Non, elle l'a vu sur un panneau de rue. Et oui, c'est qu'en Île-de-France qu'ils font ça, généralement. Sur un panneau de rue, c'est vrai. C'est en Île-de-France qu'ils font ça, généralement. Est-ce que je suis toujours à Grigny, là ? Centre-ville, ouais, ça... Grigny 2. On doit être très au sud de Grigny, hein. Très au sud de Grigny, hein, je pense. Ok. Ouais, je pense. Le problème, c'est que je sais pas si je sors de Grigny ou pas, là. Donc... Pareil. Et on peut pas cliquer sur le drapeau, mais de toute façon, ouais, c'est vrai que... Oh là là, j'ai pas la... Ils vont faire 5000, je pense. Hein. Moi, j'ai pas la... Je pense pas, je suis pas sûr. Vitry-Châtillon, on est à la limite entre Viry-Châtillon et... Donc on est plutôt au nord, nord de Grigny, nord de Grigny. Nord de Grigny. 1 kilomètre. Ouais, on était bien à la Grande Borne. Grigny, la Grande Borne. D'accord, c'était ça. Ah mais putain, la rue de l'Ellipse, c'est celle qui allait tout droit, elle était toute petite, regardez cette merde. Ah, ils l'ont eu, 4955. Ouais. Ils l'ont 5000 points pour étoile. Ils l'ont eu, non, mais bien sûr. Non, mais ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils sont très forts. Ok, vous êtes prêts ? La rue 3... des Mâles, j'ai vu nulle part. La rue Minotaure, au score. Ok. Flo, c'est bon ? 3, bon. 2. Mais vous pouvez remplir vos points. Ah oui, pardon, merde, j'ai oublié. Parce que sinon, ils vont pas démarrer oui. Sinon, on remplit pas nos points. Raison, pardon. Ok, quand vous voulez. Attendez, ils n'ont pas vu le tableau, les gens. Hop là, le voilà. Nickel. Ok, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, go ! Bon, je vais au nord. Je vais dans la direction inverse. Bon, bah, je vais au nord aussi. Je tombe sur une département. Mais là, t'es pas bien retenu. Attendez, j'y retourne sans cliquer sur le drapeau. Oui, effectivement, ouais, ça aurait été bien. Mettez-vous quelque part en France, mettez-vous au milieu de la France. Ouais. Au cas où. Ok, j'ai retenu à peu près où. On est dans la ville de. Écoutez-moi, on est dans la ville de Doncourt-aux-Templiers. Doncourt aux Templiers. Templiers, on est sur la 2904. Templiers, pour moi, ça me fait penser à des trucs qui pourraient, même si le paysage n'y ressemble pas du tout, qui ressemblent à des trucs vers Carcassonne. Quoi ? Bah, mec... Quoi ?
C'est pas du tout la gueule de... Bon, ok. Ok, je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. Vas-y. Non, non, ça c'est... C'est toi les indicatifs 0-2, genre vers tour et tout ça. Ok, enfin, pas du tout alors. Lorraine, ferme expérimentale professionnelle de Lorraine. Donc pas du tout, effectivement. Donc là, on est en Lorraine. C'est vers Metz. D'accord. Carcassonne est juste à côté. Voilà, dans l'Est, donc. Metz. Plutôt montagneux, Carcassonne. Bah oui, mais je voyais ça au fond, en fait. Je voyais un peu, effectivement, quelques petites montagnes au fond, donc je me disais... Ouais, je suis sur la même route que toi, donc je vais arrêter d'avancer, ça sert à rien. Enfin, je pense, à moins qu'il y ait plusieurs... Et j'arrive à Saint-Hilaire, en Wouèvre, avec un W. Ça, ça... Ouh, ça, ça veut... Ouh, oui, c'est bien les trucs du coin de là-bas, ça. Alors j'ai Fresnes en Wouerve déjà. Attendez, j'ai un panneau. Je l'ai. Ok, oui. Alors, vous allez entre Verdun et Metz. Vous voyez ? Oui. Entre Verdun et Metz, plutôt côté un tout petit, presque au milieu, mais un peu à gauche du milieu. Et ben, en dessous, vous avez Fresnes en Wouerve. Et en dessous, vous avez Saint-Hilaire en Wouerve. Ok. Attends, répète ça. Je l'ai. Alors, entre Verdun et Metz. Entre Verdun et Metz, un tout petit peu à gauche du milieu entre les deux. Tu descends un poil et t'as Fresnes en Wouerve. Est-ce que tu peux... Okay. Oui. Ok, en dessous... T'as Saint-Hilaire en Wouerve. Et en dessous, t'as Doncourt les Templiers. C'est notre ville en de départ. Doncourt les Templiers. Ne cliquez pas sur le drapeau. Ne cliquez non. Pas sur le Écoutez, drapeau. On venait... On était devant l'église sur la petite route qui tourne, en fait. Non moi, pour moi, on était sur la petite bretelle qui doit être un parking ou un truc comme ça, vous voyez, là. Sur la grande rue. Ah, tu penses? Non. Je sais plus. Ah, je sais pas. Entre le croisement entre chemin de l'église, rue haute et la grande rue, à peu près, mais plutôt sur la grande rue. Chemin de l'église, rue haute et la grande rue. Moi, pour moi, on était okay. Juste en dessous de ce croisement, à la fin de la bretelle qui fait genre vous savez, le petit... Oui, je le vois. Petite route qui dévie, ouais. Pour moi, on est en haut de ça, mais je suis vraiment pas sûr. Mais pour moi, on n'a pas commencé pile à l'intersection, on était un poil plus bas. Non, on était vraiment devant l'église. Bon, t'es sûr, hein. Bon, je me mets un peu entre les deux, vas-y, mais... voilà. Vas-y, je me mets devant l'église, alors. Ok. Ah, 3, mais pas 2, dans 1, rue, hein. Go. 39 mètres. JD avait raison. Bon, bah, on a perdu. JD avait raison. Ils ont fait 5000. Ah, ils ont fait les 5000. C'est pas grave. Putain, j'ai perdu qu'on avait popé dans l'église. Putain, je suis désolé. Y'a pas de soucis. Y'a aucun problème. De toute façon, oui, c'était jalouse, hein. Y'a pas de soucis. Oui, c'est jalouse. Ah oui, c'est déjà jalouse. Ok, c'est vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1, go. Bon, attends, je pars par là du coup. Même si bon, j'ai pas l'impression. Bon, là, on est vraiment en face de la pharmacie du village. Ouais. 0-1. Dans la région. 0-1 de... Attends. Oui. Ouais. Le Vexin français, au pire. On est dans le Vexin, t'as dit? Non, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait pas être dans le Vexin français, vu que quand c'est pourri et que c'est en Île-de-France, c'est là-bas en général. C'est soit là-bas, mec, soit l'île... dans la... L'Île-de-France, c'est... L'Île-de-France, c'est tout le temps pourri, mon pote. Oui, non, mais oui. No offense, hein, j'y habite et j'adore, hein, mais voilà, c'est... Ouais. Faut se rendre à l'évidence. Hein. Là, c'est full pourri. Hein. Faut se rendre à l'évidence un jour. C'est un peu maigre sur le Vexin français, mais c'est un peu maigre comme info, quoi. Ouais, je vois pas trop l'Essonne comme ça. Quoique, en vrai. Je rentre chez Carrois, Nangis, ça vous parle. Attends, redis les villes. Voilà. Grand Puy, Bailly, Carrois, Nangis. Bailly, B-A-I, B-A-I, 2-L-Y. B-A-I-2-L-Y, Carrois. Mais je pense que B-I Carrois, c'est le même nom de ville. Hein, ah oui, d'accord. D'accord, non. Après, il y a Coulommiers. Coulommiers, c'est vraiment... Coulommiers ? T'as Coulommiers ? Vers Mont. Ouais, on est vers okay. Direction. On est dans la Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne, ouais. Le kilométrage, donc ça peut être... J'ai la D201 et la D49. Ouais, ouais, alors Coulommiers, sur la carte, ok. Ouais. D49, tu dis, et D201 ? Ouais, tout à fait. Alors, je cherche autour de Coulommiers. Moi, je cherche Rosay-en-Brie au sud de Coulommiers. Touquin, tu l'as dit ou pas J'ai la D201. J'ai la D201. Elle est où Vous voyez, vous descendez. Écoutez-moi, vous descendez de Coulommiers, vous voyez Vaudois-en-Brie plus bas. Oui. À gauche, il y a Rosay-en-Brie, vous voyez. Oui. Ok, il y a D201 juste en dessous. Oui. Ok, on avait dit qu'on savait dans quel bled on était ou pas, je me souviens. Je pense qu'on est à la chapelle Higuer, parce que là il y a la D49 qui est juste à quoi que peut-être au-dessus. Parce que là j'ai le croisement entre la D201 et la D200. On peut être à Mais non, on est à Courpalais. Moi je pense qu'on est à Courpalais. Vous voyez oui. En dessous de. Oui, ok, ok. Moi oui. Je pense qu'on est à Courpalais. On peut pas cliquer sur le drapeau, n'oubliez pas. Mais on était devant la pharmacie, rappelez-vous. Oui. Ouais, elle est pas indiquée, j'ai l'impression. Non.
En vrai, vous avez peut-être raison, on est peut-être dans le bled d'à côté, mais il me semble pas qu'on ait fait autant de trajets. Non, non. Parce que moi, je suis à l'intersection entre la 201 et la 49A, là. Oui, moi, j'ai pas. Ok, donc on est bien là-dedans. Oui, c'est on est bien là-dedans. Pardon. Moi, je pense qu'on est peut-être entre la rue de la Poste et la rue de Champrenard, rue de l'église, place de l'église, là. Peut-être, ouais. Attendez, pharmacie. J'essaie de revenir sur mes pas. Ou alors la rue du Bois-Prévost. Non, ouais, moi je dirais vers la mairie, à l'intersection qui est proche de la mairie. L'église, la pharmacie est en face d'une... Alors, je vérifie, c'est bien une église cette fois-ci, oui. Ah, c'est une église. Bah, rue de l'église, ouais. Bah, je me mets en face de ce qui me semble être l'église. Ah, rue du Pressoir, entre rue du Pressoir et place de l'église. Alors, ouais, mettez-vous loin, vite. 20, 32 mètres, ils ont fait 5000. 32 mètres, ouais. Ah, c'était la rue juste en dessous. Putain, mais on n'y arrive pas du tout, hein. Ouais, ouais. On n'y arrive pas du tout, terrible. Ça ne marche pas. Hein. T'as pas rentré tes points avant, Flo ? Ouais, t'as pas rentré tes points avant, Florence. T'as pas appuyé sur entrée, en tout cas. Ouais, faudra que je le fasse à la fin, tant pis, c'est pas grave. Bah, c'était pas 4999, t'avais pas fait comme nous ? Bah, je m'en souviens pas. D'accord. Si, je crois que... C'est Lil Curinan pour les deux mois de sub, merci beaucoup. Je referai. Okay. Je referai. Ouais. Ça va pas changer grand-chose, hein, de toute façon, on va pas se mentir. Quand vous voulez pour la suite. 3, 2, 1, go ! Je vais à l'ouest. D'accord. On a une intersection avec un petit chemin au départ. Ok. Putain, oui, merci de spécifier. Petit chemin qui va vers le nord ou vers le sud ? Vers le nord ou vers le sud ? En direction de l'ouest. Ok, ouais. Il y a un petit chemin au sud. Ah, donc il est au sud. Il y a de la flotte, un petit étang à droite. Ok. Mm-hmm. Ok, ça c'est retenu. Pinot Cognac. Pinot Cognac. Alors, je sais plus ou moins où est Cognac. C'est en dessous de La Rochelle. Vous voyez La Rochelle ? Vous voyez Rochefort ? Ouais, je suis. La Rochelle, Rochefort, et à droite, t'as Cognac. Vers Sainte, et à droite, t'as Cognac. Mais c'est Pinot Cognac, c'est deux villes différentes ou c'est. Non, c'est juste une pub pour le Pinot Cognac. Mais du coup, c'est mon seul indice, du coup, je me place par là pour l'instant. D'accord, ok. C'est mon seul indice pour l'instant. Oula, merde, j'avais une ville là. Merde, c'est pas une ville, c'est une déchetterie. Oh là là. Route de vignoble. Ouais, on doit être dans ce coin. On doit être dans ce coin. Putain, mais arrêtez avec les déchetteries, là. Tac. Ouais. On est pas loin de Boscamnan, Chalet, la Génétouze. Attends. La Clotte, putain mais c'est horrible. Saint-Pierre-du-Palais, Montouillon, Montendre. Au secours. Au secours. Moi j'arrive dans une ville qui s'appelle Saint-Aigulin. Moi il y a Montguyon qui est pas très loin. Oh, putain, c'est horrible. Ah Montguyon. Ah attends, 700... Moi j'ai la 732 et la 731, mais nous on est sur la 730. Oui, mais sauf qu'on sait pas le département, mec, donc. Ouais, mais a priori. Ah, la 730 et Montguyon, j'ai. C'est où ? C'est. Alors, bien en dessous de Cognac, bien en dessous de Cognac, à l'intersection avec la N10. La N10 et la N10 croisent une autre route jaune, c'est la 730. Vous descendez bien en dessous. Oui, je l'ai, je l'ai. En dessous de Cognac, vous avez Archiac et vous continuez à descendre pile en dessous de Archiac, tout droit. Florence, c'est bon ? Ouais, j'ai Archiac. Et ensuite ? Montguyon. Tu descends toujours tout droit, pile tout droit, et t'as l'intersection avec la Nationale, qui ressemble à une autoroute, là, et juste à droite de cette intersection, il y a Montguyon. Et Montguyon, normalement, on est à son est. On est à son est de Montguyon. Bazac, Parcoul... Moi, je suis désolé, je suis toujours à Archiac, tu m'as dit de descendre. Descendre pile tout droit pendant longtemps, jusqu'à que tu recroises... Vers le sud. Oui. Ouais. Vers le sud, jusqu'à que tu recroises une route jaune. Bah, je vois Montlieu-la-Garde, mais j'ai l'impression que c'est... À droite, à droite de Montguyon, à droite de Le Fouillou. On est à droite de Le Fouillou, à droite de la croisement avec la 159, encore à droite, encore. 2 km j'ai fait. Ils ont fait 5000. Oh les bâtards, ils sont tellement chauds. Ah non mais c'est... Désolé. De quoi ? J'ai cru que c'était terminé, j'ai cliqué sur le point parce que je voulais voir mes scores et les rentrer. De quoi ? Ah, t'as lancé ? Quoi ? T'as lancé ? Lancé hein, s'il vous plaît. Oui, j'ai lancé sans faire exprès. Ah putain, ah, go. Merde, putain. Ok. Rire de droite. Tu nous diras pas où t'es à la fin quand... Bah, menée planche, on est entre la D85 et la D70. Entre Ségris et Saint-Aubin. Condé, menée planche.
C'est gris Saint-Aubin, ouais. Je bouge, hein. J'ai bougé là, on fait n'importe quoi, de toute façon. Oui, de toute façon, hein, perdu pour perdu. Mais ouais. En vrai, Condé, il aurait peut-être fallu y aller, parce que c'est souvent Condé sur quelque chose. Et peut-être que si... Là, il est sur Condé, hein. Oui, mais justement, peut-être qu'en y allant, on aurait vu que c'était Condé sur 1-1, tu vois. Non, mais moi, je suis dans Condé, j'ai vu le panneau. Ah, ok, c'est juste Condé sur le panneau d'entrée d'agglo, tu veux dire. Issoudun, centre de la France, écoutez-moi, centre de la France, on est vers Issoudun. Issoudun, c'est vers... c'est pas vers... Si, Châteauroux, vous voyez Châteauroux, centre de la France. À droite de Châteauroux, il y a Issoudun, on est à 9 bornes de ça. Attends, je vois pas Châteauroux. Issoudun, oui, Châteauroux, Issoudun, ok. Ok, vous avez Issoudun, la... D68, Issoudun, il faut... Attendez. C'est en dessous. Je vois Condé. Ok, je suis à Condé aussi. Je suis à Condé. On était au croisement entre la D85 et la D70. C'est juste au sud de Condé. On est au croisement entre ça. Faites le guess. Bon bah. 4 mètres. C'est bon. Ouais, ils l'ont aussi probablement. Ok. Bon bah, faut rentrer les scores. Ouais, vas-y. Oui, bien sûr, je fais mon guess. Ah, c'est dommage. Oh là 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 là. Au secours. C'est terrible, hein. C'est terrible. C'est vraiment le stress. Hein. La... Merci Yanoumi pour les 100 bits. Lounet okay. Pour les 3 mois. Garten Tractor pour les 6 mois. Merci beaucoup. Et Yanoumi pour les 2 mois aussi. Nikotsan pour le Prime. Bardonus pour le Prime. Et merci pour le train de hype, tout le monde. Bravo, bravo. Mais ils avaient Bilou, c'est cheaté d'avoir Bilou. Hein. Bilou, c'est l'action replay de Geogazer. On le sait tous. Complètement. C'est vrai. Non, en vrai, en vrai, il était très 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 chaud hein, aussi. Monté qui a fait une game incroyable. Bon, on va retourner dans le général, ils ont fini. Let's go. Vas-y. Ah, bravo à vous. Bravo. Très, très bravo, cool. bravo. Oh, on a terrible. Juste réussi à pas se faire avoir sur la toute dernière, mais c'est tout. Ouais, c'est... Ah, c'est... Dommage pour 4999 sur argent. Ouais, on a hésité entre deux points. On a hésité entre deux points, entre celui qui était bon et celui qui a donné 4999. Ouais. Merci Max Ziller pour les 100 bits. Ouais. Bravo à vous, c'était cool, bravo. GG, bravo. Bravo. Bravo, ouais. Monté, c'est premier avec 284 points, suivi par Antoine 254. En troisième, Bilou. 250 étoiles qui me égalité. M'égalise avec égalité. Grâce au truc d'équipe avec 238 points pour étoile et moi et angle droit avec 202 points. Et au niveau des équipes, c'est une énorme victoire de Antoine les Daniel, autres. Franchement, ah oui, non, ouais. C'était points, check, hein. Pour le projet d'armes. Ah oui, non, c'était terrible là, vraiment. GG's. Non, monté aujourd'hui, il était énervé. Tellement chaud bouillant. Monté terrible là. Très nerveux. Ouais, il a fait le dernier round. Bilou et Monté ont fait perfect. Monté a fait perfect au premier, quasi perfect au deuxième. Bon, il a eu un 828 à un moment qui était coup dur. Le vrai coup dur du jour, c'était quand même le 1 point pour Mister JD au début du round. Ouais, le 1 point. Attention, je n'ai pas eu 0. C'est quand même important de la spécifier. Oui, merci, bravo, bravo JD. JD, il faut que tu t'entraînes en Diverse World là, au bout d'un moment, va falloir s'y mettre. Hein. Je prends pas de plaisir à m'entraîner et tout. Bah du coup, dans ce cas-là, on te mettra dans l'autre équipe, du coup, JD. Parce que, voilà, tout simplement, je vais pas te mentir. Si tu ne t'entraînes pas sur Diverse World. Voilà. Voilà, mon cher JD. Bravo l'équipe. Bravo la team. Bravo à tous. Team. Bravo la team. Mais de toute façon, là, Florence et Étoile, on se retrouve très vite, là, dans 45 minutes, en fait. Bah ouais. Ah bon ? Oui, on fait du Among Us. Among Us. Est-ce que vous arrêtez vos lives pendant ces 45 minutes ou on peut vous envoyer les gens chez vous ? Moi, j'arrête pas. Moi, je sais pas quoi faire. Du coup, Antoine ou y a Florence, pas... vous faites un truc ? Y a pas une Opécor Game qui traîne vite fait, juste regarde ? Non, non, y a pas. C'est que... Bah moi, j'en ai parce qu'on est genre, on est 11300, tu vois, donc je me dis, ce serait peut-être le moment de lancer l'Opécor Games, mais y a pas l'Opécor Games, donc... Je peux pas transférer des bounties, quoi. Non, ça dégoûte. Putain. Ça dégoûte. Donc, qui c'est qui continue, du coup ? Moi. C'est compliqué, parce qu'en fait, il faut qu'on bouffe un truc avant 21h, quand même, vite fait. D'accord. Vous faites quoi ? Bah, je pense qu'Étoile voulait nous proposer un GeoGuessr, en vrai, il voulait un truc un peu plus casual, peut-être. Moi, j'hésite, j'ai bien envie de faire un peu du GeoGuessr chill, mais il faut que je bouffe en même temps, donc... Bah, tu fais du social... En vrai,
Bien sûr. En vrai, mec, t'es chaud, fais une game de 20 minutes de Sims. Non, t'es fou, étoile. Non, arrête. What the fuck, tu veux pas? Non, t'es taré, toi. Mais t'as commencé à me détester quand? C'est récent ou... ça fait 4-5 mois, un truc comme ça, à peu près, un truc du genre. Ok, ah ouais, ok, je pense que c'est plus récent. Mec, en vrai. Non, j'ai vu que t'avais lancé sur Steam le jeu et moi j'y joue pas là. C'est genre. En vrai, Antoine. Non, en vrai, étoile, t'arriveras pas à me convaincre. En vrai, les gars, je trouve qu'Antoine est bizarre. Je pense qu'il est un imposteur. Putain, ça te dégoûte. Enfin, je le trouve. En fait, je fais un call, il le suit pas. Excusez-moi, mais moi je fais toutes mes tasks, c'est-à-dire jouer la Norvège, et lui il le suit pas. Ah non, désolé. Bon. Désolé. Allez. Bon, allez, Monté, Bilou. Je vous souhaite une bonne soirée. Bravo encore, Monté. Bien, bravo la team. Salut. Salut à tous. Mais du coup, nous trois là, comment ça se passe? En vrai, bah moi je vous propose un jeu. Hein. Ouais, non, moi j'ai pas envie de jouer à Civ, étoile. Je te le dis, cash. Mais on peut manger en même temps que Fall Guys. Ah non, on peut pas manger en même temps que Fall Guys. Bah écoutez, Twitch. Twitch Things. C'est Twitch Things. Merci Monté pour le raid et bravo. On se fait The Witcher 3 comme ça là. Ah, faut que je continue moi en plus. Faut que je continue. Un petit Scriblio sinon. Juste à 3. Non mais par contre moi je suis un trolleur, c'est faut vraiment que j'aille manger. Parce qu'on va jouer pendant 6 heures à Among Us et je... Non mais je vais m'évanouir si je mange pas. Bah moi c'est ça que j'ai peur, c'est vraiment de me faire embarquer par... Je vais rester tout seul de mon côté, je vais être obligé de parler avec le chat. Super. Antoine, tu préfères quoi? Que je meure ou que je reste avec toi? Non, en vrai que je reste avec toi. Ah, non, bah ouais mec. Non, va manger étoile, t'es fou. Non. A tout, t'as dans 45 minutes, ça va être trop bien. Ouais. Minutes. À toutes. Mangez bien. Mais en vrai, ouais, peut-être que je mange aussi en vrai. Qu'est-ce que je fais moi? Merci Matsuno en fait pour les 8 mois de sub tier 2, je t'avais pas remercié. Et Maxiller pour les 100 bits, merci beaucoup. J'hésite là. Il faudrait peut-être que je mange en vrai. Merci Nicolas pour les 2 mois de sub. Go train sur Cetera en géo, non? Ah, j'avoue, on pourrait faire ça en vrai. En vrai, je pourrais m'entraîner sur un truc de géo à la con, parce que je suis un peu à la ramasse. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Antoine Daniel, bah il a fait le buzz. En plus, JD vient de me raid. C'est quoi? C'est le site? C'est Cetera, c'est ça? Non, comment c'est? Ah non, c'est avec un S. Attendez. Merci JD pour le raid. Hein. Et Nicolas pour les 2 mois. Cetera, jeu de géographie. Attends. Tac. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qui est capital et tout, normalement, je suis OP. C'est quoi mes faiblesses en vrai? C'est surtout genre les départements français. Ou les drapeaux aussi, je suis à chier. Attends. Genre. Les arrondissements de... Mais attends, c'est quoi les arrondissements de Paris? Qu'est-ce qu'ils me disent? Ah oui, non, d'accord, ok. Train cyrillique. Les régions, les rivières, les villes. Attends, les villes, je veux juste voir les villes. Ah non, mais c'est trop facile. C'est pour bébés. D'accord, oui, d'accord, c'est pour les bébés, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Putain, mais c'est énorme. D'accord, ok. Waouh, putain, les gars. Attends. Les préfectures, les départements. Les départements. Oh, putain, mais je suis trop chaud, en fait. Ah non. Quand soudain, l'Ariège. L'Ariège, je sais même plus où c'est. Pense quoi? L'Ariège. Oh non, ça, c'est l'autre Loire. Ça, c'est l'Ardèche. Ah, c'était ça, l'Ariège. Nick. Le Bas-Rhin. Facile. Allier. Pas ça, l'Allier? Si. La Haute-Savoie, c'est là. Les Hautes-Alpes, c'est là. Le Maine-et-Loire. Oh. C'est pas dans ce coin? Non. Si. Oh putain. Le Maine-et-Loire. C'est pas. Non, ça c'est l'Eure.
Le Maine-et-Loire, ça c'est la Sarthe. Attends. Ah putain, c'est ça. Tarn-et-Garonne. Alors ça c'est la Haute-Garonne. Tarn-et-Garonne, voilà. La Vienne. C'est Poitiers, la Vienne, c'est pas ça? Non, ça c'est Deux-Sèvres. Non, c'est la Charente. C'est la Vienne. Merde. L'Eure, du coup, je l'avais tout à l'heure. L'Eure, c'est l'Eure. Putain, j'ai envie de crever. L'Eure-et-Loire, c'est là. La Saône-et-Loire. C'est horrible ce jeu. La Saône-et-Loire. Je suis à chier. La Saône-et-Loire. C'est pas ça? Ah si. Les Yvelines, c'est ça. L'Indre. C'est ça l'Indre? Non, ça c'est l'Indre. Le Finistère, c'est là. Les Ardennes, c'est ça. La Drôme. La Drôme, c'est ça. La Dordogne, c'est ça. L'Ardèche, c'est ça. Lyon, ici. La Meuse. Oui. Le Lot et Garonne. Ah non, c'était le Lot, putain. J'ai confondu les deux. Le Nord, c'est là. La Somme, c'est ça. La Haute-Loire. Là. L'Aisne. Ça. La Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique, c'est ça. Paris. Ici. Seine-et-Marne. Là. Non, c'est le Val-de-Marne. Putain, je... C'est honteux. Le Gard. Le Gard. Le Val-de-Marne, voilà. Le Val-de-Marne. La Haute-Corse. La Seine-Saint-Denis. Foulon, Tongue, les Barbes. Les Pyrénées-Orientales. Ici. La Haute-Saône. Ça? Non, ça c'est l'Inde. La Haute-Saône. La Haute-Saône. Putain, j'en ai aucune idée. Non, ça c'est le Jura. Je sais pas où c'est. Ah voilà, c'était ça. La Savoie. Tac. Les Alpes de Haute-Provence, c'est ici. La Lozère. Non. Oh, c'est... Non, je l'ai pas. C'est ça. Les Bouches-du-Rhône, c'est ici. L'Aube. 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 C'est pas... Non. Je suis à chier. L'Aube. Non. L'Aube. Non, je sais pas où c'est. C'est pas ça. Non. Non, c'est la Marne, ça. Non, je... Ah putain, c'était celui-là. Je me déteste. Le Jura. Le Jura. Non, c'est... Putain. Je suis à chier. L'Hérault. Hérault, c'est ici. La Charente-Maritime. Attends. La Vendée. Non, c'est Charente-Maritime, c'est celui-là. Le Tarn. Les Hautes-Pyrénées. La Haute-Vienne. Non, 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 ça c'est la Charente, ça. La Haute-Vienne. L'Isère, c'est là. L'Aveyron, ça. La Gironde, là. Le Morbihan, c'est là. La Marne, c'est ici. La Meurthe-et-Moselle, c'est lui. La Vendée, c'est ça. Les Vosges, c'est là. Le Rhône. Le Rhône, c'est ça. La Corrèze, c'est ça. L'Essonne, ici. Le Cantal. Le Cantal, c'est Aurillac, c'est ça. Non. Quoi? Ah putain, c'était plus bas. La Moselle. Bah, la Moselle, c'est là. L'Aude. L'Aude, c'est ici. Pyrénées-Atlantiques, c'est là. Le Loiret, ici. Deux-Sèvres, là. Le Cher. Ça. Calvados, ici. Côte d'Armor. La Manche. Le Haut-Rhin. Seine-Maritime. Le Lot. L'Ille-et-Vilaine. Le territoire de Belfort. Mayenne. Le Doubs. La Haute-Marne, l'Ain, le Loir-et-Cher, la Charente, la Creuse, le Val-d'Oise, meilleur département de France bien sûr, l'Oise, les Landes, le Var, la Haute-Garonne, le Vaucluse, les Hauts-de-Seine, la Sarthe, l'Indre-et-Loire, la Corse du Sud, les Alpes-Maritimes, la Loire, l'Orne, le Puy-de-Dôme et la Côte d'Or. On les enchaînait à la fin. Là, on les a enchaînés. Ok.
81% en 6 minutes 08. Du coup, mes grosses difficultés, c'était vraiment... Ah merde, si je passe dessus, je peux... Ah si, c'est l'Aube. L'Aube, le Jura, la Lozère et l'Ariège. L'Ariège, je me suis planté. Bon, ça, normalement, je me plante pas. Celui-là, j'ai fait de la merde. Pareil pour l'heure aussi. Bon, Maine-et-Loire, Vienne. Vienne, j'aurais pu la voir, en vrai. Lot et Garonne, j'ai eu... Parce que j'ai appuyé sur Lot. Cantal, ouais, je me suis trompé. Et Haute-Saône aussi. D'accord. Compliqué, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce site? Oh, les préfectures, mon pote. On va passer vite fait en emote only, parce que je veux pas qu'on me spoil. Mais vous avez le droit de donner des indices avec des émotes. Cliquez sur Pontoise. Ah non, mais attendez, on peut pas faire juste une... Attends. Sinon, je vais sur Jetpunk. Merde. Jetpunk. Je sais que sur Jetpunk, t'as plus de trucs. Attends. Préfecture... Ah non. Préfecture des départements français, voilà. Ok. L'Ain, c'est pas Bourg-en-Bresse ? Si. L'Aisne ? C'est pas genre Bar-le-Duc ? Ah merde, c'est la Meuse. Bon bah j'ai la Meuse du coup. J'essaie de voir si je comprends des indices que vous me donnez dans le chat. Merci Increase pour le Prime. Bon, l'Aisne, je l'ai pas. L'Allier, c'est Moulins. Moulins, je l'ai. Les Alpes de Haute-Provence. Les Alpes de Haute-Provence. Dax, je crois que c'est les Hautes-Alpes tout court. Peut-être Dax. C'est compliqué, hein. Ah non, Dax, c'est pas du tout. Non, pas Dax. Je voulais dire Gap, putain. Ah non, mais Gap, c'est l'autre Zalp. Je sais pas pourquoi j'ai dit Dax alors que je voulais dire Gap. Ah putain, mais Alpes de Haute-Provence, c'est quoi? C'est... un truc en trois mots, je crois. Est-ce que j'ai raison quand je dis que c'est un truc en trois mots? Je crois que c'est un truc en trois mots. Oui, hein. Oui, c'est un truc en trois mots. C'est... c'est pas genre Aix-les-Bains ? Non, pas du tout. Non, c'est quoi ? J'ai un trou de mémoire. Je sais plus. Alpes-Maritimes, c'est Nice. Là, je vois la liste et je me dis, mais j'en connais aucun, en fait. Genre l'Ardèche, les Ardennes... Si les Ardennes, c'est Charleville-Mézières. Attends, déjà, je vais faire celle que je connais. Ariège. Non. Aube. En fait, il y en a certaines, genre par exemple, Nancy, je sais que c'est une préfecture, mais je sais pas de quel département c'est ça le problème, en fait. L'autre, je sais pas non plus. Ah, en fait, j'y connais rien. Bouches-du-Rhône, c'est Marseille. Calvados, c'est Caen. Le Cantal, c'est Aurillac. La Charente, c'est Angoulême. Charente-Maritime, c'est La Rochelle. Le Cher, c'est Bourges. La Corrèze, c'est Tulle. Corse du Sud, c'est Ajaccio. Haute-Corse, c'est Bastia. La Côte d'Or, c'est Dijon. Côte d'Armor. Vannes. Ah non, merde, c'est le Morbihan. Putain, Côte d'Armor, du coup, c'est Saint-Lô. Oh merde, non. Saint-Lô, c'était quoi? Ah non, c'est la Manche, pas du tout. Côte d'Armor. Côte d'Armor. Côte d'Armor. Saint-Brieuc. Oui. La Creuse, c'est Guéret. La Dordogne, c'est Périgueux. Est-ce qu'il est pas comme ça? Moi, c'est pas ça. Si, c'est ça. Le Doubs, c'est Besançon. La Drôme. Je sais pas. L'Eure. C'est pas. Angers? Ah non. Ah merde, non, pas du tout. Angers, c'était quoi? Ah non, c'est la Maine-et-Loire. Non, l'Eure, je sais pas ce que c'est. L'Eure-et-Loire, c'est... c'est, putain, la cathédrale de...
Mais c'est pas vrai, trop de mémoire. L'Eure-et-Loire, Chartres. Chartres, le Finistère, Quimper. Le Gard, c'est Nîmes. La Haute-Garonne, c'est Toulouse. Le Gers. C'est pas Agen, le Gers? Ah non, putain, Agen, c'était quoi? C'était le Lot-et-Garonne. Merde, je me trompe. Bon, la Gironde, c'est Bordeaux. L'Hérault, c'est Montpellier. L'Ille-et-Vilaine, Rennes. L'Indre, c'est Châteauroux. Châteauroux. L'Indre-et-Loire, c'est pas Tours? Si. L'Isère, c'est Grenoble. Le Jura, Lons-le-Saunier. Oh, celui-là, je le sors de mon cul, celui-là, oui. Les Landes, c'est pas Mont-de-Marsan? Si. Le Loir-et-Cher, c'est pas Bourges? Non, Bourges, c'est le Cher. Le Loir-et-Cher, attends. T'as Bourges, t'as... Dans le centre, t'as Orléans, Châteauroux, Tours, Bourges, et elle, c'est... Putain, j'ai un trou de mémoire. J'ai envie de dire Loche, mais je sais que c'est pas ça, c'est... Des indices dans le chat, s'il vous plaît. Le feu, la cathédrale de... Notre-Dame de... 666. Le diable. C'est quoi ça? Une boisson. La violette. Le violet. La violette de... Oh, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Vas-y, je passe à la suite. La Loire, c'est Saint-Étienne. La Haute-Loire, c'est... Oh, j'en ai aucune idée. La Loire-Atlantique, c'est Nantes. Le Loiret, c'est Orléans. Le Lot... C'est pas Cahors, hein. Ah, si. La Lozère... Aucune idée. Ouais, non, aucune idée. Alors, qu'est-ce que j'ai... La Marne, c'est Châlons-en-Champagne. Ouais. La Haute-Marne, c'est... Chaumont. La Mayenne, c'est Laval. La Meurthe-et-Moselle, c'est Nancy. Voilà, Meuse-Morbihan, c'était fait. La Moselle... La Moselle... Un indice, s'il vous plaît. La Moselle, c'est quoi? Le sel? Quoi? Gaulle? Yeah. Carton rouge? Carton. Il y a un truc avec le foot, j'ai l'impression. Il y a des croix encore? Les croix? La croix de Moselle? Mais non, c'est Metz! Mais bien sûr, putain! Je suis trop con. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression d'avoir déjà écrit Metz. Excusez-moi. La Nièvre, c'est Nevers. Le Nord, c'est Lille. L'Oise, c'est Beauvais. Oui. L'Orne, c'est Alençon. Le Pas-de-Calais, c'est Arras. Le Puy-de-Dôme, c'est Clermont-Ferrand. Voilà. Les Pyrénées-Atlantiques, c'est... C'est pas Pau? Si. Les Hautes-Pyrénées... Les Hautes-Pyrénées... Le Pyrénées-Orientales, je sais que c'est Perpignan. Mais les Hautes-Pyrénées... Les Hautes-Pyrénées... J'ai l'impression qu'on essaie de me faire un rébus Jacques Sparrow. Tu sais, de l'eau, le son, oui, ça passe, et l'œil de Sauron. Alors, c'est des émotes de Zerator. Au son, oui, passe Sauron. Merci Kayouzis pour le Prime. Le rugby, ouais, bah ouais, mais je connais pas bien. Cucucu. Cucunian? Cucucu. 1 plus 1 plus 1. 3-1. 3. 3! Bien joué! Ah mais non, mais c'était l'aube! Mais non! Moi je veux les Hautes-Pyrénées! Lou Wayne, merci pour le Prime. Sapin. 4 sapins? Tu me dis My Fucking Mess? 4 Noël.
les Noël, Noël ma mère, Bègle, et tout. Bon, les Hautes-Pyrénées, on passe. Le Bas-Rhin, c'est Strasbourg. Strasbourg. Et le Haut-Rhin, c'est pas Mulhouse, c'est l'autre ville de mort. Parce que, non, c'est pas Mulhouse. Hein. Non, c'est... J'ai oublié le nom de la ville. Je sais qu'il y a cette ville qui est là-bas. Et j'ai oublié son nom. C'est quoi ? Cochon, cochon, quoi. Crétin. Ah non, ça, c'est pas un indice, ça. Nook Nook ? Alors, il y a Tom Nook, Tom Tom ? Tom Nook, Tom Nook ? Non. Alors, vous m'aidez pas, là. Il y a pas d'aide, là. Il y a aucune aide, là. C'est de la merde. Bon, je l'ai pas. Je sais plus. Le Rhône, c'est Lyon. Bou bou bou. Ah, le Haut-Rhin, je sais plus le nom. La Haute-Saône et la Saône-et-Loire. Aucune idée. La Sarthe, c'est le Mans. La Savoie. C'est pas Chambéry ? Si. La Haute-Savoie, c'est Annecy. Paris. La Seine-Maritime. C'est pas le Havre ? Ah non ? C'est quoi, c'est pas le Havre? Le Havre? Je le retente au cas où. La Seine-Maritime? Il y a des flammes. Rouen? Ah, bien joué. Bien joué à tous. La Seine-et-Marne, c'est Melun. Les Yvelines, c'est Versailles. Les Deux-Sèvres, c'est... Les Deux-Sèvres, Niort, oui. La Somme. Merci Sil Gécano pour les 2 mois de sub, merci beaucoup. La Somme, c'est quoi? Le foot encore, hein. Bah, vrai, le foot, c'est... Il y a beaucoup le foot, hein. Pourquoi est-ce que vous me montrez des poulpes, là? Jean Baguette, yo mec, Mario. Rire de droite. Mario. Non. Gauche. Il y a beaucoup de croix aussi. Il y a Sardoche qui arrive. Je sais pas. Bon, je l'ai pas, la Somme. Le Tarn, c'est Albi. Albi, c'est le Tarn et Garonne. Oh putain, je sais pas du tout. Ah, c'est Attends, je sais que. Ah non, Carcassonne, c'était où? J'ai loupé Carcassonne tout à l'heure. Ah, c'était l'autre Carcassonne. Le Tarn et Garonne. Merci, Cacapipi. Énorme. Pour le sub, Sensenou pour les 5 mois, merci beaucoup. Ok. Ponce 1. Alors, il y a Archibald H qui met Ponce et le chiffre 1. Ponce 1. Ponce One. Non. Alors, je l'ai pas, le Tarn et Garonne. Je l'ai pas. Le Var, c'est Toulon. Le Vaucluse, c'est Avignon. La Vendée, c'est... La Roche-sur-Yon. Oui. Putain, celui-là. La Vienne, c'est Poitiers. La Haute-Vienne. Limoges. Les Vosges. Les Vosges. Putain, je sais plus. Lyon, c'est... merde. Auxerre. Le territoire de Belfort, c'est Belfort. L'Essonne, c'est Évry. Courcouronne, même. Évry-Courcouronne. Les Hauts-de-Seine, c'est Nanterre. La Seine-Saint-Denis, c'est Bobigny. Le Val-de-Marne, c'est Créteil. Le Val-d'Oise, c'est Cergy. Cergy-Pontoise. La Guadeloupe. C'est pas genre Basse-Terre ou un truc comme ça? Si, Basse-Terre.
La Martinique, c'est Fort-de-France. La Guyane, c'est Cayenne. La Réunion, c'est Saint-Denis. Et Mayotte, c'est Mamoudzou. Mamoudzou. Il m'en manque combien? Je vais en trouver 83 sur 101. Il me manque l'Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aveyron. Oh, la Drôme, l'Eure. Putain. En fait, quel nom j'ai en tête et que je n'ai pas? Genre le Haut-Rhin, putain, t'as Mulhouse, Zeta. Ça me rend fou, en fait. Merci Supiran pour le savoir-faire à Amiens. Ah non mais les gars, vous êtes pas. C'était où Amiens d'ailleurs? Amiens c'est où? C'est là, c'était la Somme Amiens. Non les gars. Please. Après ça fait du fric hein. FFF. Non. Mais pourquoi il y a des poulpes là? C'est quoi le truc avec les. Il y a quelle ville où ça peut. Tentaculeville, Poulpeville. Il y a masse poulpe, hein. Je sais pas pourquoi. Il y a 4 poulpes. C'est pas des poulpes, ça doit être des pieuvres. 4 pieuvres. Pieuvre 4. Des pieuvres. Des pieuvres, des poulpes, des. C'est quoi la. Rire de droite. Le calmar. Colmar, merci Yotol hein, pour le savoir faire à Colmar. C'est très. Non mais là vous me donnez trop de trucs. Non. Attendez, oui, alors, c'est sympa les subs. J'adore l'argent. N'hésitez pas à sub à la chaîne bien sûr. Vous êtes 11077. N'hésitez pas à sub bien sûr. Mais je veux voir. Moi je veux trouver les indices via les émotes. Je note son pseudo au lieu de noter Valence. Valence qui est du coup la Drôme. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qui me manque? Il me manque les Hautes-Pyrénées, la Haute-Saône, la Haute-Loire, le Tarn-et-Garonne, les Vosges, la Haute-Loire, le Loir-et-Cher. Alors, le Loir-et-Cher, ça m'en ouf, je sais que je connais, quoi. Ah, Laon! Ah oui, putain, Laon. Alors, Laon, c'était où? Rire de droite. Laon, c'était l'Aisne. Ah oui, d'accord. Merci, Swab, pour savoir faire à Laon, du coup. Zozni pour le Prime. Non, mais laissez-moi un peu trouver... Mais attends, le Loir-et-Cher, ça me rend fou. T'as Bourges, Tours, Orléans, Châteauroux et... Bourges, je l'ai dit, mais attends, c'est... Oh, putain. Merci, Fofi. Hey, Pali, pour vos primes. Merci beaucoup. En fait, je comprends pas c'est quoi cette boisson-là. Canette. Le canette elle mort dans le Var. Canette, une canette Twitch, là. Il y a une canette Twitch, c'est à boire. Rire de droite. Ah, il y a Hoche aussi. Mais putain, mais Swab, arrête, s'il te plaît. Please. Laisse-moi deviner. Gers, merci. Donc, attends. Des Doritos. Il y a des triangles. Les vacances. Violette, la violette de... Peut-être que là-bas, la spécialité, c'est la violette. Le violet. Violet le duc. Le sapin. Non. Putain, je les ai pas. Je les ai pas, là. B.A. Bah... Bekera, Belova, Beamoura, Amora, par amour du goût, Dijon, et tout. La photo, le marteau, le chien. Putain, je comprends rien. Rire de droite. Merci Brut Bulle pour les 8 mois. Attendez. L'appareil photo, il y a écrit Tours. Mais Tours, j'ai déjà écrit Tours. C'est l'Indre-et-Loire. Moi, je veux le Loir-et-Cher. C'est sûr que c'est pas Tours. Bah non, vous me montrez l'appareil photo, il y a écrit Tours en dessous. Mais c'est pas ça. C'est sûr que c'est pas ça. Et cette canette, c'est quoi? Putain, mais du coup, je vais peut-être comprendre quand je saurai ce que c'est. Le Loir-et-Cher.
Bon bah je sais pas. Allez, je give up, on dit que je les trouve pas. Voyons voir, c'était quoi? Le Loir-et-Cher, c'était quoi? Blois. Ah, Blois de... C'est très bien vu de votre part. Je retire les matelas. Il manquait... Digne-les-Bains. Putain, voilà, c'était ça les trois mots que j'avais pas. Digne-les-Bains pour les Alpes-de-Haute-Provence. Privas pour l'Ardèche. Foix. Ah, pour l'Ariège. Rodez en Aveyron. Évreux pour l'Eure. Blois, du coup. Le Puy-en-Velay, la Haute-Loire. Mende. Putain, Mende, bien sûr, la Lozère. Tarbes pour le Pyrénées. Vesoul. Ouais, c'est Vesoul. Le Bilou qui habite là-bas. Mâcon. Mâcon, Tarn-et-Garonne, Montauban, Épinal pour les Vosges. Ah là 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 là, terrible, 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 terrible. Ah c'était, je sais pas, c'était Colmar effectivement le Haut-Rhin. Ouais. Donc voilà ce qui me manquait. Bon j'en avais eu quelques-unes quand même, putain je suis à chier. Hein. Épinal c'était les sapins. Ah. Je pense que le drapeau t'es pire. Alors, drapeau. Alors attendez, on va pas. Je suis désolé. Merci petite bière brune pour les deux mois. On va remettre en emote only pour les drapeaux. Hop. Drapeau de pays 1. Bon, alors ceux-là, ils ont pas l'air très durs. France. Pays-Bas. Russie. États-Unis. Australie. Chine. Brésil. Norvège. Italie. Irlande. Royaume-Uni. Grèce. Canada, Jamaïque, Japon, Mexique, Israël, Afrique du Sud, Suède et Égypte. Ah non. Iran ? Oui. Bon, celui-là, ça va. Celui-là, ça va. C'est l'Iran qui est le moins trouvé, statistiquement. Bon, je vais en faire un autre. Et j'ai vu qu'ils en avaient d'autres. Drapeau, pays numéro 2. Tac. Merci ZZ Chrono pour les 6 mois de sub. Merci beaucoup. Alors, là, on a... Espagne, Allemagne, Argentine. Alors ça c'est quoi? Autriche? Oui. Cambodge. Cambodge, Chili, Chypre. Ils ont la gueule du pays sur le pays, ça c'est extraordinaire. Ça c'est le Danemark, Suisse, Finlande. Ah non merde, la Finlande c'est celui-là, pardon, j'ai la merde. Ça c'est l'Islande, pardon. Islande, Inde, Finlande du coup, Corée du Sud, Thaïlande, Turquie ou Tunisie? Turquie, je dirais. Ouais, Turquie, Ukraine, Uruguay, oui, Vietnam, Singapour, non. Putain, je sais pas ce que c'est celui-là. Et le dernier, c'est l'Arabie Saoudite, il me semble. Arabie Saoudite, oui. Mais celui-là... Cette gueule-là. Ouais, c'est mal. Ah, Taïwan, peut-être. Oui. Taïwan. Tout à fait. Ah, c'était le moins trouvé. 35%. Merci, Abstractless, pour les 13 mois. Merci beaucoup. Il y en a un autre. Je pense que ça va être de plus en plus dur, en vrai. Numéro 3. Oh ! Alors, le premier, je l'ai pas. Par contre, celui-là, c'est la Colombie, je crois. Oui, ça c'est l'Albanie. Le Laos ? Non. Le Bangladesh. Ça c'est le Bhoutan, ils ont un dragon dessus. Le Bhoutan. Le premier, je sais pas ce que c'est. Oh, les autres là c'est horrible. Alors ça, celui-là je crois que c'est l'Égypte. Ça. Oui. Ça je crois que c'est le Sri Lanka. Ensuite c'est le Liban. Là t'as la Malaisie. Ça c'est la Corée du Nord. Alors les autres, je galère de ouf. Ça, je sais que c'est le Kenya, celui-là. Kenya. Y'a pas genre... Ça, c'est pas l'Afrique du Sud, genre. Non. Pas du tout. C'est... Alors là, je les ai pas. Ça, c'est quoi? Et ça aussi. Les pays avec le croissant, franchement. En fait, j'ai envie de mettre au pif, mais c'est pas marrant, faudrait que je sache, quoi. Ah non, mais celui-là, je suis trop con. Ça, c'est la Pologne. Oui, voilà. Ça, c'est la Pologne, j'avais zappé celui-là.
Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ça, c'est quoi, ça? Ça me dit absolument rien, ce truc-là. Enfin, c'est le drapeau de l'Angleterre. Angleterre, mais avec des croix autour. Pas du Royaume-Uni, hein, je parle bien de l'Angleterre. Et ça? Ça, c'est pas un pays d'Amérique centrale, genre Paraguay? Non, pas du tout. Compliqué, là, hein. Compliqué. Go. Attends, il y a quelqu'un qui a une émote bizarre, c'est quoi? Frolic. Qui a une émote frolic? Un indice. Il y a quelqu'un qui poste une émote Karl Marx, qui c'est qui l'a? Ah oui, c'est Usul, évidemment. Karl Marx, l'Allemagne, le communisme... L'URSS, le Cuba? Et non, pas du tout. Bah, Corée du Nord, je l'ai trouvé. La Révolution, le Cuba, Fidel... Francky Vincent, le restaurant. Merci juste à Sako pour la net sub. 1 plus 2 plus 3. 6. 1, 2, 3. Vive l'Algérie! Ah non. J'y ai cru, hein. Parce que je sais pas quel est le drapeau de l'Algérie. Attends, ça me dit un truc. Pas grand chose en vrai. Mais après, les drapeaux avec les croissants, je les confonds tous. Merci Lady Ria pour les 9 mois. Non, je sais pas. Je vais give up. Attends, mais ça, c'était quoi, ça? Vas-y, je give up sur celui-là. C'est quoi? Le Venezuela, le Pakistan, Géorgie... Ah, c'est déjà la Géorgie, ça. Le Panama... Ah, je savais bien que c'est un truc d'Amérique centrale. Ah, l'Afghanistan. Putain, compliqué à reproduire, hein, celui-là. La Libye. Moi, je me souviens de l'époque où il était tout vert, le drapeau. Tout ça, j'avais... Singapour... La Tanzanie... Trinité-Tobago. Bon courage. Ouais. Mais après, je pense que là, il y en a plus sur le... C'est tellement dur. Drapeau du monde. Ils sont tous là! Ah oui, d'accord. Bon, attends. États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Russie, Pays-Bas, France, Italie, Irlande. Putain, je suis quelqu'un qui a mis les mots de Togan. Merci Mathieu Spapan pour les 3 mois. Oh, je suis à chier. Oh non, mais je les vois là, je vais jamais y arriver. Même celui-là, je sais même plus, j'ai des trous de mémoire. Pourtant, celui-là, il est connu. Hein. J'ai des putains de trous de mémoire. Attends, y a pas la Hongrie là-dedans? Attends, juste. Hongrie? Non, c'est celui-là, la Hongrie. Merde. Oui. Lui, c'est la Hongrie. Ça, je ne sais pas. En plus, faut cliquer à chaque fois. Japon. Corée du Sud. Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure. Sri Lanka? Non. Bangladesh, pardon. Bangladesh, Laos? Non. Je sais pas ce que c'est, ça. Le point jaune sur fond bleu. Je sais pas. Ok. Brésil, Suède. Brésil, Suède, Finlande. Finlande, Norvège. Islande. Danemark. Grèce. Du coup, Géorgie. Alors, si c'est logique... Arménie? Non. Alors, peut-être Azerbaïdjan? Putain, merde. La croix comme ça. Ça, à côté, c'est pas Malte, ça? Si. Ça, c'est Malte. Ça, c'est... Je sais plus. Je l'ai pas eu à l'instant, genre. Panama? Non. Costa Rica? Je les tente tous. Nicaragua? Guatemala? Honduras, bon, nique. Chine, Vietnam, oh Angola, non.
Alors là, tout ça. Alors ça, ça on voit la gueule du pays dessus. Ça, c'est le Kosovo ? Oui. Alors, un site qui a pris parti. L'Albanie, Chypre, Bhoutan, Liban, Népal, Vatican, Suisse, Belgique. Ah merde, j'ai écrit Belgique. Belgique. On dirait le drapeau de l'Inde, mais c'est pas lui. Bah du coup, je sais pas trop. Ça non plus, je sais pas. Ça, facile. Alors, étonnamment, celui-là, je sais lequel c'est. Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui. Alors ça. Libertas. Les trois tours. Les trois tours de Saint-Marin. Bien sûr. Évidemment. Saint-Marin, San Marino, ça je sais pas. Ça c'est la Turquie. Turquie, Tunisie, Algérie. Merde. Algérie. Maroc ? Pas du tout. Ah bah le prank, tu me fais Tunisie, Algérie, moi je te dis. Ah non mais attends, on l'a eu tout à l'heure. Pakistan. Oh putain, là on est. Oh ça y est, on est dans les croissants. Alors là, celui-là, il a une belle tapisserie. Je crois que c'est le Turkménistan. Oui. Ça, c'est la Malaisie. Ça, c'était Singapour, je crois. Bœuf. Oh putain, c'est tellement difficile. Si tu les connais pas... Bon, ça, c'est l'Arabie Saoudite. Allemagne. Espagne. Ça, c'est l'Afrique du Sud. Afrique du Sud. Ça, je ne sais pas. Jamaïque, ensuite. Mexique. Inde. Eswatini. Kenya. Oh, c'est pas genre... Non, Trinité Tobago... Attends. Un truc du genre, genre... La Barbade. Oh putain. Mais comment je reconnais celui de la Barbade et je ne reconnais pas ça? C'est... Je suis vraiment un connard, hein. Connard. Donc, Autriche. Autriche, du coup, Pologne. Alors, Monaco? Non. Indonésie. Monaco. Ça, je sais plus. Ça. Ah oui, tous les pays rouge, blanc, noir, là. Irak? Non. Iran? Jordanie? Syrie? Non. Je sais pas. Ça, c'est Égypte. Irak? Oui. Syrie? Oui. Jordanie? Je sais pas. Putain, en fait, les drapeaux, je les ai déjà... Celui-là, on l'a eu tout à l'heure, je sais plus ce que c'était. Si, ça, c'était l'Iran, ça. Ça, c'est l'Iran. Ça, c'est... Sao Tomé? Non, non, c'est... Ça, c'est pas Antigua et Barbuda? Mais pourquoi je trouve ces trucs de mort que personne ne connaît? Mais par contre, ça... Algérie. Argentine. Uruguay. Paraguay. Pas du tout. Je sais pas. Ça, c'est la Macédoine. Macédoine du Nord, ouais. Nauru? Non. Fidji? Non. Un truc du genre, hein. C'est un truc du genre, ça. Ça, c'est bien un truc du genre, ça. C'est pas Singapour, genre? Non, non. C'est un truc du genre. C'est... Je sais pas. Oh, tous ces trucs, là. Si c'est Kiribati, je me coupe une couille. Je me coupe une couille. Ça, c'est... C'est genre... Le Kazakhstan ? Oui. Alors vraiment, c'est insupportable. Attends, Nauru, oui. Pourquoi Kiribati, Kazakhstan, tout ça ? On l'a eu tout à l'heure, celui-là. C'était... On l'a eu tout à l'heure. C'était le Venezuela. Venezuela. Ça, c'est... C'est connu, ça. Les Seychelles. C'est pas du tout connu, c'est juste que t'as... Je l'ai eu tout à l'heure, j'ai oublié. J'ai vu. Ça non plus, je sais plus. Ça, je sais plus, on l'a eu tout à l'heure. Ça... Ça, c'est Brunei. Ça,
Mais pourquoi? C'est fou. Je connais vraiment les trucs obscurs, mais les trucs obvious, je les ai pas, quoi. Ça, c'est... Attendez, merde. Il va être 21h, va falloir que je passe sur Among Us. Ah, mais de ouf. Ah oui, attendez, voilà. Je passe là-bas. Faudra que je passe sur Among... Oh non, mais il y en a trop, en plus, attendez. Attendez, je mets Sainte-Lucie très vite fait. Merci. Et ensuite, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce que je connais plus rien, quoi. Non, mais voilà. Ah, c'est assez terrible. Ok. Mais alors du coup, c'est... ça, c'est quoi déjà? Trou de mémoire. Énorme trou de mémoire. Et ça aussi, pareil, mais c'est pas possible d'oublier ça, quoi. C'est pas possible d'oublier ça. C'est quoi déjà le travail du Luxembourg? Non, c'est pas ça. Je sais même plus. Et ça, pareil, je sais plus. Ça, je sais plus non plus. Merci Matsuko pour les 3 mois. Non, Étoile, on va devoir passer sur Among Us, hein, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, Étoile. Hein. Attends, je regarde ce qu'ils ont dit dans le chat. Okay. Je regarde juste sur la conversation Twitter aussi. Ah, mais t'es pas... Ah oui, Étoile, j'avais pas vu. Attends, je t'invite sur... Ah, j'ai pas le lien. Putain, je peux pas t'inviter, Étoile, sur le Discord. Demande à Fukano. Rire de droite. Ah mais non, mais t'es... J'ai dit de la merde, mais t'es sur le Discord, connard. C'est le Discord Among Us Twitch, Étoile. Il est con, lui. Merci Lorraine Weiss pour les 2 mois. Tornado du pour les 4 mois. Merci beaucoup. Étoile, t'es dessus? Bah du coup, MV, il vient ou pas? Ok, bon. Tac. Bon, du coup, je sais pas quels étaient ces pays de mort. C'était quoi? La Bulgarie, la Côte d'Ivoire, Madagascar! Ah, les Palaos, bon. Ok. Tonga, non mais ça c'est normal que j'ai pas ça. République Dominicaine, Burkina, Vietnam, Niger, Gabon. Ah la RDC, Mauritanie. Ouais, Azerbaïdjan, les Comores, putain j'aurais jamais eu ce truc là. Ouzbékistan, Oman. Alors, c'est trop compliqué pour moi tout ça. MV a tweet qu'il se repose. Ah MV vient pas du coup. Alors il le tweet mais il envoie pas le message. Beaucoup de plaisir en chez les Grois récemment, mais avec le taf en plus c'est insomnie, plus la vie de famille, ça commence à être chaud, repose ce soir à fun. Donc MV vient pas. Ok. Non, attends, Étoile. Étoile, oui. Pitié. Quoi, pitié. Quoi, Étoile? On joue au truc des drapeaux? Mais mec, il est 21h, faut qu'on rejoigne les autres. C'est quoi le plus important? Non, 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 non. Drapeaux ou rejoindre non, les non, autres? Non, 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 mec, rejoindre les autres, t'es fou, toi. T'es un ouf. On se rejoint dans 30 minutes, moi je vais jouer à ton site. Mais non, bro, sérieux, arrête. En plus, MV vient pas. Je suis co. Non, mais je suis co, t'es ouf. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vous attends. Vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, j'arrive. Go drapeau, mec. Insupportable.